Oh. Eh bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live des moulins du dev évidemment Bonjour Maître Yorene, bonjour Xen, bonjour Sukato. J'espère que vous allez extrêmement bien, que vous avez passé une semaine extrêmement satisfaisante, que vous en avez bien profité, que vous avez transpiré au moins autant que moi j'ai transpiré des neurones sur cette semaine. Et que vous êtes prêts pour un petit live qui se pourrait tourner autour de Rust une fois de plus. Mais bien sûr, salut Manfred, bonsoir, bonsoir à toi également. Ah là 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 quelle semaine, quelle semaine. Ça a été une semaine assez... C'est une semaine qui n'est pas terminée, hein, on va pas se mentir. C'est une semaine qui va encore se poursuivre sur le week-end parce qu'il y a plein de choses encore qu'il faut que je fasse au niveau du boulot. Mais bon, ça va toucher à, à son but et ça va être bien parce que la semaine prochaine, ça va être du coup... J'allais dire repos, mais non, il n'y aura pas vraiment de repos encore la semaine prochaine, mais ça fera un coup de pression en moins. Voilà, voilà. Euh, bon, 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 bon. Alors, petit rappel de où on en était la dernière fois, de ce qui va se passer aujourd'hui euh, pour faire cette introduction. Donc, première chose la dernière fois, on avait travaillé sur, ou plutôt avec, du rust. Euh, L'objectif, c'est de se familiariser avec ce langage, de le découvrir un peu plus, de manière un peu plus avancée que ce qu'on avait fait les dernières fois, bien un projet euh, qui pourrait être a priori conséquent ou pas. On verra en fonction de comment évoluent les choses et s'il y a des aspects qui s'avèrent être plus simples que d'autres. on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais comme je l'avais euh, dit déjà vendredi dernier. C'est clairement un projet qui va euh, se répercuter sur plusieurs semaines, sur plusieurs lives, euh, peut-être plusieurs mois. Bon, on verra toujours pareil en fonction de comment est-ce que j'avance. Et euh, si à un moment il y a une petite lassitude ou quoi, eh bien, on entrecoupera avec d'autres choses sur des formats plus courts, euh, des petits projets, des petits trucs à voir, etc. Euh, comme ça. Et donc j'ai mon épouse qui me souffle comme ça dans l'oreille d'une manière totalement éhontée. Euh, comme, comme chose qu'on pourrait saupoudrer comme ça à l'intérieur du projet rust, elle me fait le robot aspirateur. Voilà, voilà. Quand on n'a pas, euh, quand on a, quand on a quelqu'un comme ça qui vit avec soi, je vous assure que nous n'avons pas besoin d'ennemis. Hein. Ce n'est pas la peine. C'est tout à fait suffisant. Hein. J'ai un ami qui a une, une expression toute faite là-dessus qui dit euh, de toute façon. Euh... Ah ben bah j'ai oublié l'expression toute faite. <laughs> oh putain, c'est bien si je suis fatigué. <laughs> Euh, euh non bah, je sais même plus je sais plus je sais plus mais ben, c'est pas grave voilà, voilà bref donc ça vous donne un petit peu l'état de l'état de fatigue avant de démarrer le live alors si quand même petite chose je ne sais pas si vous avez remarqué la résolution est tenue jusqu'à présent à savoir que j'ai publié la vidéo euh, du dernier live dans le week-end tout de suite, immédiatement, connexe au live. Hein. Et donc, on va essayer de tenir ça. D'autant que j'ai trouvé une petite fonctionnalité que je n'avais encore jamais vue. Euh, c'est tout simplement qu'il y a un bouton, en fait, euh, quand vous êtes sur Twitch, vous pouvez donc récupérer vos vidéos. Vous avez euh, une zone avec les je sais plus vidéos, contenu, ou, je ne sais plus quel est la, la, le nom de la section exactement. Mais surtout, on a un petit bouton donc, qui permet de télécharger des vidéos. Ça, c'est ce que je faisais avant. Je téléchargeais ma vidéo, je la montais et ensuite je la réuploadais sur YouTube. Mais en fait, je me suis aperçu que juste à, à côté, alors est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est moi qui viens d'ouvrir les yeux Il y a un bouton qui s'appelle euh, Exporter. Et en fait, tu peux directement exporter ta vidéo Twitch sur YouTube. C'est super rapide. Et ensuite, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai fait un cut des deux extrémités pour pas qu'il y ait le temps d'attente, euh, la slide, waiting, etc. Et puis euh, la fin, j'ai coupé un petit peu. J'ai laissé le milieu, j'ai pas fait de montage à l'intérieur. Et du coup, bah, euh, <laughs> c'est un gain de temps monstrueux. Donc après, j'avais juste à faire la miniature, la description, etc. Et puis zou, emballé, c'était pesé. Donc ça, ça va vraiment me permettre, de, je pense, de tenir cette résolution dans le temps. Et donc les redifs, comme ça vont être placés les unes à la suite des autres. Truc complètement incroyable, la vidéo a fait près de 250 vues là en moins d'une semaine. C'est euh, du jamais vu sur la chaîne, donc c'est cool. Euh, alors après, voilà, on ne va pas se mentir, hein. clairement, les gens ne regardent pas les 4 heures de la vidéo. Mais en tout cas, c'est assez rigolo de voir justement qu'il y a cette... Euh, comment dire cette, cette... prise de possession de la vidéo comme ça, euh, en un temps assez court. Alors vous allez dire, oh, le gars, quoi, il est content parce qu'il a 250 vues. Ah bah ben, c'est sûr, je ne suis pas squeezy, mais 250 vues, ça fait toujours plaisir. Je vous assure que c'est ouais, assez, euh, assez fun. J'en profite pour saluer notre ami Yod78 qui nous a rejoint. Bonsoir à toi, mon cher Yod. J'espère que tu vas bien. Euh, et puis euh, voilà, sur Twitch, là, je vais un petit peu sur les stats euh, 2435 followers. J'espère qu'on atteindra les 2500. Ah, euh... oh, 2500 avant la fin du mois. C'est jouable, non Ce serait rigolo. Et puis sur YouTube, euh, je crois qu'on est à 1340 abonnés, quelque chose comme ça. Ce serait pas mal de taper les 1500, un de ces quatre aussi. Donc voilà, typiquement, hein, je vous le dis dans le, dans le chat, si vous n'êtes euh, pas encore abonné sur YouTube, eh bien, qu'est-ce que vous attendez Allez-y, les rediffs 8 heures de code aujourd'hui, on continue ici. <laughs> oh bah tu sais, Aoshi, je sors moi-même d'une journée assez, assez dense au niveau du boulot, avec du code, avec plein de choses et ça fait plusieurs jours que ça dure, même plusieurs semaines on va dire. Et, et, ouais, et malgré ça, je suis encore là. J'avais peur d'être un petit peu en retard ce soir, je vous l'avais dit, j'avais un rendez-vous à 16h30. On sait très bien euh, la personne avec qui j'avais rendez-vous est arrivée avec un petit peu d'avance, ce qui a permis bah, de finir un petit peu plus tôt. Et du coup, c'était pas, pas un luxe. Donc bonsoir Oshi, bonsoir Moustiche Honolich. Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, content de vous retrouver. Voilà, on a fait la petite intro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur la vue desk. Voilà qui est bien. Vous remémorez un petit peu où est-ce qu'on en était la dernière fois. La dernière fois, je vous avais montré. Donc salut Aléo Oh Aléo et qui rattaque direct avec un abonnement. Merci beaucoup Aléo. 30e mois d'abonnement. Là, on n'est plus dans la fidélité. On est dans... Comment est-ce que je pourrais dire le... La dévotion. The... <laughs> Et oui, popopo Avec le coco qui nous arrive dans la foulée. Parfait. Donc, merci beaucoup Aléo Léo pour, pour, cette, pour ce nouvel abonnement. Et bien sûr, ta fidélité, ta présence euh, sur depuis toutes ces années. Parce qu'en fait, 30 mois... Il faut bien voir qu'on arrive à bientôt 3 ans d'abonnement enfin, euh, totalement contigu, continu euh, d'Aléo sur cette chaîne. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère en tout cas euh, bah, de toujours apporter ce, ce, ce petit chose que vous attendez de moi, en tout cas, pendant ces lives. Ça vous plaît toujours autant. Et euh, bah, le fait voilà, d'avoir des, des gens qui, qui continuent à s'abonner comme ça, je me dis, ouais, il faut croire que voilà, j'arrive à maintenir le truc. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à me faire vos remarques, vos retours, que ce soit sur le Discord. De la chaîne ou euh, à travers des messages privés, des commentaires sur YouTube, etc. etc. Euh, pour me dire si bon, ce qui va, c'est toujours sympa de voir ce qui va, mais aussi n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas ou les choses que vous aimeriez qu'on change, que je fasse différemment, le, le rythme, la longueur des lives, etc. Voilà. Et euh, je serais ravi d'avoir vos retours et puis d'essayer bah, de, de vous satisfaire encore davantage. Ah, ben bah, je suis content. Content que tu apprennes toujours de nouvelles choses. Euh, C'est cool. Petite question, toi qui es prof. Oulala Trouve-tu ça, tu, trouve ça tu utile de faire faire euh, tous les types de sortes ou encore refaire m etc. en C à des étudiants Ah Alors, ça, la question toujours. Alors, il est vrai, vrai qu'au niveau de l'enseignement, euh, souvent, on a des sujets qui sortent. On va parler de cet allé marronnier dans les journaux, dans l'information, où euh, tu as toujours les mêmes sujets qui ressortent à l'automne. Oh là là, les chutes de neige, oh là là, les chutes de feuilles, oh là là, si, oh là là, ça. Voilà. Et bien, dans l'enseignement, c'est vrai qu'on est un petit peu pareil. Salut, Gomitarka. Il euh, y a souvent des sujets, tu vois, bateaux qui ressortent, sachant que l'objectif derrière c'est uniquement de faire réfléchir les étudiants, de leur faire comprendre aussi comment les choses fonctionnent. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que des fois, il ouais, y a des sujets qui sont pas, qui sont pas très foufous. Euh, effectivement, refaire tous les types de tri, euh, refaire, euh, euh, par exemple, moi je vois des sujets qui reviennent souvent, faire une calculatrice, faire une to-do list, faire des machins comme ça. Alors... C'est vrai que c'est des sujets qui sont bateaux, mais en même temps ils sont intéressants parce que, d'une part, comme je le disais, ça fait travailler la réflexion, ça fait travailler la notion d'algorithme, ça fait comprendre comment ça fonctionne derrière. Parce que souvent, en fait, quand tu refais un tri, que ce soit un tri à bulle, un tri rapide, un ce que tu veux, euh, eh ben, ça te permet d'appliquer et concrètement de voir, voilà, autrement que par la théorie, ce qui se passe dans la réalité et pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne moins bien. Donc je pense que c'est des sujets qui peuvent être intéressants. Je comprends le côté lourdeur. Ce qui est pénible en fait, c'est quand euh, sur trois années d'études, tu vas te taper trois fois les mêmes types d'exercices, euh, soit dans les mêmes langages, soit dans les langages différents. Et c'est là-dessus où moi j'essaye d'être un peu plus original dans, dans mes sujets. Euh, les, tous les sujets type calculatrice, type to-do list, etc., je n'en veux pas, je ne les fais pas. Euh, parce que justement, je sais que c'est des sujets qui ont déjà été traités X fois par les étudiants sur d'autres modules. Donc j'essaye d'apporter de la variété, tout en essayant, en fait, de réintégrer, mais de manière dissimulée, les concepts qu'il y a dans ces fameux exercices bateaux, euh, pré-mâché, etc., qui existent depuis, euh, depuis très longtemps. Donc, trouver des sujets, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... Trouver des sujets d'exercice, c'est jamais simple. Pour plusieurs raisons. La première, c'est le niveau des personnes que tu as en face de toi. Voir qu'on a affaire à des étudiants qui, la plupart du temps, savent pas forcément très bien coder, euh, débutent ou alors croient qu'ils savent bien coder. Euh, ou alors, ils, ont, ils savent coder, mais en fait, ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il y avait dans les concepts derrière ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est complexe à gérer, c'est le temps. Euh, souvent, en fait, un TP, c'est deux heures. Donc il faut que tous les étudiants, en deux heures, aient eu le temps, un, de comprendre, de lire le sujet déjà, de comprendre le sujet et de l'appliquer et de terminer tant qu'à faire, de manière à ensuite pouvoir corriger avec eux et leur expliquer ce qui va, ce qui ne va pas. Tu peux te dire, oh, bah, au pire de toute façon, on fait des corrections intermittentes dans, dans ton dans TP. Ton, dans ton euh, mais le problème, c'est que souvent, si tu commences à faire des corrections, moi j'en fais jamais, ou très peu, si je fais des corrections, les étudiants, pas tous, mais... On va dire, je pense, une bonne moitié attendent tout simplement que la correction arrive, notamment s'ils rencontrent une difficulté. S'ils butent sur un truc, plutôt de se casser la tête et de réfléchir, ils vont dire oh, De toute façon, il y a la correction dans un quart d'heure. Vas-y, je vais regarder mes mails, mon emploi du temps, ce qui se passe sur le Discord. Et puis dans un quart d'heure, j'aurai la solution et ce sera cool. Donc tous ces critères-là font que c'est un peu compliqué. Ah oui, Gomitarka, deux heures, c'est court. Effectivement, c'est court, mais c'est le format. On a parfois des TP de quatre heures. Euh, c'est plus rare en informatique, souvent l'informatique, les TP d'informatique, c'est deux heures. Et c'est ce qui conditionne beaucoup de choses, en fait, sur la formule. Et c'est ce qui fait aussi que c'est compliqué pour certains étudiants, qui finalement, si on leur laissait euh, quatre heures ou une demi-journée en, en mode un peu projet, si tu veux, s'en sortirait certainement mieux. Mais ben, on n'a pas forcément ces possibilités-là. Salut Cool Freeze, bonsoir à toi. Donc, à la question, est-ce que c'est utile de refaire tous les types de sortes, etc., ou encore de refaire un maloc? Sincèrement, je pense que oui. Dans le sens où ça te permet d'appréhender justement, de comprendre ce qui se passe derrière. De la même façon, je pense c'est utile de temps en temps de désosser un code compilé en C ou en C, et de regarder ce qui se passe au niveau de l'assembleur pour comprendre, bah tiens, qu'est-ce que c'est que la stack, comment ça, ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que la location mémoire, qu'est-ce que c'est qu'un pointeur, qu'est-ce que c'est qu'une variable, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, qu'est-ce qui se passe quand j'appelle une fonction et que je reviens, etc. Voilà. Mais par contre, là où je suis euh, aussi conscient, c'est que c'est des exercices qu'il ne faut pas se bourrer pendant toute ta scolarité. Il euh, y a un moment où, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut arrêter de refaire X fois les mêmes exos dans X matière ou avec X langage. Euh, c'est bon, une fois que tu as pigé qu'est-ce que c'était qu'un triabule, que tu le fasses en C, en C++, en Java et en PHP, rien à péter, quoi. Tu l'as fait une fois, c'est bon. Donc, je pense que ce qu'il faut, par contre, c'est au sein d'une formation, il faut que les enseignants discutent entre eux. Pour savoir qu'est-ce que chacun fait, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de regroupement, qu'il y ait des, euh, des superpositions légères pour dire je passe d'une techno à une autre et puis on, re, on fait un petit rappel des bases mais très rapide euh, sur une heure et ensuite on passe à la suite. Mais il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut montrer de nouvelles techno, enfin non, de nouvelles techno, faut montrer de nouvelles choses, de nouveaux concepts qui vont être en rapport avec, euh, avec la techno ou le langage qu'on est en train de présenter. Par exemple. Quand euh, moi je vois dans, dans la, la formation, les gamins font du C, du C++ et du Java. Quand ils arrivent en Java, ils refont les boucles forts, ils refont les if, ils refont tout ça. dis bah non. Euh, les if, les for, tous ces trucs-là, on estime que ça a déjà été traité dans les premiers les premiers langages qu'ils ont développés. Euh, éventuellement, on fait un petit rappel juste pour dire, voilà, la syntaxe en Java, c'est ça. Pour instancier une variable, il c'est ça. En Java, grosse différence par rapport à C ou à C++, tout est référence à part les types natifs. Voilà, des petits trucs comme ça, tu fais des petits rappels. Et puis ensuite, bon, bah ben voilà, maintenant, on a Java, qu'est-ce qu'on fait avec et on essaye de porter ça sur des, des concepts ou des choses qui vont être plus intéressantes qu'on n'avait pas forcément abordées en C ou en C++. Par exemple, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas une, une application avec une interface graphique euh, avec du WYSIWYG, euh, des composants, de l'événementiel, euh, et donc voir un petit peu comment ça fonctionne. Chose qu'on n'avait pas forcément vue parce qu'en C ou en C++ on a davantage fait de la console et qu'on n'a pas forcément fait du Qt ou d'autres systèmes qui permettent d'avoir des interfaces graphiques. Donc moi, je pense que voilà, apprendre un langage pour apprendre un langage, ça ne sert à rien. Il faut que le langage soit porteur de concepts, porteur de, de, de techno ou de méthodes euh, qu'on va présenter. Et effectivement, il faut éviter la redite au niveau des exercices. Il faut essayer de faire preuve d'un minimum d'originalité dans les sujets qu'on va proposer à, à, à nos étudiants. Il euh, faut aussi se mettre un peu à leur place. Faut essayer... Moi, je ne sais pas, j'essaye d'actualiser un peu mes sujets d'essayer de faire des trucs qui sont. En rapport, alors peut-être pas direct avec ce qu'ils font, mais en tout cas de faire des références à ce qu'ils connaissent ou, ou à des jeux auxquels ils jouent ou des choses comme ça, pour qu'il y ait un, bah un côté un peu plus sexy, quoi, tout simplement, quoi. Salut euh, petite table. Euh, si on sort d'un bac plus 2, on doit arriver à faire la calculatrice ou la to-do list en deux heures, sinon on a raté notre vie. <laughs> alors après, c'est pareil, tout dépend du contexte dans lequel on, on va te demander de faire une calculatrice et qu'est-ce qu'on appelle par faire une calculatrice. C'est sûr que si la calculatrice, c'est juste, j'ai 10 boutons, et puis euh, je clique dessus, puis ça affiche, et puis, euh, ou ça fait des opérations euh, juste d'une opérande à une opérande, deux heures, c'est jouable. Si on te demande par contre de faire un automate... Qui va analyser syntaxiquement l'expression numérique pour ensuite faire le calcul. Peut-être que deux heures, ça va être chaud. Euh... <laughs> Mais c'est vrai que quand tu sors d'un bac +2, alors quand on dit bac +2, hein, bien sûr, on pense à, à DUT et puis à, à BTS. Bientôt, il <laughs> n'y aura plus que BTS. Euh, c'est vrai que euh, voilà, c'est des choses où on se dit bah oui. Et pourtant, et pourtant, euh, on s'aperçoit que quand tu arrives à bac +3, et eh ben il y a encore, même pour des bac +2 qui sortent d'un DUT informatique, des bonnes c'est un peu difficile de ressortir les choses euh, parce que perso, j'aurais jamais besoin de ça. Alors en fait, euh, non, je, alors je suis pas d'accord avec toi, moustiche. Effectivement, peut-être que faire un sort, refaire un sort ou refaire un émalog, que c'est quelque chose dont tu n'auras pas besoin demain dans ton métier parce que jamais tu redévelopperas ces méthodes-là. Pourquoi Parce qu'elles te sont fournies souvent dans un, dans un, dans une forme, sous une forme qui est beaucoup plus optimale et beaucoup plus efficace que celle dans laquelle tu vas la développer ou la redévelopper. Voilà. Donc ça, c'est sûr que jamais tu n'utiliseras ça. Cependant, hein, pour refaire le, le, voilà, le, le sketch de, de grenier, euh, encore une fois, manipuler ça, réinventer la roue, te permet de comprendre ce qu'est une roue, comment elle fonctionne, comment on la fabrique, comment on l'obtient, quelles vont être ses, ses fragilités, comment est-ce qu'on fait pour la consolider, etc. Et donc, le fait de faire ça, tu as l'impression qu'effectivement, tu aboutis à quelque chose qui ne te servira jamais à rien. Mais en fait, en le faisant, tu exerces ton esprit, tu exerces ta méthode, et ce qui te permettra après de développer d'autres choses qui n'auront rien à voir avec ça. Mais simplement, un, tu auras de la méthode. Deux, dans certains cas, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas dire Ah, mais attends, ce truc, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, un et log, par exemple, ça fonctionne comme ça. Donc, ce que je veux faire, c'est normal que ça ne passe pas parce que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça ou ça peut que merder. Donc, si tu veux, il ne faut pas oublier une chose. On ne vous forme pas à faire des choses que vous ferez demain. On vous forme à vous donner des bases, des concepts, des méthodes. Et ensuite, en assimilant et en combinant ces bases, ces concepts et ces méthodes, vous serez ensuite demain capable de vous adapter à des contextes totalement différents. Très clairement, en enseignement, on ne va pas et notamment quand tu commences, hein, quand tu débutes, donc sur les, les premières années de, ou les premiers semestres de développement, euh, l'idée c'est pas de dire tiens à la fin du module tu vas développer un jeu vidéo ou alors à la fin du module tu vas développer une application euh, mobile complète de A à Z. Non, déjà on va faire en sorte que capable de passer d'un besoin à une, à une formulation, on va dire informatique du besoin. Déjà ça, comprendre un petit peu ce qu'on veut faire ou est-ce qu'on veut aller. Bon appétit, Aléo. Euh, et J'en profite pour saluer euh, John et Nietzsche et galamet qui nous rejoignent, euh, qui nous ont rejoint ce soir. Merci. Bonsoir à tous les trois. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, oui, on accorde beaucoup d'importance à ça parce que c'est fondamental et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est né étudiant. Et moi, je m'en suis aperçu parce que j'avais un petit peu si veux, cet esprit-là de me dire ah, il y a des trucs, pff, on passe beaucoup de temps dessus. Et donc j'ai voulu aller plus vite sur ces aspects-là, et donc aller directement sur les choses qui me semblaient euh, importantes et utiles dans ce qu'on fait de, ensuite dans notre vie professionnelle. Et en fait, quand tu fais ça, tu t'aperçois que les gamins, ils arrivent là et ils comprennent rien. Euh, pas parce qu'ils sont cons, hein, mais parce qu'ils leur manquent justement ces éléments, il leur manque le fait d'avoir passé plus de temps sur ces fondamentaux, qui certes semblent ridicules, semblent bah, justement ultra scolaires et tout. Mais qui permettent en fait de former, de commencer à, à former ta façon de réfléchir et de concevoir un programme. Et si tu n'as pas ça, bah en fait, derrière, tu galères à mort. Et autre point, ils font voir également qu'il y a quelques étudiants, comme toi peut-être, Moustiche, qui, fait des, qui, qui, qui font pardon, des projets euh, chez eux et qui sont des férus de programmation, et qui sont, des, et qui sont passionnés par ça, et qui ont vraiment, euh, voilà, qui ont, qui ont toujours un projet en cours, qui bossent sur plein de trucs, qui cherchent plein de techno etc. Je pense par exemple à, à, à Xen ou Sukato, par exemple, sur la chaîne, hein, qui, sont, qui sont à fond sur ces, ces trucs-là. Mais malheureusement, ça ne représente qu'un pouillème des étudiants qu'on a. La plupart des étudiants, une fois qu'ils ont fini le module, ils rentrent chez eux, et puis euh, ils reviennent au prochain module, et entre-temps, ils n'auront rien fait, ils n'auront même pas ouvert leur cours. Alors, tu me diras, ah, ça, c'est leur problème et tout. Ouais, c'est vrai, mais à la fin, moi, je suis quand même censé former euh, des gens et pouvoir les envoyer en entreprise une fois qu'ils ont leur diplôme ou pour un contrat pro ou pendant qu'ils sont en stage, etc. Donc, il faut aussi, moi, que je m'adapte à ce public-là et il faut que je sois capable de faire avancer tout le monde. Donc, voilà, si tu veux, euh, je, suis, je, suis, je suis conscient du constat que tu fais. Je comprends que ça puisse euh, choquer, perturber, ennuyer, etc. Mais je. Alors, après, il y aurait peut-être d'autres façons de le faire. Ça, c'est possible aussi. Et en fait, moi, l'autre façon que je vois, c'est effectivement, plutôt que de dire simplement « Tiens, on va refaire le triabule », c'est d'amener les étudiants à refaire un triabule, mais sans, sa sans savoir, en tout cas à l'initial, qu'ils sont en train de refaire un triabule. Donc, de dissimuler ça dans une coquille, encore une fois, plus sexy, un petit peu en mode Windev, avec euh, une jolie damoiselle en maillot de bain ou un homme bien musclé en, en, en moule euh, Mais j'ai passé les 8 secondes, c'est bon, je peux dire des gros mots maintenant. Euh, mais... Euh... <laughs> <laughs> euh, mais à un moment, il y a des choses quand même qu'il faut retravailler, qu'il faut revoir, et euh, voilà. Simplement, il faut essayer d'habiller, je pense, effectivement, les choses pour que ce soit un peu plus agréable à, à manipuler, à, à intégrer, etc. Euh, par rapport aux 8 secondes que je viens de citer, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, donc, donc j'ai lu ça ce matin dans les actus. Euh, YouTube a, a modifié un petit peu ses règles, et si vous avez le malheur de dire une grossièreté dans les 8 premières secondes de votre vidéo, la monétisation saute. Et c'est rétroactif. C'est-à-dire que là, il y a des YouTubers qui disent ⁇ Ah, euh, mais moi j'ai des vidéos, ça fait deux ans qu'elles sont là, ça commence par un ⁇ Eh merde ⁇ Ou alors tu vois Antoine Dianel, hein, qui te balance quand même euh, as Salut à vous euh, !⁇ bon, entre deux chutes foutres de bits moisis ou un truc comme ça. Euh, bon, bah lui, techniquement, ces euh, vidéos, elles prennent cher, là, parce que bah, c'est l'introduction, quoi. <laughs> donc c'est dans les huit premières secondes. Donc voilà, donc euh, bon. Why not? Euh, bon, après, on peut encore dire merde en plein milieu de vidéo, mais il ne faut pas que ce soit trop souvent quand même. Salut Draconis, bonsoir à toi. Voilà, Moustiche, j'espère en tout cas t'avoir. Euh, euh, peut-être que je t'ai pas rassuré sur le corps enseignant, euh, mais j'espère au moins t'avoir porté une matière de réflexion, peut-être un regard différent sur, euh, sur ces choses-là. Euh, mais mais, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est vraiment complexe de trouver des sujets à la fois intéressant et réalisable par des gens qui débutent en programmation. C'est vraiment, et encore une fois, sur un temps très court. Euh, autant sur les, des projets que tu vas donner où les gamins vont avoir un mois pour le réaliser. Là, tu peux te lâcher un petit peu plus. L'année dernière, j'avais fait faire un boulder dash. Bah, je vous en avais parlé hein, aux étudiants en développement web. Euh, bon, bah, C'était vachement bien passé parce qu'ils avaient le temps pour le faire, pour réfléchir, pour, pour se creuser les ménages, etc. J'avais eu des résultats incroyables. Par contre, c'est vrai que quand je leur demande de me développer un, un MVC complet euh, dans un TP de deux heures, bon bah là, c'est plus compliqué pour eux. Quoi. Quand je t'écoute parler, ça me donne envie de reprendre mes études dans ton école d'âge. Mais tu sais qu'il n'y a pas de limite d'âge, hein, tu peux revenir quand tu veux, c'est de la formation. Euh, euh, C'est la formation continue. Pas la form moi, je fais de la formation initiale, mais en plus, on a aussi des personnes qui sont en formation continue et qui, ont, et qui du coup, en, en cours de route, décident de se réorienter, et de refaire une, Ou pas forcément de se réorienter, mais simplement de faire une formation euh, parce qu'ils n'ont pas un niveau ingénieur ou quoi. Et, euh, et ils viennent. Euh, moi, je me souviens de ça il y a quelques années quand j'enseignais à l'IUT de Dijon. Euh, J'ai eu une, euh, une dame, claire pour les intimes, euh, qui, euh, qui avait repris ses études et, et qui, voilà, qui n'était pas, euh, pas une jeune étudiante, pas, pas une vieille non plus, hein. mais je ne saurais pas dire quel âge elle avait, euh, mais clairement elle avait, elle, elle avait plus de la trentaine et, euh, et qui a fait sa formation. Et je me suis ré Toujours de cette étudiante, parce que déjà c'est assez compliqué, parce que tu as un adulte qui est là, qui fait sa formation, et en fait, en face de toi, tu as quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Les étudiants, en général, ils sont là, ils sont un peu en mode éponge, vas-y, abreuve-moi de ton savoir, je t'écouterai quand ça m'intéresserait. Voilà. Et puis, euh, puis c'est tout. Tu n'as pas beaucoup plus d'interaction de, avec des étudiants qu'une éponge. J'exagère un petit peu, heureusement un peu plus quand même, mais voilà. Un pro, enfin. Un adulte qui vient du monde professionnel, c'est très différent. Il y a vraiment des attentes très précises, surtout que souvent, bah, il se paye sa formation et ce pas le même prix que quand tu es, es simple étudiant, etc. Euh, il y a des, des contraintes à côté familiales, personnelles et autres qui sont très différentes. Euh, et puis, il y a un objectif qui est vraiment voilà, je fais une reconversion, demain, moi, je veux regagner ma vie, je veux retrouver un boulot, parce que là, je suis au chômage depuis trois ans et ça fait chier. Euh, donc, tu n'es vraiment pas du tout dans le même, même paradigme. Et. Euh, moi, j'ai eu cette, cette étudiante en cours, euh, ça devait être en architecture des systèmes, même pas, je sais plus. Ah, oh, je sais plus quel cours c'était. Et c'était... Euh, genre, c'était au deuxième semestre, donc ça faisait déjà un semestre. Et j'avais plein de collègues qui, euh, euh, qui s'étaient braqués vis-à-vis d'elle, parce que, ben bah, voilà, comme encore une fois, elle savait ce qu'elle voulait. Elle il ne mâchait pas ses mots. Et euh, il m'avait dit, ah tu vas voir, euh, c'est compliqué, est euh, ben, toujours en train de, de râler, machin et tout. Ouais, je dis, ah, ça va, ça va, on va voir quand même. Donc, on y va. Première séance. Et là, euh, je finis, mon, mon je fais une introduction, je fais un petit bout de coup, etc., avant de les faire passer sur machine. Et là, elle me regarde elle me fait, ah eh ben, euh, vous êtes celui qui m'avait perdu le plus rapidement. Alors là, tu as deux solutions, soit tu te braques comme ont <laughs> fait certains de mes collègues, soit tu prends ça justement, euh, pas à la rigolade, mais avec humour. Et moi, je lui ai répondu, je dis, ah bah, il faut absolument qu'on... Du tac au tac, hein. je dis, il faut absolument qu'on marque cette, euh, cette journée d'une pierre blanche. C'est la première fois que je l'arrête quelqu'un aussi vite, comme ça, j'ai un record. Très bien, bon, maintenant, quel est le problème Où est-ce que ça coince Parlons-en. Et en fait, plutôt que de me braquer, bah, je suis allé la voir, on a discuté ensemble, on a regardé les points qui étaient bloquants, on a débloqué. Et puis en fait, on a eu une super relation pendant tout le reste de la formation, ça s'est bien passé, j'ai compris moi les points sur lesquels j'étais allé peut-être un peu vite ou sur lesquels je m'étais mal exprimé, et voilà, et c'est pour ça aussi que je dis à mes étudiants, c'est important, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas à suivre avec un prof, c'est qu'un prof, c'est pas parce qu'il est prof qu'il a droit de vie et de mort sur vous, et que vous n'avez pas le droit de lui de lui parler. Donc... Quand il y a un truc qui va pas, faut aller le voir à la fin du cours, ou même pendant le cours, poser des questions. Puis sinon, on va le voir à la fin. On dit Voilà, j'ai pas bien compris ça. Je trouve que là-dessus, vous allez un petit peu vite. Est-ce que vous pourriez réexpliquer euh, Voir, c'est un délégué qui va le voir. On dit Voilà, toute la classe, on, on, on a ce sentiment-là qui va pas. Et on n'est pas con. Il ah, y a deux ou trois exceptions, bien sûr. Mais euh, globalement, si on nous dit qu'il y a un problème, bah, on va corriger le tir et puis on va se remettre en question. Puis on va, on va essayer de faire mieux. Notre objectif à nous, c'est pas simplement d'empiler les heures et puis de dire, bon, ben bah voilà, j'ai fait mon taf, euh, terminé, quoi. Non, c'est qu'il reste quelque chose. C'est que pour vous, ça, enfin, pour vous, pour les étudiants, ça leur serve qu'ils intègrent des choses et qu'ils s'en sortent grandis par rapport à ce qu'on leur montre. Donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu, euh, peu l'idée. Est-ce euh, que tu crois que c'est vraiment possible d'apprendre en six mois le programme d'un BTS Je pense à toutes ces formations intensives dont j'y découvre souvent la pub. Je pense que c'est des conneries. Voilà, petite salle, euh, je te le dis, euh, j'ai vu ça et j'en ai parlé la, la, la semaine dernière, j'ai été mentor au Pony Classroom pendant un moment. Techniquement, c'est à peu près faisable. C'est-à-dire que tu peux condenser effectivement euh, ce que nous, on fait en, en deux ans de formation ou en trois ans de formation en six mois. Pourquoi Parce que déjà, tu enlèves tout un tas de matières que nous, on met dans une école d'ingénieurs qui ne sont pas forcément... Indispensable euh, si tu veux faire focus sur un métier en particulier. Donc, effectivement, moi par exemple, école d'ingénieur informatique électronique, tu en, les maths, tu l'électronique, euh, tu euh, l'anglais, tu la communication, tu la gestion de projet, euh, tu euh, euh, l'économie, euh, tu enlèves l'innovation, tu enlèves tous ces modules-là et d'un seul coup, effectivement, tu peux recondenser sur six mois. C'est jouable. Bon, effectivement, par contre, il y a plein d'éléments périphériques qui auraient pu être utiles dans ton boulot que tu verras pas parce que tu vas te concentrer, tu vas faire focus uniquement sur la technique et tout le reste va être complètement abstrait. Bon, pourquoi pas. Par contre, après, sur ces six mois-là, tu as intérêt d'être au taquet, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de se dire j'y vais tranquille, glandouillou, je me fais deux heures par-ci, deux heures par-là et puis ça va rouler. Parce que ça, effectivement, ça ne marchera pas. Et à la fin de tes six mois, six mois qui vont être extrêmement, qui vont passer très très vite, quoi, hein, ça va aller extrêmement vite. Ben en fait, tu vas te retrouver avec euh, ben pas grand chose. Et souvent, en fait, ce qui se passe, et notamment là, je reviens sur la formation Open Classroom, moi, ce que je n'ai pas aimé, euh, je n'ai pas fait la formation, j'étais mentor, hein, euh, c'est qu'on me dise ben voilà, euh, vous avez un étudiant, euh, vous allez le voir une fois par semaine et euh, vous lui ferez donc une séance d'une demi-heure. Une fois par semaine. Qu'est-ce que tu veux dire en une demi-heure à quelqu'un C'est juste. C'est impossible. Moi, j'ai jamais... Alors, j'ai toujours été payé pour des séances d'une demi-heure, mais j'ai toujours fait des séances qui faisaient une heure, une heure et demie, voire deux heures. Il y a un moment, quand le mec, il découvre la programmation, il n'a jamais fait de programmation de sa vie, et pouf, on le jette sur JavaScript, et puis euh, et puis réacte. Et YOLO, on dit « Ouais, ben, bah, t'as les cours en ligne, c'est bon, tu lis les cours, tu regardes les vidéos, et t'appliques. » Forcément, déjà, le gars, euh, il dit « Ouais, ben, bah, JavaScript, j'ai pas bien compris. Euh. » Et c'est logique on te balance dans un langage, on ne dit même pas qu'il y a de l'algorithmique qui existe, qu'il y un moment, il y a des, des méthodes entre guillemets, il y a une méthodologie qui te permet de décomposer un problème. Et puis, euh, non, pouf, on te balance sur React avec un framework, avec à euh, installer avec du NPM, des machins comme ça. Et tu fais waouh, attendez les gars, là, on va se, on va se détendre un petit peu. Alors j'exagère parce qu'effectivement, il y a quelques paliers, mais les paliers sont vraiment à chaque fois avec des marches assez importantes. Et encore une fois, pour des gens qui sont en reconversion, c'est-à-dire jamais fait de programmation de leur vie, et on leur vend qu'en six mois ça va devenir des développeurs web ou des, 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 des gars full stack. Tu dis attendez les gars, euh, ben bah non, en fait, juste non. Vous allez commencer à toucher le truc, mais c'est après dans votre boulot que vous allez continuer à vous former, que vous allez monter en expérience, et puis peut-être dans un an, effectivement, vous allez être, vous allez être au top. Un ah an, c'est peut-être long, mais six, il vous fera six mois de plus, en tout cas, pour pratiquer en milieu réel, euh, pour vous faire de l'expérience. Alors attention, je ne dis pas qu'en sortant d'une de, de, école, un étudiant est opérationnel. Hein. Un étudiant qui sort de l'école, ça boit être un ingénieur, c'est un noob. Il arrive en entreprise, il n'a pas d'expérience, il a ce qu'il a fait en stage, ce qu'il a vu en cours, etc. Mais ça reste un nouveau qui va découvrir le métier, qui va comprendre comment ça se passe dans la vraie vie, en dehors du cadre scolaire, et qui va découvrir plein de choses. Il va se former très rapidement parce qu'il a eu justement cette formation d'ingénieur qui va lui permettre d'accumuler rapidement de la connaissance, qui va lui permettre de vite voir les méthodes à mettre en place, etc. Ça oui, mais euh, et donc cette capacité d'adaptation. Mais dans tous les cas, après, c'est l'expérience et le temps que tu passes au boulot qui fait que bah, tu vas devenir plus ou moins bon et que tu vas devenir euh, junior, senior, etc., expert euh, sur des sur technologies. Donc, ça, voilà. Donc, ces formations en six mois, c'est possible. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un petit peu comme la fac, c'est-à-dire que là, c'est quand même beaucoup du travail en autonomie, etc. Euh, la fac ou, euh, un, ou un DUT, euh, ben, ça ne va pas s'adresser au même public. Tu as des gens qui, effectivement, vont être très autonomes et le fait d'avoir euh, 10-12 heures de cours par semaine avec beaucoup de travail personnel, ça va leur suffire et ils vont arriver comme ça à, à avancer et à valider leur année et à monter en compétences, pas de problème. Et tu en as d'autres qui vont avoir besoin d'un cadre beaucoup plus euh, euh, scolaire, beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus important avec la présence d'enseignants, des, des travaux pratiques, etc. Donc un taux d'encadrement beaucoup plus important pour avancer. Et ben ceux-là, typiquement, ils vont pas se retrouver dans les formations de la fac. C'est les gens qui vont se planter la plupart du temps parce qu'on leur laisse trop de liberté et que du coup, ben, ils n'arrivent pas à s'organiser comme il faut, ils n'ont pas les contraintes nécessaires et ils se plantent. Voilà. Ben là, typiquement, avec ce type de formation en six mois, euh, je pense qu'on est dans le même cadre. Il y a des gens pour qui ça peut marcher, mais je pense on fait euh, rêver. Beaucoup de monde en leur promettant ça, à des tarifs qui en plus de ça sont loin d'être extrêmement alléchants, hein, euh, et de dire, ouais, bah, au bout des six mois, finalement, j'ai claqué, euh, je sais pas, peut-être 1500 balles ou 2000 balles, et, euh, et puis bah, en fait, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une boîte qui va m'embaucher derrière, parce que quelle est la valeur de ce, de ce diplôme-là, je ne sais pas. Donc, euh, donc au final, après, c'est la boîte qui te en interne, et, et, et voilà, donc tu as des bases, voilà, mais pour moi, tu pas au carré les formations attentives, je pense que tu apprends tout en six mois et tu oublies la moitié en six mois alors que les cours t'oublient moins vite. En fait, je ne sais pas, maître Yo René, euh, je suis désolé, je vais avancer lentement dans le chat, ça va arriver. Euh, les cours, tu les oublies vite aussi. On va pas se mentir. Euh, je repense, par exemple, j'avais un, un, un enseignant qui aujourd'hui est un collègue qui faisait des cours absolument incroyables en amphi, un euh, coup de paintball atomique qui ouvrait, ouvrait des portes dans les murs quand il nous parlait des stages au CEA Valduc ou des choses comme ça. Euh, C'était quelqu'un qui faisait des cours qui étaient extrêmement euh, dynamiques, extrêmement drôles. Euh, certains reconnaîtront peut-être Christophe Nicole, voilà, j'avais lancé le nom. Euh, avec vraiment, voilà, on, on passait un bon moment, il nous faisait un show. Euh, ces cours, je n'en ai retenu absolument rien et cl très clairement dès la première année, je, je, même dès les premiers mois après ces cours, je serais incapable de dire ce qu'il y avait dedans. En revanche, il avait une méthode pédagogique en TD et en TP qui était excellente, qui a marché du tonnerre. Et là-dessus, par contre, oui, effectivement. Et c'est quoi sa ces, 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 ces méthode C'était à chaque début de TD, on avait une interro, euh, une interro en cinq minutes. Il nous donnait un système, il fallait le modéliser. À l'époque, on faisait du merise, etc. Donc, en gros, il arrivait avec une boîte de chocolat, avec euh, son mug, avec euh, je sais pas, moi, euh, une bombe de déodorant, que sais-je. Il la posait sur la table, dit :« Vous avez cinq minutes. Il faut me modéliser le système d'information. Il faut me modéliser ça. Voilà. Ou alors un arbre dehors. Voilà, l'arbre dans la cour. Vous me modélisez ça. Euh... De quoi tu dis une photo de. Voilà, et apparemment, il avait pris, ma femme me dit, parce qu'elle l'a eu aussi, euh, un peu plus tard, euh, il a pris une photo d'arbre, il l'a aimanté au tableau, il a dit, bah voilà, faites-moi le modèle de ça. Et, et en fait, si tu veux, ça peut sembler complètement con, mais en fait, ça t'exerce à justement prendre un truc qui a priori comme ça, à bah, modéliser, tu n'aurais pas pensé, et à le décomposer, à le déstructurer, à se dire, voilà, voilà comment c'est conçu et voilà comment je peux informatiser le truc. Et donc ça, tu avais ça à toutes les séances, c'était noté, et tu avais un temps très court. C'est-à-dire, en général, tu avais cinq minutes top chrono pour le faire à la fin des 5 minutes, c'était fini. Euh, on avait des TD où pareil, il fallait, euh, il fallait modéliser des Legos, il fallait... Bref, on modélisait énormément de choses, et ça, effectivement... Ce, ce que j'en retiens, c'est que là, j'ai acquis une méthode, j'ai acquis un savoir-faire et qui me permet de regarder un objet, un sujet, n'importe un quoi. Et brrr, les choses s'architecturent, on va dire, dans ma tête. Alors après, des gros trucs, hein, je prends un papier, un crayon ou un tableau et puis zou, on, on pose ça sur le, le papier. Mais globalement, voilà, ça, ça m'a donné de la méthode. Et effectivement, ça, c'est quelque chose, que j'en ressors Après, le contenu des cours, très clairement, pas. Mais après, pourquoi en fait tu retiens des choses dans le temps C'est parce que tu les appliques, parce que tu les manipules tous les jours. Tu prends un pharmacien qui connaît un nombre de produits incalculables, qui, euh, quand tu fais tes études de, de pharmacie, notamment, peut-être de médecine, ou euh, sur médecine, hein, on te demande d'apprendre un nombre de mots savants incroyables. En botanique, par exemple. La botanique, le nombre de plantes, de machins, de trucs qu'il faut que tu connaisses. Là, si tu les pratiques tous les jours, si tu en parles tous les jours, etc., ça reste, parce que notre, notre mémoire fonctionne comme ça. Par contre, c'est sûr que si tu bachotes pendant... Un mois pour, pour ton examen et qu'après l'examen tu manipules plus ces données-là, sauf, bah, ça s'évapore. Ton cerveau il fait de la place. Si on l'utilise pas, ça dégage. On met dans une boîte, puis on oublie dans un coin, puis ça reviendra peut-être un petit peu si, euh, si un jour on, on repasse dessus. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que le, 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 la mémorisation des informations et notre capacité à l'oublier vient avant tout de notre capacité derrière à continuer à manipuler, à pratiquer ce qu'on est en train de faire. Quand je fais une formation à un client, euh, par exemple sur un logiciel de, de, de 3D ou de, de dessin, dessin industriel, euh, si le client ne manipule pas dans les semaines qui suivent, enfin, la semaine qui suit, le logiciel, je lui dis voilà, votre formation euh, d'une journée ou deux jours, elle est perdue. Parce que si vous revenez dessus seulement dans 15 jours, vous saurez plus faire les trucs, vous aurez tout perdu. Donc une formation, oui, mais derrière, il faut pratiquer. Euh, je comprends ton point de vue, c'est compliqué à l'écrit d'être au fait, le mien. Oui, je comprends, euh, mon cher moustiche. Euh, mais j'ai de l'XP d'alternance, je suis censé faire un cursus accès web, mais je dois faire printf ou maloc. Ça ne va pas m'apprendre le bon pattern, les architectures, les tests, le clean code, enfin tout plein de choses qui me semblent faire d'un dev un bon dev. Ah, encore une fois, euh... Un bon dev, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a les bonnes pratiques, les bonnes architectures en tête, etc. Oui, évidemment, ça va faire, ça va faire le truc. Mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, un bon dev, c'est quelqu'un qui est capable de, d'une part, de comprendre un besoin, donc aspect communication, ça c'est indispensable. Il faut que je sois capable d'écouter mon client, il faut que je sois capable de le comprendre, euh, et ensuite de restituer ce qui a été compris. Et pour ça, tu as toute la phase algorithmique, réflexion, méthode qui va être ultra importante. Après, le choisir les bons patterns, choisir les bonnes architectures, etc. Euh, ça, on va dire, on, là encore, on va te donner des méthodes, par exemple pour les tests hein, ou pour le clean code avec des bonnes pratiques, etc. Mais globalement, après, c'est de l'expérience et ça, c'est des choses que tu vas avoir sur le tas. Parce que justement, il faut être confronté à des projets, il faut être confronté à écrire du code, etc. Et ça, ce n'est pas l'objectif pour moi d'une formation. Euh, par exemple, moi, quand je forme des ingénieurs, je leur dis bien. Hein, je ne suis pas là pour former des développeurs. Je suis là pour former des ingénieurs. Des ingénieurs qui vont ensuite encadrer des équipes, qui doivent savoir de quoi on parle, qui vont faire le lien entre le client et puis les équipes, etc. Donc, qui sache développer, oui, c'est une base. Mais ça, techniquement, c'est bac plus 2. Euh, j'ai un technicien. Voilà. Donc, lui, effectivement, jusqu'à bac plus 2, on parle de code, etc. À partir, quand tu montes à bac plus 5, moi, je n'ai pas besoin d'un technicien. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui sache comment ça fonctionne, qui soit capable de me trouver les solutions à des problèmes qui aujourd'hui n'en ont pas, c'est ça pour moi un ingénieur. Et c'est à ça que je vais le former. Donc, euh, donc il, faut, il faut aussi avoir la connaissance de qu'est-ce qu'il y a des fondamentaux. Encore une fois, il faut avoir... C'est pour ça aussi que plus tu montes dans les études, plus tu as de la théorie. Parce que vraiment, on, il faut que vous sachiez comment ça marche. Et qu'on n'est plus dans le, le bête application, le, le truc concret, etc., où je pisse la ligne, etc. Non, on a besoin d'avoir une vision, une vision d'ensemble, être capable de se projeter, être capable d'architecturer, justement. Et pour faire les bonnes architectures, il faut savoir comment ça fonctionne. Euh, le problème, c'est que tu vas peut-être pas faire que du web en 30 ans de métier. Alors, ça, c'est clair. Ça, c'est clair que bon, le, le web, c'est bien de vouloir faire du web. Après, pour moi, ça veut, je trouve que ça ne veut rien dire je suis dev web ou je veux faire du dev web. Euh, pour moi, le web est un outil comme un autre, c'est-à-dire qu'il y a des langages de programmation. Euh, voilà, on a des, des interfaces visuelles avec les navigateurs, etc. Mais en soi, que tu fasses, bon, enfin, moi que je programme pour du, pour du web, ou que je programme en C, ou que je programme en Rust, ou que je programme en autre chose, c'est toujours du dev. Donc, voilà, là-dessus, je, je pense qu'on ne se forme pas au dev web, on se forme au développement. Et après, effectivement, on va se spécialiser sur, euh, sur des techno web, parce que c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Puis demain, tu feras peut-être un truc effectivement différent. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi c'est le merci euh, quand je t'écoute, cool free. Euh, je dis, bah, du coup, voilà. Donc, euh, <laughs> je, Merci pour le merci, mais je ne sais plus pourquoi. Sur Open Classroom, le cours de C est moyen, et celui de C++, c'est vraiment très bon. Mais je ne sais pas ce que valent les autres cours. En fait, si tu veux, quand, dans ce que j'ai vu, alors moi j'avais été pris comme mentor sur deux étudiants qui voulaient faire justement du dev web. Il euh, y a des cours, c'est toujours pareil, en fait, il y a des cours qui sont faits par des intervenants différents. Euh, alors des fois, tu as des vidéos, des fois, tu as juste du texte, etc. Souvent, ça va quand même très vite, ça, passe, ça va très très vite, en fait, ça passe à côté de plein de choses. Et, et du coup, les, les gars qui n'ont jamais fait, ils sont, ils sont largués, ils ne savent pas raccorder avec les morceaux qui manquent. Et quand tu n'as pas une personne qui te fait justement un cours, à qui tu peux poser des questions, que tu as sous la main pendant des heures et des heures sur les semaines qui viennent, bah c'est compliqué. Quand tu as un prof qui t'explique des choses en cours, il est là, Si y a un truc que tu ne comprends pas, tu lui demandes, il t'explique, il te montre. Et euh, moi, je vois pas en prog mobile là, en ce moment. Euh, <laughs> mes étudiants me voient à peu près 4 heures par semaine. Bah, ils ont le temps de me, me poser des questions, si tu veux, quoi. Donc, euh, c'est quand même autre chose. C'est autre chose. Euh, J'ai vu une formation, il y avait JavaScript avec React.js, React Native, JS PHP avec Symfony, SQL et WordPress. <laughs> tu avais du front et du back. Ça fait beaucoup en six mois. <laughs> tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, mais mais et puis encore une fois, il faut voir qu'en plus de ça, ils adressent ça à des gens qui n'ont jamais fait de web. Et tu dis, mais attendez. Alors, maintenant, la formation de six mois que j'avais euh, euh, supervisée en Open Classroom, tu avais JavaScript. Il devait y avoir React, je crois. Oui, c'est ça, il y avait React. Euh, il y avait Node. Il n'y avait pas de PHP, par exemple. Il y avait un peu de SQL. Mais il n'y avait pas de WordPress. Il n'y avait pas de PHP. Il n'y avait pas de Symfony. Euh, il y avait pas Vue, etc. donc euh, Et après, ils vendent ça à full stack. Hein, juste parce que bah, tu as fait du Node.js. Donc tu as fait du JS côté euh, côté Mac. Euh, mais sauf que... Bah, bon, voilà Donc ouais, non six mois, c'est chaud. Encore une fois, ça peut s'adapter à certaines personnes qui ont... Bah, Torifun bonsoir à toi, mais qu'est-ce que tu me fais Un hein, slash point d'exclamation projet Je l'ai mis en haut. Il, 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 Non, il est là le projet. Il est là, regarde dans l'angle, je l'ai marqué, comme ça tu peux pas le louper. J'ai pensé à toi exprès pour ce live. Je me suis dit, ah Torifun comme ça il n'aura pas besoin de faire la commande, il va le voir directement. Ah. <laughs> Salut Louis, bonsoir à toi. Il y a aussi des aussi qui proposent des formations accélérées pour ceux ayant un background scientifique et souhaitant se réorienter en informatique. Oui, et puis voilà, tu as des boîtes qui aussi vont former en interne, bien évidemment. Alors, le Russ me demande Draconis. Euh, pour le moment, je dois dire, c'est compliqué. Hein, on ne va pas se, pas se mentir. Euh, voilà, il faut, va falloir du temps pour s'y mettre. D'ailleurs, je vois qu'il est 18h47. 45 minutes d'introduction, on est pas mal. Hein. Euh, le. Voilà, pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la syntaxe. Clairement, je suis paumé de chez paumé. Mais voilà, plus on va avancer dans le projet, plus on va se familiariser avec tout ça. Il y a des concepts nouveaux, et des choses. Donc, voilà. Pour le moment, très clairement, je, je te dis, le Rust, je ne peux pas l'évaluer, c'est trop tôt. Je n'ai pas, pas fait assez de choses. Euh, encore une fois, hein, je suis convaincu qu'il y a des choses intéressantes avec Rust. Euh, mais, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que tu manipules tous les jours, LMD Louis, je sais ce vers quoi tu voudrais me, me, me voir aller, euh, mais qui d'ailleurs est quelque chose de totalement naturel, hein, qui plus est, il faut. Euh, voilà. Euh, mais sinon, euh, qu'est-ce que je manipule tous les jours Du bois. En ce moment, je manipule tous les jours du bois, euh, puisque je chauffe avec un insert. Hein, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Euh, On me dit Oui, c'est scandaleux, tu as 23 dans ton bureau. Euh, bah, c'est un peu le problème quand tu chauffes avec une cheminée c'est que tu n'as pas de thermos là. Hein, tu mets des bûches, ça chauffe, puis après, ça redescend gentiment. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'ai reçu mon bilan. Du mois de décembre, mon bilan énergétique de mon fournisseur d'électricité. Et sachez que nous avons baissé notre consommation d'électricité de 21% par rapport à décembre 2021, ce qui est assez, euh, assez fort. Non pas parce qu'on a fait plus attention que d'habitude, juste on a changé notre chauffage, notre chauffe-eau électrique. Et voilà, ça fait une grosse. Et on fait, on fait attention pour une chose, c'est qu'on essaye de faire un maximum de, chus, de choses sur les périodes des heures creuses. Voilà, ce qu'on faisait un peu moins avant. Ouais, et la salle de bain on la chauffe moins parce qu'il fait doux donc forcément il y a moins besoin de chauffer la salle de bain avec un petit souffleur électrique donc voilà maintenant merci de me faire le modèle Meurice de lmd <laughs> c'est ça euh, c'est du rust terrible euh, j'y ai pensé vous <laughs> êtes incroyable euh... Perso, j'ai suivi une formation Java en centre de formation et six mois de stage compris. À la suite de ça, j'ai été embauché dans une startup pendant un an. Et Depuis, ça fait deux ans que je n'ai pas réussi à repartir dans le monde du dev parce que j'ai l'impression d'être assez câblé pour réellement bosser dans ce milieu. Je n'ai pas réussi à repartir. J'ai l'impression d'être assez câblé. Hein. La formation était beaucoup trop courte pour être capable de rejoindre une boîte. Au final. Ah merde, mais ça, c'est clair. C'est-à-dire que je suis, je suis d'accord avec toi absolument pas vu les tests unitaires, chose qui est demandée. Bien sûr, c'est demandé à 100%. Et puis, encore une fois, le dev, enfin, avant de commencer à coder des trucs, moi, je demande à mes étudiants de faire de l'algo. Je demande de réfléchir, de ne pas se lancer à pisser de la ligne juste pour pisser de la ligne. Ça n'a aucun sens. Si tu codes juste pour coder euh, et juste pour avoir le coup du... Ouais, c'est bon, ça marche, donc c'est juste, hein, sinon ça ne marcherait pas. Eh ouais, connard Non, le fait que ça fonctionne, c'est pas... Euh, on s'en fout que ça. Enfin, on s'en fout, non, on s'en fout pas. Mais tant qu'à faire, on veut quand même que ça fonctionne, que ça fonctionne bien, que ce soit maintenable, etc. Enfin, c'est plein de, plein de conditions qui sont euh, voilà, qui, qui passent à la trappe en ce moment et ça fait ça fait un peu souhait euh, Je pense que... Pas c'est que les thèses. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, salut Lumicode Bonsoir à toi euh, Facile, faut demander à ChatGPD, pas faux. Euh, ce que j'aime bien en informatique, c'est que tu peux apprendre un peu de matière, ensuite faire un exercice, un peu de matière, un nouvel exercice. Oui, non, mais c'est sûr qu'après, mais ça après c'est vrai pour plein de, plein de disciplines, on a la chance avec l'informatique que ce soit accessible en fait à tout le monde. D'une part, toutes les ressources sont en ligne, euh, ensuite tu peux effectivement faire des petits exercices, t'avancer, faire des petits projets, des petits machins. Et en fait, si tu prends le temps, tu peux monter en compétence assez facilement dans le domaine de l'informatique. Tout simplement, il faut juste que ça t'intéresse, que tu aies envie et que tu aies le temps. Euh, tu prends un menuisier, par exemple, c'est plus compliqué. Tu vas trouver des choses sur Internet, etc., des tutos. Euh, je pense par exemple aux vidéos que fait euh, Nicolas Verdier. Je crois que c'est Nicolas Verdier. Enfin, monsieur Verdier, en tout cas, avec des lunettes rouges, etc., qui sont incroyablement sympathiques et tout, j'aime beaucoup. Simplement, à un moment, si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment progresser, bah, il te faut un tour, il te faut des, des, il te faut, euh, des ici, il te faut des choses, et puis, euh, et puis voilà, là, tu peux commencer à t'exercer avec une toupie, machin, faire des trucs, m'assembler et tout, ouais, mais il faut du matos. En informatique, tu as besoin d'un PC, puis basta, une connexion Internet, t'es tranquille, quoi. C'est vrai qu'on a cette chance-là que ce soit beaucoup plus simple. La musique, la musique, c'est pareil, tu vas trouver plein de tutos sur internet et tout, c'est pas parce que tu as regardé 300 heures de vidéos sur YouTube que tu vas être capable de jouer un morceau à la gratte. Euh, parce que bah, il faut, euh, faut s'entraîner, il faut se câbler au niveau neuronal pour avoir, être capable de dissocier la main gauche de la main droite, euh, pour toucher les frettes comme il faut, etc. Pour bon, tout ça, ça prend, euh, ça prend du temps et de l'expérience. Il faut pratiquer. Voilà. Donc pratiquer en informatique, c'est facile, il n'y a pas besoin de grand chose. Dans les autres domaines, on a aussi accès à cette matière, à, cette, à ces éléments, mais souvent, il faut plus de choses pour pouvoir pratiquer, il faut du matériel. Euh, en six mois, tu fais rien. Je vois déjà en dix ans, il y a des gens qui savent que JS. Alors, euh, bah, après, savoir que JS, ce n'est pas forcément un drame de savoir que JS. Moi, comme je dis souvent, hein, un langage de programmation, on n'a rien à péter. Hein. Euh, tu peux savoir faire du JS, du C, -Sharp, du Java ou quoi. Tu as peut-être fait ça pendant dix ans. Si demain, on te demande de passer de Java ou de JS à, euh, je sais pas, moi, C++, ça va se faire, hein. tu vas être formé. Euh. Encore une fois, pour moi, le langage n'a aucune importance. Euh, il peut y avoir des difficultés à appréhender un langage. Par exemple, j'ai du mal à passer sur Rust parce que c'est sur une syntaxe, une façon de faire qui est un peu différente de ce que, voire des fois très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, forcément, il faut que je me familiarise avec. Et puis, euh, je fais ça que pendant des lives de 4 heures où je passe mon temps à discuter <laughs> <laughs> Donc, forcément, ça va moins vite. Euh, mais un langage, techniquement, en 15 jours, je dis pas que tu deviens expert dans le langage, mais tu te l'appropries et puis tu es déjà capable de sortir des choses. Après, effectivement, il va falloir des mois, voire des années pour devenir un expert dans ce, dans ce langage-là et pour aller farfouiller dans les fins fonds du très fond de ses possibilités. Oui, ça, on est d'accord. Mais par contre, c'est d'un langage à un autre, on s'en fout. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est la méthode. Voilà, c'est être capable de dire, bah oui, euh, il faut faire ça, bon, je vois bien, l'architecture, machin, il faut qu'on mette ça en place, tout, tout. langage qu'on fait, on choisit à la fin, de toute façon. Le langage, tu vas le choisir par rapport au projet, par rapport aux besoins que tu vas avoir sur ce projet-là. c'est pas parce que euh, tu sais faire du JS que tu vas tout développer en JS. Il y a des moments, moi j'arrive, je dis, bah, non, bah, ça je ne veux pas le faire en JS ni en TypeScript. On va partir, bah tiens, ce projet-là, par exemple, J'aurais pas eu l'idée de le faire en JS. Je le fais en, en Rust. Alors, j'aurais bien fait en C ou hein, en C, on m'en fout. Mais là, je voulais découvrir le Rust, c'était l'occasion. Bon, bah, je le fais en Rust. Ah, ChatGPT est enfin banni de Stack Overflow. Toute question ou réponse venant de ChatGPT se verra fermée direct et les modos ont autorisation de ban 30 jours sans justificatif ou avertissement préalable si la personne utilise GPT Tout ça, question-réponse. D'accord, c'est bon à savoir. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais merci pour l'info, euh, Lumicode que ça m'a posé un souci un chat gpt alors j'ai vu que open ai là sein, euh, sort un, un outil qui permet de détecter justement si ça sort de chat gpt ou pas donc euh, le plus important c'est mais clairement et quand je disais tout à l'heure euh, un, un ingénieur justement, il y a ces aspects supplémentaires par rapport aux techniciens. On va dire, le technicien, on va lui demander de faire un truc, il le fait. Je dis pas que Attention, je dis pas que les techniciens sont cons et qu'ils ne savent pas réfléchir. Ce n'est pas ça l'idée. Mais simplement, on ne lui demande pas justement forcément d'avoir beaucoup de recul par rapport au... à ce qu'il va réaliser. Par contre, l'ingénieur, lui, il faut qu'il ait une vue globale du projet. Et puis surtout, on va lui demander, on lui dire « voilà, euh, je, on travaille dans un groupe industriel, on voudrait mettre ça en place. Euh, mais on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que tu peux nous trouver comme solution Qu'est-ce que va faire l'ingénieur Il ne va pas simplement dire, ah tiens, moi je sais faire du JS, on va le faire en JS. Non, il va se poser la question, voilà, c'est quoi le besoin Quelles sont les solutions existantes Est-ce qu'il y a déjà des trucs qui existent sur le marché ou pas euh, Oui, c'est trop cher. Euh, oui, ça ne fait pas ce qu'on veut. Euh, donc, ok, euh, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin Et à la fin, tac, il arrive et il dit, voilà, ce projet-là, euh, pour le mener à bien, il nous faut tel techno, tel techno, tel techno. Et il ne choisit pas les technos parce qu'il les connaît. Il est choisi parce que, un, c'est les technos qui vont être adaptés au projet. Deux, on a les, les compétences en interne. Trois, si on les a pas en interne, j'ai trouvé un prestataire de confiance, soit avec qui on a déjà l'habitude de travailler, soit qui nous a été recommandé, qui possède les compétences. Euh, c'est quelque chose qui vont être pérenne, c'est-à-dire que dans dix ans, on sera encore capable de le maintenir parce que ce n'est pas une techno qui sort d'un chapeau, mais c'est un truc qui existe déjà là et puis qui, est, qui est éprouvé. Donc voilà, et c'est ça qu'on va demander. Euh, bref, voilà. Euh, il est juste lent. Il 18h46. Euh, C'est moi où il a énormément. Ah, j'ai éno... ah, énormément de retard sur le chat. Je suis désolé. Il est 18h46. Putain, j'ai 10 minutes de retard. Mais à chaque fois, voilà, j'essaie d'argumenter de... De... un peu mon propos. Euh, on ne l'a pas overclock. Mince. <laughs> Salut euh, Cotard, bonsoir à toi. Oui, je suis je suis très très en retard sur le chat. Euh, si t'as des questions, j'ai fait le générateur de ma thèse en Rust. Ah Je me suis bien amusé. Mais bah oui, bah, de, de toute façon, j'ai J'aurais forcément des questions, j'aurais forcément des problèmes. à 15 minutes de retard sur son chat, 45 minutes de préliminaire, c'est bien. Ouais, non mais c'est un minimum de toute façon. Tu as 23 degrés, je vais appeler la police. Non mais j'ai dit 23. Alors, on a combien dans le bureau là, ma chérie, aujourd'hui Sachant que. T'as pas, pas rechargé la cheminée, toi il fait 21 dans le bureau, voilà. Donc on n'a pas rechargé la cheminée depuis ouais, je pense peut-être 16 heures. Oh ouais, peut-être même avant, peut-être même 15 heures. Donc ça fait... Euh... Oh non, ça fait même plus que ça. Je pense que ça fait 4 ou 5 heures qu'on n'a pas rechargé la... la cheminée. On a 21, c'est très bien comme ça. Je te conseille la crap, crap pour gérer les arguments d'entrée du programme. Ok, je, je prends. L'info, faut... clap, pas crap. Euh, ah alors c'est clap ou crap <laughs> 50 minutes d'intro, MDR mon correcteur, d'accord donc c'était clap. Euh, oh crap. <laughs> ah attends c'est clap ou c'est crap, je sais plus. Voilà. <laughs> LMD reste dans son. Oui on est à la moyenne, c'est bon. Olivier Verdi. Ah Olivier, c'était Olivier bien évidemment les lunettes rouges. Merci Mariarty. Olivier Verdi, donc qui est menuisier. Mais qui avant était dans, dans la vidéo justement, et c'est pour ça qu'il nous fait des plans absolument incroyables. Et j'aime beaucoup. Vraiment, si vous aimez le, le travail du bois et tout ça, c'est vraiment top. Euh, « Puis tu vieillis, l'apprentissage devient plus long. » Merci, Moriarty, merci beaucoup. Euh, oh putain, j'arrive à la fin. C'est incroyable. « Après, si tu le pratiques tous les jours, salut alors, ça se passe bien. Le... » Bon, écoute, on en chie un peu, mais ça se passe, euh, passe. Ça se passe, ça se passe. Il n'a pas tapé un caractère dans son VS Code. C'est vrai que pour le moment, j'ai encore rien fait. Et je voulais juste vous montrer justement où est-ce qu'on en était. Et ça, je voulais le faire il y a une heure. <laughs> <laughs> ben oui, mais vous me lancez sur des sujets qui sont, je pense, intéressants et puis voilà, qui méritent un petit peu d'infos. Bon, là c'est bien, au moins comme ça, je pourrais mettre une, un time tag sur, le, sur la vidéo YouTube pour dire, bon, ben là maintenant, ça commence, il y a une heure plus tard. <laughs> Allez, j'ai beaucoup parlé, je suis à jour, on est bon. Donc la dernière fois, je vous ai... Alors, j'en je, je, je refais, quand même un petit peu l'idée. Euh, donc, l'objectif de ce projet, c'est de récupérer les fichiers qui sont euh, issus du télescope spatial James Webb, euh, de récupérer donc, les informations qui sont dedans et de générer des images euh, dans le style qu'on veut, nous. Il ne faut pas oublier que James Webb fournit des images en infrarouge. Donc, en fait, on a des informations qui vont être codées d'une certaine façon. Hein, mais il ne faut pas s'attendre à avoir de la couleur visible. On ne va pas avoir de vert, de bleu, de choses. Non on a des informations par rapport aux fréquences infrarouges qui sont récupérées euh, sur les différents euh, pixels ou sur les différentes euh, cellules, on va dire, des capteurs. Et à partir de là, ben, on extrapole une image en associant des couleurs à certaines bandes de fréquences. Euh, et ça, d'ailleurs, ça nous permet d'obtenir des images, comme vous en avez eu certaines, qui sont absolument magnifiques et incroyables. Ces fichiers, euh, c'est des fichiers qu'on appelle des fichiers FITS. Donc, c'est un, euh, un format ouvert. Hein. On peut aller voir. Euh, on va mettre un petit euh, tac, un petit navigateur ici. Donc euh, fits format. Donc c'est le flexible match transport system et je sais plus où j'avais trouvé. Euh, euh, alors, je sais plus comment j'avais trouvé ça. Fichier fits euh, format. Euh, Est-ce que j'ai mieux Non, non. Les fichiers fits. Ah, bordel! Non, euh... oh, putain, je ne retrouve pas. Ah, attendez, vous savez quoi? On va aller sur YouTube! Parce que votre cher, euh, votre serviteur, donc d'une part, il publie ses vidéos maintenant sur YouTube dans les temps. il en a publié une dans les temps. Plutôt, euh, ce qui est plutôt pas mal. Et regardez, c'est moi, j'ai fait une miniature de Tang. Vous savez, j'ai fait les miniatures comme ils font les gens maintenant, où ils se mettent, ils se détournent comme ça avec une gueule de con. Et ben voilà, j'ai fait pareil. Et donc là, on retrouve les liens et notamment, on a la description là voilà, du format FITS. Donc voilà, hop, je vais vous remontrer hop, le PDF. Donc on a l'information, que voilà, pan, voilà, tac. Impeccable. Et donc on a notre documentation du format FITS qui fait une cinquantaine de pages exploitables, euh, qui est relativement clair, même si la dernière fois, en fait, je m'étais un petit peu planté sur certaines compréhensions. Et bref, voilà. Donc on a notre format qu'on va pouvoir étudier. Gna gna gna. Euh, le format FITS, euh, ça peut être des petits fichiers comme ça peut être de très gros fichiers. Et typiquement, là, le fichier sur lequel on est en train de travailler, qui est un fichier donc, qui vient du JWST, il pèse juste 5 gigas. Donc, clairement, ce n'est pas un fichier qu'on va pouvoir ouvrir comme ça d'un coup et puis qu'on va afficher. Non, il va falloir qu'on travaille dessus. C'est ça aussi qui va être intéressant. C'est qu'on va devoir trouver des solutions pour pouvoir traiter une image qui est dedans, mais peut-être avoir des choses qui fonctionnent malgré tout en temps réel. Donc, peut-être avec des versions simplifiées de l'image, avec une échelle réduite, des choses comme ça, sur lesquelles on pourrait travailler en temps réel avant de réaliser un traitement complet sur l'image finale et obtenir une image en très haute résolution. Avoir, euh, avoir, avoir tout ça. Euh, on se revoit dans une heure. <laughs> Salut S17, bonsoir à toi. Euh, on aurait pu cuire un chat le temps de l'intro. Oui, je pense. Je pense que la cuisson aurait été à point. On aurait été pas mal. 180 degrés. Mon avis, à 180 degrés, ça passe. Oh, ma chérie fait la tête, donc on va changer de sujet. Je trouve que le format est trop flexible avec ses 50 haters. <laughs> euh, pas pour moi, le rat, c'est bien meilleur. Oh, je ne sais pas. Après, à essayer. Il faut voir. Donc nous, on, a, euh, on, avait, euh, on avait cherché déjà un, savoir comment est-ce qu'on faisait pour ouvrir un fichier. Donc on avait trouvé ce genre de choses. Ensuite, comment est-ce qu'on faisait pour lire partie par partie des informations qui sont dans le fichier, puisqu'en fait, euh, les blocs de données dans le fichier sont constitués par, constitués, par, exemple, par des blocs de 2880 caractères. Et ce qui se passe c'est que les entêtes, donc si j'en reviens au début, hein, parce que j'ai lancé la lecture du début... Ah bah je peux pas revenir au début. Euh, ok, donc là on l'avait fait combien On l'avait fait 200 fois. On va juste faire, euh, on va juste faire 20 fois. On va le faire 20 fois. Je vais relancer le, Oups, le... le run. Et là j'ai une erreur. Non c'est bon. Ok. Donc si je remonte au début, voilà. Donc là on a les, les headers qui apparaissent. Donc, je vais remonter ça un petit peu. Je ne sais pas si y a écrit assez gros pour vous. Euh, je sais pas comment je change d'ailleurs la taille du terminal. Euh, est-ce qu'on a ça dans les preference settings Est-ce qu'on a des trucs pour le terminal Parce que j'ai le texte editor. Mais euh, où est-ce que je choisis la taille du terminal euh, Experimental feature window. Workbench, bon, je ne sais pas. Si vous avez si vous savez comment utiliser la augmenter la taille du terminal, n'hésitez pas à me dire, je vous, je ne sais pas. Euh, ok, donc on a nos, nos headers donc, qui sont lus depuis le fichier. Et donc, comme je vous le disais, c'est des paquets de 1880 caractères. Et en fait, c'est des, des lignes, enfin c'est des blocs de 80 lignes en fait, qui se suivent. Et donc, ça permet d'obtenir ce, ce genre de choses. Donc on voit qu'il y a des informations qui sont données hein, avec un, un nombre de variables ou un nombre de données suivi d'un égal, suivi d'une information qui potentiellement a un intérêt. Et puis également des commentaires, c'est-à-dire que quand on a un slash, ce qui va suivre le slash, c'est un commentaire, une information sur la donnée qu'on est en train de, de lire. Euh, on a aussi des lignes qui sont purement informatives, ce qu'on a ici, au début ce qui me posait question quand on regardait la gueule du fichier. Vous voyez qu'il y a des choses, ça faisait pas 80 caractères, c'était un petit peu bordélique et tout. Et en fait, c'est juste des lignes d'informations qui sont présentes dans le fichier. Et donc notre en-tête, en fait, elle va regrouper comme ça tout un tas d'informations. On voit qu'on a les blocs donc, de 2080 caractères euh, qui sont séparés ici. Moi, c'est moi qui ai mis les, les tirets hein, qui sont là. Euh, c'est la ligne qui est ici, voilà, qui permet de faire un point 80. Donc on affiche 80 tirets pour délimiter les blocs, voir un petit peu à quoi, euh, comment ça correspond. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, euh, au bout d'un moment, en fait, on a l'entête qui va se terminer par un, bah, avoir un bloc plutôt euh, qui va se terminer incessamment voilà ici, par le mot-clé end. Donc, à partir du moment où dans un des blocs qu'on aura lu, on va trouver le mot end, ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'entête de ce bloc de données, ce qu'ils appellent la HUD, euh, et ensuite le bloc suivant, potentiellement, ça peut être de la donnée. Alors, je dis potentiellement parce qu'on a une information en tout début et qu'on ne voit pas ici, alors, je vais la limiter peut-être à 10 coups euh, pour que vous voyez bien cette info-là. Euh, en fait, dans le, dans, le premier, euh, dans le premier bloc, on a une information ici qui s'appelle le naxis. C'est n-axis, je pense. Et s'il est à zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de données qui sont. En fait, c'est le nombre de dimensions sur le tableau de données qui va être transmis. Et là, typiquement, bah, quand as un n-axis de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de données qui vont suivre l'entête. Donc, ça veut dire que. Les informations que tu vas trouver après ce bloc-là, ce sera une nouvelle entête, un nouvel HUD, et qui ensuite, lui, t'amènera éventuellement sur, euh, sur de la data. Oh, Excusez-moi pour ce bâillement. Donc là, typiquement, bah, je m'arrête ici. Et on voit, bah, voilà, ma première entête, en fait, elle, elle est constituée de 10 blocs, donc de euh, 28 kilos de, de données, un peu de choses ouais. euh, Salut Matraise, bonsoir à toi. Euh... Mmh. Tu reviens encore au bon moment. Voilà. Super. Contrôle plus. Mais ça change. Contrôle. Ah, ah oui, mais ça, je crois que ça change vraiment. Oui, c'est ça. Ça change l'intégralité euh, de l'environnement. Je trouve que c'est assez con. Euh, en lui donnant de la soupe. Peut-être. Salut Einstein. Bonsoir à toi. Salut Physics. Il peut chercher dans les préférences Terminal font size. Alors, tiens, allons voir un petit peu dans les préférences, effectivement. Euh, alors, là, voilà, settings. Ah Donc, là, si je fais Terminal. Euh, font. Ah, oh, terminal et tubliquet font size. Bah ben voilà, on va se mettre à 20, je pense, pour vous. Voilà, merci uh, physique, excellente idée, effectivement, d'avoir fait une recherche dans les settings. C'était bien vu. Voilà, donc là, comme ça, je pense que ce sera un petit peu plus lisible pour vous. Euh, alors, nous, aujourd'hui, du coup, l'objectif, euh, il va être multiple. On a trois heures devant nous, hein. j'ai blablaté pendant une heure. Euh, premièrement, isoler proprement les entêtes, c'est-à-dire être capable de dire, voilà, je lis l'entête, jusqu'à ce que je trouve le N, tac, je m'arrête, j'ai une en tête. Euh, ça, ça va être la première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a lu l'entête, être capable de dire combien il y a de données à lire s'il y a des données à lire. Une fois qu'on a ça, extraire les données et voir exactement ce qu'on trouve comme information dans ces données-là. Donc ça, c'est les trois objectifs de ce soir. Bon, La lecture du fichier, on sait faire. Lire par bloc de 2880, on sait faire puisque là, ça passe bien. Maintenant, il va falloir traiter ça et dire, bah, on lit jusqu'à ce que j'ai euh, trouvé mon mot end, et euh, une fois que j'ai ça, j'ai mon en tête, ensuite j'extrais les informations qui m'intéressent, et, euh, et ensuite on voit pour le traitement des données. Voilà voilà un petit peu pour le, pour le, programme, le programme de ce soir, Donc, ce qui est dans le, dans le haut de l'écran, si vous regardez tout en haut, vous avez Rust Project JWST extraction des entêtes du fichier bits. Incroyable, on est, on est en plein dedans. Euh, bien. Alors, attaquons. Donc, nous, la dernière fois, on avait juste fait ce genre de choses. Donc, euh, forcément, je vais avoir envie de structurer un petit peu les choses. J'ai regardé, ce que j'ai vu, c'est qu'en Rust, on peut faire des structures, commencer, mais on peut faire des structures avec des méthodes, qui intègrent des méthodes. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien essayer de construire une structure. Euh, et qui va me permettre bah, justement d'intégrer des fonctions, de structurer mon code un petit peu mieux et d'éviter d'avoir des fonctions qui se baladent et tout. Alors je sais que Rust n'est pas un langage orienté objet. On est d'accord. Euh, malgré tout, ça n'empêche pas qu'on puisse vouloir euh, structurer un petit peu les choses et ne serait-ce que, ou alors à défaut de pouvoir faire ce genre de choses. oui, donc là, on a, un, je pense qu'on est sous la forme d'un crat euh, pour file. Alors, je ne sais plus, voilà, donc le fs file, si je ne dis pas de bêtises, c'est un. Mais d'accord que ce truc-là, c'est un, un crate, n'est-ce pas euh, Donc, faire ce genre de choses, alors soit c'est un espace de nom, soit alors, je ne sais pas encore exactement. Mais en tout cas, avoir un fichier à côté où on va mettre nos méthodes qui nous permettent euh, de lire une entête, d'ouvrir le fichier, de faire tout ça, pour avoir des choses un petit peu plus propres. <laughs> et, puis, euh, et, puis, et puis, et puis, et puis voilà. Et puis voilà. Alors, justement, tiens, question, si je suis en Rust et que je veux create a crate, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce c'est-à-dire create. Allez hop, nipple. Ah, mais on en apprend tous les soirs hein, sur, sur, sur les moyens du... pain ah, tous les soirs. Tous les vendredis soirs sur les MD. Donc comment est-ce qu'on dit create Non, en... Voilà. Create. Create. Vous n'avez pas vous parce que je n'ai pas désactivé l'audio du, du, du bureau. ici Voilà. Je vous le refais. Create. Create. Voilà, create. Il suffit de dire create. Donc c'est très bien. Euh... Ouais, alors en fait, ils, pff, comment dire En fait, ils ont, j'ai lu une, une information là-dessus où en gros, ce qu'ils disent, c'est que euh, c'est pas un langage orienté objet dans le sens où il n'y a pas d'héritage, il euh, n'y a pas ces trucs-là. Bon, euh, où ils disent oui, l'héritage, en gros, c'est pas bien, machin, machin, machin. Vaut mieux faire des modules et tout qui s'appellent les uns les autres. Je dis oui, ok, pas de problème. En fait, c'est toujours pareil. Le problème, c'est pas l'héritage. C'est ce que t'en fais. Si effectivement tu chies de l'héritage à l'appel et que t'en fous partout, et, et, au bout d'un moment effectivement ça n'a plus de sens. C'est t'as as de l'interdépendance de partout et ça devient t t à des architectures qui sont ultra complexes. Donc oui, mais simplement est-ce que ça veut dire pour autant que l'héritage c'est pas bien Non, je pense pas. C'est simplement c'est comme tout, c'est un outil. Dans certains cas, c'est intéressant et c'est utile de le mettre. Dans d'autres cas, faut pas. Mais ça, après, c'est justement c'est ta capacité à architecturer des applications qui va dire bah là, oui, tu fais bien, ou là, tu es en train de construire un gros tas de merde. C'est euh, normal. Euh, beau projet, j'ai vu la première sur YouTube depuis un mois. Problème santé, donc pas d'ordi. Oh, bah dis donc euh, mon, mon pauvre Einstein, bah tu, je, je te souhaite en tout cas un, un bon et prompt rétablissement quand même. Euh, et je ne sais pas si tu as vu, mais. Euh, la, ça faisait longtemps que je n'avais pas publié de, de rediffusion sur, sur YouTube. Et donc là, c'est la, la bonne résolution de l'année 2023. Je publierai mes vidéos systématiquement le week-end qui suit le live. Je ne fais plus de montage, je ne me fais pas chier à faire du montage. Euh, je coupe simplement le début, la fin. voilà, Je laisse toute la vidéo et je vous mets des, euh, des, time, des time codes qui vous permettent de vous balader dans la vidéo pour aller directement vers les, vers les sections qui vous intéressent. Voilà. Euh... Un vieil informaticien en retraite comme moi, ça va être l'occasion d'apprendre ce langage auquel je. Oui, mais oui, mais voilà, c'est ça. Et tu as la retraite, toi, dis donc, Bah alors, mon petit Einstein, qu'est-ce que c'est que ces histoires Il faudrait qu'on discute. Est-ce que tu es sur le Discord, Einstein Je crois que oui. Et euh, je ne sais pas si tu m'avais envoyé une invitation ou si on a déjà eu l'occasion de faire du MP. Peut-être bien en plus, tu me proposais, je me souviens des solutions, des, des énigmes mathématiques à proposer. Puis on a... j'ai jamais pris le temps de les dépousser, j'en suis désolé. Euh, mais, mais il serait bon qu'on discute aussi un hein, de ces quatre il y, y a des choses que j'ai en tête et que j'aimerais discuter avec toi. Il euh, n'y a que l'héritage qui manque, mais bon, quand tu regardes que 50% des codes, je n'utilise pas. Oui, non, mais voilà, c'est ça. L'héritage n'est pas forcément euh, quelque chose que tu mets systématiquement. Dans certains cas, c'est très intéressant. Dans d'autres cas, ça n'a aucune utilité. La première partie, c'est le nom de la crate. D'accord. Le reste, ce sont les, mod les modules. D'accord. Donc, c'est des namespace. Euh, OK, ça marche. D'autant qu'une thématique astro me plaît beaucoup. C'est vrai que la rediffusion YouTube est un grand plus. Euh, ok, parfait. Ouais, en fait, voilà, les derniers temps, c'est vrai que comme je voulais monter les vidéos, je voulais couper les passages un petit peu lents, etc. Comme bah, finalement, la première écart de cette vidéo, je n'aurais pas tout laissé a priori. Euh, bon, bah voilà, c'est Là bah, ça ne me pose plus la question. C'est beaucoup plus simple. En plus, comme je disais, j'ai trouvé le bouton qui permet d'exporter directement la vidéo de Twitch sur YouTube. Donc comme ça, on va pas trop euh, trop trop s'embêter. Alors package and crates euh, avec 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 Rust. Alors bon, bah, ça c'est bien gentil. Pas une bonne idée de faire ça. Il <laughs> me dit, oh là là pub mode garden. Hub vegetables, hub eh, y eh, je sens que je vais. Euh... Attends, il y a un truc que je comprends pas. Ils ont fait leur cargo, leur projet, machin et tout, blablabla, bla bla. Ils ont leurs ressources, blablabla, bla, bla, bla Bon, ils ont le main RS After we ran cargo new, we use bla 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 bla. Un hein? package can have multiple binary crates created by placing files in the SAC bin directory. Each file will be spread binary create. Ouais. Module cheat sheet. Oh putain. J'ai l'impression que. Euh... Ouais, bah ouais, bah on préférera avoir la retraite plus tard et puis être en bonne santé, hein, mon cher Einstein, je comprends. Là, ça fait suer problème de santé avec problème cardiaque, mais ça, tu vois, aussi c'est notre métier qui fait ça. Stature euh, perma en permanence assis, etc. C'est des choses on n'y pense pas quand on est jeune et tout, mais en fait, avoir le cul rivé sur sa chaise à longueur de temps au niveau cardiaque, c'est très très mauvais. Donc faites attention à ce que vous mangez, faites du sport en gros, faites pas comme moi parce que sinon, attention après aux problèmes cardiaques dans le futur quoi. Salut, Bank. Le format frais et implémentation en Rust, il faut se mettre dedans. Mais quand tu l'es, ça remplace bien une classe. Oui, j'en suis sûr. Euh, mais depuis que j'ai trouvé une grande liberté dans mes dev infos, par avant légèrement. Oui, forcément. Ah, tu à la poste, Einstein, c'est vrai. <laughs> ah, oui, oui, oui. Salut, PDP Maker. Bonsoir à toi. Euh, bon, OK. Alors, peut-être que. Mm. En fait, ce que j'aurais voulu simplement dans un premier temps, c'est mettre des méthodes dans un autre fichier. Est-ce que ça, juste faire ça euh, Oh, je vois que mode. Ah Oh, il y a peut-être des trucs là. Donc je vois, j'ai un libres qui fait un mode. Donc on suppose, j'aurais tendance à dire que ça c'est un espace de nom avec un autre espace de nom, donc les fameux modules dont on parlait tout à l'heure physics. Et comment, 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 comment c'est-il donc que je l'importe Donc, create font of house. Donc font of house c'est le fameux module et le create, on est d'accord c'est le fichier au final qui va contenir tout ça. Donc le create, c'est lib.rs. Il va peut-être faire un de points de point front of house, de point de point hosting, ce serait ça le ce serait ça l'idée après pour l'utiliser path and referencing Create de point de point front of house. Donc create, ça fait référence à la crate dans laquelle tu te situes, je suppose. On va commencer à Imaginer, possiblement comprendre ce genre de choses. Les private modules, etc. Donc, il faut que ton module soit public pour que tu puisses l'utiliser. Jusqu'à là, ok. Et LGKTG, bonsoir à toi avec un troisième mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Euh, c'est le module ton create, c'est projet. Ah, donc pour la create, c'est un projet à part. Ah, ok. Ouais, en fait, la Crate, c'est un binaire au final. Que tu importes dans ton truc. Une DLL. En gros, si on veut la causer un petit peu Windows, je sais que ça va fâcher plus d'un. Est-ce que cela vient de toi, la magnifique idée d'imprimer les emails avec la suppression des timbres rouges <laughs> Ouais, ok. D'accord, ça marche, Maître euh, Yoran. Maintenant, je suis plus. Je, je comprends mieux. Alors, somme toute. Avant de faire un create complet, est-ce qu'il nous est possible euh, permet de choisir quel module fonction trait tu rends public D'accord, ok. Donc ça c'est bon, ça je, je, je comprends. Est-ce qu'avant de créer autre create, est-ce qu'on peut simplement mettre des, des, des fonctions dans un autre fichier Je suis certain que oui. Donc Rust use function uh, in another file. How to call a function another file but the same crate OK, ça va. Hein? Donc, fine, blablabla. Blah, blah. Donc, on nous dit qu'on fait un mode sub. Sub, sub. Mode sub, 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 sub. Oh, oh, oh. You need to declare sub rs as a module. Oui, oui, oui. Ensuite, that sub is currently private to its owning module, you need to mark it public. Once you have that, you can do them. Oui. OK. Bon, on va essayer. On va voir, on va voir. Alors, imaginons. Moi, je suis dans mes sources, d'accord Je crée un nouveau fichier. Je l'appelle pour le moment de manière totalement obscure et sombre, JWST.rs. OK Right. Ce qui fait qu'ici maintenant, j'ai un Tube mode jwst. Alors attends, qu'est-ce qu'il mettait après mettez des parenthèses non, non, un point virgule. Yolo, j'ai ça. Très bien. Sauf qu'après, il faut peut-être que je mette des fonctions dedans. a function. Moi, j'aurais tendance à dire que comme ça, c'est un module. J'ouvre des accolades comme ça. Je, je fais juste un petit test à la con. Hein. FN de matin. Je vais appeler test. Et qui s'occupe de faire un print... nia, petite macro. Euh, test de euh, JWST. Hop. Je valide. Est-ce qu'il faut mettre un pub ici Je ne sais pas. Nous verrons. Ensuite, ici. Est-ce que par tous les hasards hasardeux, je peux faire un use je l'avais appelé comment JWST point virgule. Non. Et est-ce que si je fais un mode jwst yolo? C'est pas ça, hein. euh, Si je remonte. Il y a mode sub. Ah mode sub use sub sub. Ok, donc mode jwst. Use jwst. Jwst. Et donc là normalement, YOLO. Si dans mon main là je fais un euh, test, non ou alors un jwst de point de point test. J'ai l'impression que c'est con ce que j'ai fait là. Pourquoi je fais un j, use jw non faut que je fasse juste use jwst. Non non parce que ça c'est le module. Oh putain je suis paumé. Euh, function divide is never used T'inquiète pas. Alors, quest que, je, je regarde un petit peu ce que vous me dites euh, oula, oula, vous avez beaucoup écrit. Vous avez beaucoup écrit. Oula, vous avez beaucoup écrit. Malheureusement, la doc est mal faite pour les modules. D'accord. Et oui, et avance le MATSUP. SP et dé début de carrière de pilote de chasse. On a un petit bonhomme. Oh, accident de foot qui rend inapte au vol. Ah, ça. Alors, putain, ça, c'est. En plus, pour du foot, quoi. Hein? Le, le sport que. Tout le monde déteste ici. Hein. Et pour un accident de foot, ah, ça franchement, là je, ouais, là, dans, euh, là, je rentre à la poste comme programmeur, puis analyste et finalement directeur informatique. Oh là là, oh, merde, avant accident cardiaque. Oh Mon cher Einstein. Euh, perso, visite médicale hier pour le TAF 51 piges, verdict, homme de 35 ans. Merci les arts spatiaux Bah voilà, évidemment. Un Petit coup de mode, euh, oui. Tu crées un fichier avec un nom en snake case. Vous me faites chier avec ça, avec les trucs où il faut mettre des noms dans un, dans un format particulier. Ça, ça me, euh, mais bon, il euh... ah, faut quand même pas que j'appelle mode.rs. J'ai pas envie de l'appeler mode.rs. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est niet. Hein. Je refuse euh, mode.rs. Et voilà, oui, nom underscore du fichier.rs. Bon, bah, nous ce sera jwst comme ça, il n'y a pas de underscore. On est content. Y aura comme nous, nom du fichier, d'accord. Salut euh, Crypees, bonsoir à toi. Ça se bat avec les modules REST Attention, réponse Tech Overflow, il y a plein de changements au fil des éditions. D'accord, d'accord, merci pour l'info. Tu pas besoin du pub mode. Ok, donc le fait d'être ça, je suis déjà dans un module. Et donc, taratata, ta, ta, hop, j'ai juste à faire ça. Yolo. Alors peut-être qu'il faudra que je mette un pub pour ma fonction. Parce que sinon, peut-être qu'il ne va pas vouloir. Alors si je fais mode JWST. Et que là, ensuite, je fais un JWST 2.2.test. De point de point de Alors, il n'a pas l'air d'être ultra content. Alors, peut-être parce qu'elle n'est pas publique. Est-ce qu'il faut Je ne sais pas. Je tente. Hein. Là, je là, j'y je, vais j'y vais au feeling. Hein. On est bien d'accord. Et là, là, il n'est pas, est, est pas déconnant. Donc, je vais enlever juste cette partie-là là, qui affiche. Euh, qui lit et puis qui affiche. Hein. Voilà, on va juste faire ça. Je refais un petit run. Est-ce que par hasard, je vais avoir test qui apparaît Oui. Test de JWST. Ok, impeccable. Ah, merci. Grâce à vous, je sais faire maintenant. Donc, on est capable de mettre des fonctions ailleurs. Ça, c'est cool. Maintenant, la question qui se pose. Euh, ouais, non, en fait, il y a pas vraiment de question qui se pose. Donc, nous, par exemple, on a un truc rap, JWST. Alors, c'est même pas JWST, ce serait plutôt FIT, mais bon, comme on va travailler spécialement avec les. Ouais, bon, pour le moment, on s'en fout. C'est JWST, c'est bien. Donc, on va l'appeler open ou read fit. Ouais, pour le moment, ça va être read. Bah, je vais l'appeler open fit. Et puis là-dedans, on va indiquer en paramètres. Je ne sais pas comment ça marche, mais je vais mettre le. Même pas le file name, le path. Qui va être une string. Voilà, je pense que j'ai le droit de faire un truc comme ça. Et donc, cette partie-ci. Voilà, on va récupérer ce machin-là. Blu blu blup, hop, ctrl-c, tac, là, bim, ctrl-v, yolo, ici, je mets le path, paramètre, jusque là, apparemment, il est content, j'ai le droit, alors le seul truc, c'est que là, j'ai un petit point d'interrogation à la con, qui me dit que, automatiquement, s'il y a une erreur, ça va, ret ça va return un résulte, stdio, error, donc, si je fais ça, il faut que je le mette là. Alors, ou alors, je traite l'erreur différemment, mais en même temps. Je ne sais pas. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais un match Pour le moment, on va faire ça. On va faire ça. Donc, tigali-galu. Hop, j'arrive à ouvrir mon fichier. Alors, par contre, pas content, il est. Il n'est pas content parce que parce qu'il n'y a pas de return. Et oui, à la fin, il faut que je fasse un return. Euh, OK. Comme ça. Non, c'est OK. OK. YOLO. Et là, on est bon, je crois. Ok, eh, vous avez vu, je. je hein Au moment, je ne bute pas. Je ne trébuche pas encore. Alors, ça, c'est notre euh, mute file c'est ce machin-là. Alors, hop, je ne vais pas tout effacer tout de suite. Moi, donc, je vais faire un JWST, deux points, deux points, et je lui donne ce truc-là. Et puis, on reste avec euh, notre petit zigoui qui est ici. Ça, techniquement, ça me permet ici d'avoir mon fichier. Maintenant, on va parcourir ce fichier. Et on va en extraire les informations donc première chose on va faire un on va faire un read HUD on va se faire une méthode readHUD donc là ici hop j'ai mon FN qui elle va être privée n'a pas besoin d'être accessible depuis l'extérieur et donc là on va faire un read readHUD donc le, le HUD hein, je vous rappelle c'est la structure c'est les grandes parties en fait qui composent le fichier FITS donc nous on va lire HUD par HUD voilà et on va retourner des informations par rapport à ça et donc ce sera l'occasion de, de créer également des structures bref voilà euh, le pub, donc mode, c'est dans d'antenne main, d'accord. Euh, je sais pas ce que c'est que le D9N. Voilà. Euh, je préfère largement les exemples du book qui sont plutôt clairs et surtout à jour par rapport aux éditions. D'accord, bah, c'est toujours bon à savoir. Tiens, je, je clique sur ton lien en même temps pour l'avoir sous la main. Mais on y allait on y allait, je crois, sur le Rustbook. Hein. On, y était, on, y était, on y était un petit peu plus tôt, mais on, on y allait. Effectivement, c'est ce lien-là que tu m'as envoyé, hein, le CH07, etc. Ouais. Donc on y était. Et tout n'était pas comme... Alors après, c'est parce que je lis en diagonale, parce que je suis en live et que je ne prends pas le temps de bien lire les choses. Donc c'était pas du tout clair sur le coup. Mais enfin voilà. Euh, enlève le mode car tu as créé un module GWST dans JWST, Voilà, Donc ça, du coup, c'est fait. Un fichier est déjà un module. Le keyword mode, ça sert à dire au compilateur d'aller chercher un module en fonction de son nom. Donc jusque-là, je comprends. Euh, après, je comprends quand même le coup du snake case avec l'underscore pour les noms de fichiers. Parce que typiquement, quand tu es sous Linux, les tirés, ce n'est pas forcément foufou, etc. Le underscore, ça t'assure que ça marche un petit peu partout. Et comme ton nom de fichier et ton nom de module sont identiques, bah forcément, ouais. donc ça, ça se comprend parfaitement. Euh, salut Matrails, j'irai voir le replay, je commence la formation. Ah, excellent, bah, bonne formation à toi, mon cher Matrails. Euh, mais ça ne sert pas à créer un module en soi. En gros, tu peux avoir plein de fichiers partout, mais c'est le code qui va définir quoi chercher et uniquement quoi utiliser. D'accord, 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 d'accord. Euh, je comprends, je comprends. La méthode, c'est le secret, ggpou la fonction pour, je suppose, de la fonction. Merci, uh, CoolFreeze. Uh, mais ESTR pour le passe car non mutable. Alors, euh, pour savoir s'il n'est pas content, il faut sauvegarder. Comment ça uh, Ah, je pas sauvegardé. Ah merde. D'accord. Donc là, bah attends, de toute façon, là, on va lui faire ça. Hop, voilà. Et là, il est... Ah oui, effectivement, il n'est pas content. Uh, alors, qu'est-ce qu'il nous dit a structure with a similar name exists. String. D'accord Cannot find string in the scope. Ah, donc déjà là, je ne suis pas bon parce que le type c'est string avec un S majuscule. That's it. Il faut que j'enregistre. Voilà. Donc là, effectivement, on est mieux. Ensuite, le file. Ah oui, ben là, forcément, il ne connaît pas file puisque maintenant, ça c'est un truc que j'avais mis ici. Donc je pense qu'il faut que je me prenne. Ouais, de toute façon, en fait, tout ce qu'on avait mis ici, euh, en fait, on va le remettre là pour le moment. Voilà, on enregistre. YOLO. Alors pour moi vous n'êtes pas utilisé les gars, mais ça va bien se passer. Ensuite, tu me dis ici de mettre plutôt un et commercial euh, pour le pass. Parce que non mutable. Techniquement, est-ce que ça c'est censé être mutable Parce que moi, techniquement, effectivement, j'ai pas... Ah alors, en même temps, là j'ai une pub struct string. Est-ce que c'est vraiment open, ça prend quoi en paramètres Ça prend un P. Un pass P. Et c'est quoi P Azref passe. Foutez de ma gueule les gars. Euh, bon, imaginons. Alors du coup, string ou pas string, nous c'est... Et alors le e commerci le, le et commercial Alors c'est avec moi si tu veux quand je vois un e-commercial, ça me fait penser à référence. Et du coup, euh, mais du coup, le maître de e-commerce. Parce que j'ai pas envie que ce soit mutable en fait le, le, le nom du, du chemin dans cette méthode là. Il n'est pas censé être mutable lui. Euh, à, à quoi, en fait, voilà, la question c'est ça. À quoi ça levé commercial devant le, alors, le nom de la variable ou le nom du, du string Je sais pas, dites-moi. Dites euh, pour le pass, généralement, il est conseillé de mettre impl asref pass comme type. Ah, ben justement, comme open. Alors, qu'est-ce que c'est que ce asref pass Ah, parce que bah, moi, je, je veux bien hein, qu'on euh, qu fasse ça, mais il faut que je vois un peu à quoi ça correspond. Alors, asref in std convert. Bon. Uh, asref t. Put, 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 used to do a cheap reference ref to reference conversion. This trait is similar to asmute, which is used for converting between mutable, reference. between mutable references. If you need to do a costly conversion, it is better to implement from with. Et pourquoi j'aurais besoin de faire une conversion en fait, c'est quoi l'intérêt de, de faire ça? Euh... Ouais, ou alors c'est mieux de comprendre pourquoi avant de le faire. Ouais, exactement. <laughs> par contre, ton fichier est open, mais en fait c'est normal que parce que j'ai pas encore mis la suite, euh... mais le retour du open tu le drops à la fin de la fonction. Rien n'est mutable par défaut, on est d'accord. Euh, j'ai raté le début du stream. La notion de create a-t-elle déjà été abordée Alors non, enfin, on en a parlé très rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on fasse la create ce soir euh, PDP Maker. Ce que j'ai compris, en tout cas, parce qu'on en a parlé un petit peu avec Physique, et d'autres, on peut créer des modules, en tout cas des fichiers dans lesquels on va avoir des méthodes. Euh, et les modules hein, seraient un petit peu comme des namespaces en C ⁇ encore une fois, de ce que j'ai compris. Ensuite, pour faire une create, en gros, on crée un projet spécifique dans lequel on va mettre nos fichiers, nos méthodes, etc on va compiler tout ça et ça va nous générer un, un, un binaire de la même façon qu'on ferait une DLL par exemple sous Windows. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, on crée un binaire, une, une lib, hein, une bibliothèque euh, exécutable et puis ensuite, cette bibliothèque, cette create, on peut l'intégrer dans d'autres projets, etc. Donc, à terme, effectivement, c'est quelque chose qu'on fera. On fera Vraisemblablement pas ce soir, parce que pour moi, ce que je veux simplement, c'est déjà sortir les méthodes euh, du main, du fichier principal, pour essayer de commencer à, à agencer les choses un peu mieux. Euh, et ensuite, on verra effectivement la partie create. Euh, salut est de type estr. Donc, alors, as ref, c'est un trait, ok, et ça sert à emprunter la valeur, donc référence en C. Ah oui, donc c'est comme la référence, on est bien d'accord ah oui, parce que comme c'est une oui comme c'est une string effectivement euh, oui c'est mieux de la passer en oui en paramètre on est bien, en, en référence on est d'accord plutôt que de faire une recopie euh, bien on est d'accord euh, je reviens tout à l'heure je vais sustenter mes enfants sustente les bien mon cher Cool Freeze et j'espère qu'il nous dira quel, quel est le plat du soir c'est pas plutôt déréférencer le et commercial mais elle n'a pas le droit à pas le droit de modification euh, C'est étoile en Rust. D'accord. C'est en gros pour convertir une référence d'un type vers une autre référence, une autre référence d'un autre type, euh, qui ont le même underlying storage, c'est-à-dire qu'en mémoire, ça se représente de la même façon. Pas tout à fait pareil que. Ok. Donc, en gros. Ce que tu dis, c'est qu'au final, il voudrait mieux plutôt que de mettre un string, je mette un as_ref de path. Alors, ok. Plutôt que de mettre, en fait, si je fais ça ou si je fais un estr, globalement, c'est la même chose. Si ce n'est que lui, s'il a besoin de faire des, des conversions de référence de type vers référence d'un autre type, il le fera. Ok. Sachant que lui, il prend déjà un as ref pass, donc autant lui donner la même chose, puis comme ça, ça dans tous les cas, il y aura une, une pseudo-conversion qui essaiera d'être faite au niveau de open. Donc là, on l'a fait ici, et après, techniquement, il n'a plus besoin de la faire après. Euh, pass, c'est une chaîne de caractères qui représente un pass, forcément. Euh, indique que le type que tu passes peut être interprété comme une référence sur un pass, par exemple, a string ou estr. Le imp c'est le static dispatch méthode qui est, la méthode est créée pour chaque type utilisé dans le code mais estr c'est sûrement plus simple pour commencer en effet ah oui donc en fait str c'est le type string de base c'était pas la variable d'accord donc que je mette un merde que je mette un estr avec le str je suis avec on va dire le type natif de la chaîne de caractères alors que string va peut-être être un peu plus complexe que euh, que le str de base va peut-être proposer d'autres choses et pour les fonctions, on préfère mettre estr au lieu de string, c'est mieux. Euh, salut, c'est Cétif, bonsoir à toi. Et salut, bidou. Euh, cool, moumoule. Waouh, <laughs> vous êtes forts ce soir, vous êtes forts. Comment c'est plus plus sur l'étoile versus string euh, Alors, si c'est vraiment ça, estr, c'est pourri alors. Non, je pensais que tu aurais plus comparé. Euh, bah, typiquement en JS je crois qu'on a string avec une minuscule et string avec une majuscule de mémoire, si je dis pas de bêtises il bon, y a plusieurs, en, en Java aussi je crois qu'il doit y avoir ça et, euh, et du coup dans un cas tu as des constructeurs avec une instantiation etc, tu ne peux pas le manipuler, tu ne peux le manipuler qu'avec str pointeur, plus a ouais parce qu'en fait le str c'est un tableau de caractère, quoi. donc il a une taille qui est fixe après tu peux plus, euh, tu peux plus modifier ce qu'il y a dedans je suppose, etc, etc Ouais, Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va partir là-dessus. Moi, ça me plaît bien. Donc là, on ouvre notre fichier. Ah, effectivement, pour le moment, on n'en fait rien. C'est assez logique. Euh, ensuite, on avait. Ah, mais Divide, en fait, c'était une méthode que j'avais faite juste pour tester. Ah oui, c'était juste pour tester. Euh, euh, pour tester quoi déjà Ah oui, le, le, la notion d'option avec le fait, dans un cas, on retourne None ou alors on retourne Somme quelque chose. Oui, 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 oui. Bon, ça, du coup. On peut virer, on en a plus besoin. Euh, et c'est lui qui va me dire ouais, t'as une méthode qui est là, mais qui sert à rien. Ouais, 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 ouais. Donc ensuite, ça va être la lecture justement des entêtes. Et donc moi j'avais dit, on fait un truc qui s'appelle readHTD. Donc lui, il va falloir qu'on lui passe un file. Donc un euh, bah, file de point de type file. Et là, pareil, on va lui passer une petite référence. Hein. Voilà, tant qu'à faire. Alors par contre. C'est un et mute file. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire un truc comme ça. Alors en même temps, si je fais et de file, est-ce que j'obtiens une référence sur un objet qui est mutable Et c'est ma référence qui est immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pointer sur autre chose. En même temps, une référence ne peut pas normalement référencer autre chose une fois qu'elle est affectée. Et comme file doit être mutable pour pouvoir être lu. Est-ce qu'il faut que je fasse un E-File ou est-ce qu'il faut que je fasse un E-MUTE-File E-MUTE-File pour le modifier. On est d'accord. Donc ça, c'est bon. Euh, tu veux pas faire une struct ah, On verra après pour la struct, euh, Maître Yuren. Pour simplifier, STR sont les strings immutables. OK, on va simplifier comme ça. Euh, très bien. Donc là, on est bon. Et Ensuite, c'est dans cette partie là en fait que je vais m'occuper de faire un tas de, un tas de trucs comme ça. Alors, bien évidemment, il n'y aura pas les prints, il n'y aura pas tout ça. Donc, on va faire une structure pour les, euh, les riz bien évidemment. Donc, là pour le moment, moi j'ai mon buffer de 2880 qui me permet de lire par bloc de 2880 parce que c'est comme ça que le fichier est structuré. Donc, je peux lire bloc par bloc. Ensuite, euh, ça. On l'avait fait pour pouvoir directement décomposer le buffer en blocs de 80. Et ensuite, pour chacun des blocs, on, ça nous permettait d'afficher le contenu du bloc. OK, donc là, jusque-là, on est tranquille. Et on a Jordan Lagaout et Citoyen M, que je n'avais pas salué tout à l'heure. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur les moulins du dev. Euh, voilà, J'espère que le sujet va vous intéresser. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à follower la chaîne. Hein, vous qui êtes là présent, euh, c'est toujours un plaisir. Et puis j'en profite un petit peu au passage pour faire de la pub puisque nous avons euh, bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle je mets, je mets depuis. Euh, je reprends la, la mise en place des rediffusions des lives. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Ça fait monter les stats et c'est cool. Euh, c'est vraiment un peu. Tu ne peux pas manipuler. Ok. Donc, donc ah, C'est quand même bien d'avoir aussi un, une, un public comme ça qui est actif et qui me, qui me porte sur le rust. C'est vraiment excellent. Donc là, on lisait nos trucs. Ce qu'on veut maintenant, quand je, quand je lis mon HUD, il y a plusieurs choses. Donc déjà, on va lire les blocs. Donc on pourrait se faire une méthode euh, FN euh, qui s'appelle justement read block et qui va retourner, qui va retourner, qui va retourner quelque chose, donc qui va prendre de toute façon le fichier, ça c'est sûr, voilà, euh, et qui va nous retourner, qui va nous retourner quoi, est-ce que ce serait... Est-ce qu'on retourne les chunks ouais. Moi je pense que c'est pas mal. On pourrait retourner, excusez-moi, ce format-là. Même si... Même si, même si, est-ce que c'est vraiment pertinent après pour les données euh... Non, je pense que pour les données, il n'y a pas besoin de lire par bloc de 2080. Ça, je ne suis pas sûr. On verra. Euh, on va déjà faire ça. Donc on va lire un bloc. Justement qui fait euh, 2880. Ouais, voilà, je vais peut-être splitter, en fait. Je vais déjà faire ça. Donc on va juste faire ce truc-là et on, on lit un bloc de 2880. Allez. On est parti. Donc ça, ici, je le mets là. Et donc moi, ici, forcément, ce que je retourne, euh, c'est un... C'est un... Bah, c'est avec euh, 8 Du coup. Et donc là, normalement, je devrais pouvoir faire... Est-ce que j'ai le droit de faire ça Faire un return euh, buffer. Parce que là, normalement, il ne va pas être content. On est d'accord Si je crée mon objet là, mon vecteur, et que je le retourne, il faut forcément que ce soit une construction par recopie. Ça peut pas être, Je ne peux pas retourner une référence, parce que là, sur une variable locale créée statiquement, donc à la fin de la fonction, ça n'existe plus. J'aurai une référence zombie à la fin. On ne voit pas de zombies, même pas sur les zombies. Du coup, moi, il faut que je retourne ça. Donc, il va me recopier mon vec8. Et donc, si, si je fais un bloc est égal à justement bah, bloc, bon, que j'ai peut-être même pas besoin, est égal à read block de file. Donc bloc, du coup, il doit trouver tout seul que c'est avec. Comment ça va se passer, ça Je suis pas convaincu, convaincu de, que je fais un truc correct, là. Là, je pense qu'on n'est pas bon. Euh, on va voir. Euh, Qu'est-ce que vous me dites, vous euh, Vous me dites euh, pas plutôt read block ou lire bloc. Ah non. Ah non, 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 non. Ah, euh, que... ah bloc. Excuse-moi. Je pas vu le cas. Oui, oui, tu as raison. Moriarty, tu as totalement raison, du coup. Allocation dynamique. Bonjour. <laughs> ah, tu sais, hein, les... C'est... Voilà, les... Euh... Non, c'est bon. Rust move par défaut. Les copies sont forcément explicites via point .clone, sauf pour les types primitifs. Je sais pas. Est-ce que Vec est un type primitif je... Là, je me pose la question. Donc voilà, donc là je là je, je, je suis titillé, hein, je ne vous cache pas. Euh, bloc effectivement avec un K, ce sera mieux. Euh, mais buffer, donc c'est bien un truc comme ça. Donc là, potentiellement, je peux faire ça. Je peux faire mes println. Et donc là, moi, imaginons, je peux m'amuser à faire un read HUD euh, de file. Si j'essaye de faire un truc comme ça, il met des trucs en rouge partout. Voilà. Donc là, il n'est pas content. You might have mean to introduce a new binding let. Oui, oui forcément, parce qu'il faut quand même que je déclare mon, mon loup. Ensuite, comme là, je vais avoir l'histoire des chunk. Alors, let block, déjà, il n'est pas content, parce que you might have mean to introduce a new binding let. Ben, J'ai fait let. Cannot find value block in this scope. Watch. Euh, read block, qu'est-ce qu'on me dit ah oui, alors déjà, effectivement, il faut que je fasse ça. Ah, et là, d'un seul coup, tout le monde, il est bien plus content. Là, c'est file en minuscule, bien évidemment. Ok, ça va mieux, ça s'améliore, ça s'améliore. Où est-ce que j'ai du rouge encore Parce que j'ai du rouge. Mais j'ai du rouge ou Du rouge ou euh, jou Excusez-moi. Euh, pourquoi il a encore du rouge je ne vois pas le rouge. C'est je ou... Il fait encore du rouge, il pas content. Qu'est-ce qui t'arrive Alfred Pourquoi n'es-tu pas content C'est le read HUD. Argument to this function are incorrect. Ah, lui Je mets un mute file. N'étais pas content. Je suis un mute file. Pourquoi t'es pas content Pourquoi il est pas content euh, Le problème c'est que chaque fois que tu calls la fonction, tu vas créer un vec. Ça, on est d'accord. Euh, mais read exact peut échouer, donc ça sera plus option VEC ou result VEC. Ah oui, avec justement euh, ce truc-là, effectivement, qui peut, qui peut avoir un souci. D'accord. Euh, oui, VEC type primitif. Là, tu passes l'owner de buffer à read HUD. Faut save. Ça, c'est bon, j'ai save. Il n'y a pas de return type. Je pas mis de return type. Ah, je pas mis de return type. On s'en fout. Je retourne rien. Ah, je retourne rien, vous me direz. Ah oui, mais ton truc peut échouer, machin et tout. tout okay. euh, <laughs> euh, pourquoi j'aurais un return type là, sur le file open euh, sur euh, pardon. Là on est bon, le read file c'est bon. Le c'est pas le return type l'erreur. Je je peux pas le croire. Attends, tu sais quoi? Run. Merde, il est où le run? Il est là. Il va bien m'écrire explicitement, ce qui lui plaît pas. Voilà. Explicit et must file, phone strict file. Expected et must file. Et Donc, en fait, là, ça veut dire que quand j'appelle ça, il faut que je lui donne une référence. C'est-à-dire quoi faut que je lui mette un E commercial Nope. faut que je lui mette un étoile Nope. Il euh, faut que je fasse quoi Comment tu fais pour lui passer euh... Ah, d'accord. Ah, il faut que je mette émute de mon file Mais non. Ah, si Ah, oui, parce que c'est une référence mutable. Donc, il faut que je précise que je transmets une référence mutable et pas une référence immutable de mon fichier. Ok, très bien nous acceptons euh, oui tous les trucs sont en jaune ah, ça me fait chier parce qu'il veut absolument que je fasse du snake case ben, je l'emmerde moi j'ai pas envie j'ai horreur de ça euh, bon cool donc tout ça en fait on l'a déjà recopié donc ça va dégager pour le moment j'ai réussi à faire ça c'est bien donc moi j'ai mon open fit bla 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 tout le monde il est content et donc là si je fais un run normalement tac j'affiche mon premier bloc ok bon bah tranquille Bon, ça déjà, ça marche. Donc, on arrive à faire un read block. Oh, oh, incroyable. Donc nous, on va se faire une autre fonction qui va s'appeler read header. Oui, moi je, je décompose read header. Et j'ai voilà. Euh, ensuite, on va toujours pareil. on objet du passé de lui passer le file. Ça, il y a pas, y a pas à tortiller des fesses pour le moment. Et euh, mute le file. Voilà. Et le read. Header, il va nous renvoyer. Alors, est-ce qu'on fait une structure? Header, oh, certainement. Euh, certainement. Tu peux les enlever, mais il faut ajouter des choses au début du fichier. Aha! Qu'est-ce qu'on peut ajouter au début du fichier? Alors, peut-être au début de ce fichier-là. Vas-y, moi je suis prêt, j'ajoute, j'ajoute. Euh, Rust, je vais trouver. Rust, euh, remove. Warning: snake case. Bla 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 bla. Donc, hello snake non snake case. Yes. hop là pas. la boom. Hop. Sure. Function click for compiler diagnostic Ah. Should have a snake case name, one non-snake case. Ben, J'ai mis hello. Hello uh, J'ai mis hello It's standard, uh, you can disable it, a single function by putting this in your function. Oh no Faut que je le mette sur chaque fonction je déconne pas. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah Il y avait un... Ben, non, y peut... mettre un point d'exclamation. Quelle est la différence avec ou sans c'est dans le main qu'il faut l'ajouter, c'est pas au-dessus des fonctions avec le point d'exclamation. D'accord. Donc si tu mets le point d'exclamation, ça, ça s'applique à tout ton fichier. Si tu mets pas le point d'exclamation, ça s'applique un petit peu comme un décorateur, entre guillemets, sur, euh... sur tous tes fichiers. Euh, ok, ok, ok. Bon, jusque-là, on est d'accord. Ensuite, le chunk, s'il n'est pas content. Euh... Et unused imports. Donc, ça veut dire que malgré le fait que j'utilise des chunks ici et des chunks là, je ne suis pas obligé d'importer ça. Donc, si je fais ça, yolo, tout le monde, il est content. That's it. OK. On a encore quelques... Alors, il va me dire parce qu'elle n'est pas appelée ou parce qu'elle est, elle est vide. Oui, parce qu'elle n'est pas appelée, c'est normal. Et la read, là, j'ai un problème avec le read exact. Voilà, qui. Voilà, c'est le fameux qui renvoie un résultat. Euh, et donc, là, je devrais... Donc si je comprends bien, là il faudrait que je fasse un match ou un truc comme ça. Euh, putain, alors c'est là où je sais pas, je ne sais plus comment est-ce qu'on gère ça. Bon, techniquement, si tu n'as pas lu, t'as pas lu. Euh, mais en même temps, est-ce que ça peut pas être intéressant de savoir qu'on n'a pas lu Donc... Peut-être qu'en fait il faudrait que on fasse un truc comme ça. Et donc là il faudrait que j'ai un résulte de soit avec 8, soit, je ne sais plus comment c'est, hein, un error euh, comme ça. Non, je ne sais plus si c'était ça. Qu'est-ce que c'était que m'a fait faire Un std de point io de point error. Std de point io de point error. Et il y avait des parenthèses ou pas Il n'y avait pas de parenthèses. Ah ah non, pas du tout. Parce que là, maintenant il pète du rouge le gros. Euh... Bon, au-dessus, c'est logique. Ah, bah Chunks, du coup, il est plus content. Euh, il est plus content. Donc là, c'est un résultat like 8. Ah bah oui, parce que du coup, euh... là, il y a un moment, il faut que je sache quand même si euh, Bloc, c'est bon ou pas. Alors, une fois que j'ai fait ça... Euh... Ouais, ok, ça marche, merci Physics. Il euh, y a un retour à file.read exact. Alors, file.read. Euh, Donc, tu es. Ah, moi, j'ai un read exact et effectivement, ça retourne résult. Donc, euh, là, je pense qu'il y a un truc effectivement à traiter. Euh, bonsoir, vénérable professeur de Twitch. Salut, Caria, bonsoir à toi. CDIO Error. OK. Soit tu remontes l'erreur. Et si tu remontes un résultat, tu peux utiliser. Pour l'interrogation. OK. Mais là, justement, si je fais un read block, c'est intéressant pour moi de savoir. Alors, pour le coup, ce ne sera pas ici, puisque le... on, va, on va le décaler. Alors, du coup, je vais décaler ce morceau-là. Maintenant, hop, là, je vais faire read header euh, file. Alors, il faut que je refasse, je suppose, un et mute comme ceci, donc là j'ai mon header, là, qu qu'est-ce qu que quoi consider using ouais, je pense que c'est parce que, voilà non, toujours pas c'est point virgule, non, qu qu'est-ce quoi ton problème no method name chunks found, ah oui mais c'est parce que j'ai pas enregistré, putain, enregistré, ok donc j'arrive ici, je ne fais que reculer pour mieux sauter hein. donc moi ce que je veux savoir c'est, est-ce que j'ai réussi à lire mon bloc si je n'ai pas réussi, bah, ça ne sert à rien, puis on arrête qu'on ne va pas plus loin. Si j'ai réussi, je le décompose. Alors, on peut effectivement soit refaire encore un point d'interrogation pour remonter encore plus haut l'erreur. Est-ce que c'est pertinent d'aller plus haut et de remonter euh, l'erreur Pas forcément, on a bien envie de la traiter là. Alors, si je veux la traiter ici, euh, sachant que si tu t'en fous des résultats, tu peux utiliser le placeholder underscore égal file read exact. Rien de risque et péril. Donc, on va éviter. <laughs> et après, la gestion d'erreurs, c'est à toi de voir si tu wrappes tes erreurs dans des erreurs custom ou si tu remontes direct les vrais types d'erreurs. Non, pas besoin. File est déjà un et mute file. Ah Donc, c'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin de le remettre. Et oui, mais oui, mais oui ce qui est déjà dans le bon type. Alors, que tout à l'heure, c'était juste un, un mute file. OK. Bon. Euh... Tu veux faire quoi si tu te trompes Si je me trompe, mais moi je ne me trompe jamais, mon cher maître, maître Yoréné. -Yo non, non, je ne me trompe pas. Euh, ce que je veux, c'est voilà. Si j'ai réussi à lire mon bloc, donc en fait que j'ai bien un V8 dans Bloc, alors je veux le traiter, mais si j'ai une erreur, bah on return, quoi. On s'en fout, on quitte, on ne fait rien. On ne cherche pas à faire plus que ça. Tu vois On refait tout en C. Euh, si as une erreur étoile. Je comprends pas ce que tu veux dire par si tu as une erreur étoile. Ah je suis perdu. Oh Salut Wadal Je sais pas si je t'avais dit bonjour Wadal. Ah si j'avais dit il y a 11 minutes. Ouais si ça va. <laughs> je craque. Euh... Putain, comment est-ce qu'on... Ah, en fait c'est ça qu'il faut que je regarde surtout. C'est Rust euh, Process euh, Error. Voilà. Error handling, c'était ça. Voilà. Donc, j'ai un résultat TE. Oui. Euh, et... Non, je ne veux pas de panique. Alors, on a la fameuse enum result OK ou erreur E. Hein? Je suis d'accord, je suis obligé de passer par un match. Voilà, c'était ça qu'il me fallait. OK. Donc, en gros, moi, mon bloc, à ça. C'est j'ai mon read block. Point match. Euh, non, pardon, j'ai une connerie. J'ai match de read block. J'ouvre mes accolades. Donc, soit j'ai OK non, c'est même autrement rien. Il me faut bien mon V8 à un moment. Euh, bah oui, j'ai OK avec en parenthèse donc on me donne mon bloc, justement. Et donc, dans ce cas-là, je retourne bloc. Soit j'ai une erreur Donc moi je pense que c'est est-ce que c'est R ou est-ce que c'est erreur enfin, du coup c'est euh, une erreur en Un minuscule oui ah oui non c'est error qui est de type erreur on est d'accord et dans ce cas là que fais-je je, je mets des deux points, mais en fait, c'est des flèches. Ok, autant pour moi. Ah, hein donc si je fais une, une erreur, donc euh, quoi fais-je Alors là, ils font du panique. Nous, on va pas paniquer quand même, pas comme ça. C'est juste qu'on veut, on veut rien faire. On veut, on peut pas juste quitter. Ah, si je fais un, ah, genre, je veux pas quitter. Je veux juste ne pas aller plus loin dans cette méthode. Euh, je ne sais pas, du coup, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que je fais Tu es obligé de return un résultat si tu paniques pas. Ouais, c'est ça. il Faut retourner quelque chose si on, si on panique pas. Les erreurs, il faut les remonter dans le main et les gérer à ce niveau-là. Utiliser return. Ah oui, je peux retourner rien. Mais il a l'air grave content. Alors qu'est-ce qu'il n'aime pas avec le return c'est que return a value from a function a return bla 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 oui, mais quelle est ton erreur uh, expected virgule match a body without braces this statement is not surrounded by a body While pressing on the end, use a comma to say end on sait à quoi faut que je mette virgule ah non, impossible. Oh non, ça peut pas être ça. Ils font un panique. Ah par contre, il faut un point virgule là. Ok, d'accord. Bon. Euh, le point virgule faut le mettre à la fin du bloc. Ok, ça marche. Bon, Donc pour le moment on fait un return, mais on verra que ça ira pas puisque au final le read header va nous retourner une header. Donc euh, <laughs> voilà. Mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, ça va bien faire comme ça. Donc là, mais j'ai encore du rouge. Et j'ai du rouge ici, mais je ne sais pas où. Apparemment, d'après ce qu'il nous dit, ce serait la dernière ligne, le return buffer. Euh... En fait, si je dis pas de conneries, j'ai juste besoin de faire ça. Non, pas du tout, mon jeune ami. Euh... Et si je fais return buffer, et là, il est content. Il est content, mais sans lettres. Oh la vache. Ah, je suis largué hein, quand même. Hein. Alors, expected... Oula, oh, 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 Enum result und weg. Ok, donc ça veut dire que ici, il censé lui retourner un result. Ah, ou peut-être plutôt qu'un result, c'est là où il faut que je lui fasse un ok buffer. That's it Ok Eh, hey, je commence à comprendre. Donc... Là, en gros, lui, il me dit Va chier, il y a une erreur s'il y a un problème. Sinon, tu récupères ton buffer, tu le retournes, et c'est un OK buffer, et c'est gagné. Cool. Error. Qu'est-ce qu'il n'aime pas avec Error Parce qu'il n'est pas utilisé. C'est ça. Un use variable error. Eh ben ouais, eh ben, mon gros, tu fais avec. Ah, si perfect with an underscore. Ah, donc si je mets un underscore, tu m'emmerdes plus. OK. Bon, cool. Bon, on fait comme ça. Euh, tu peux même enlever le return et le point-virgule. Oh, oh, oh. Ah oui, mais ça, non. Ça, je n'aime pas, euh, Cotard. Ça, c'est ça, ça, la partie de la syntaxe de Rust que je trouve à chier. Je suis désolé hein, pour ceux qui, qui apprécient ça, mais moi, en tout cas, j'ai horreur de ça, d'avoir un bout de code qui se balade comme ça et de savoir que parce que tu n'as pas mis un putain de point-virgule ni un return devant, ça veut dire qu'il le return. Euh, non, ça, ça c'est trop pour moi. Ça, je suis, je suis désolé, mais là, non, j'ai pas encore passé ce cap-là. Là, là j'ai horreur de ça. Moi, je. Tu veux retourner un truc, tu dis que tu le retournes. Qu Qu'est-ce qu que ça te coûte de le dire Au moins, les gens le savent que tu le retournes. Ils n'ont pas à se torturer la tête quand ils retombent sur ton code. Oh non. J'ai eu trop de trucs par le passé avec justement le fait de... Ah, parce que tu ne mets, tu mets pas le point virgule, bah, ça veut dire un truc complètement différent. Ça me fait penser à un exercice qu'on avait eu et que j'aime bien faire de temps en temps aux étudiants, notamment sur les pointeurs, avec une notation alors en C, de ce style-là, tu sais, où tu fais un while euh, plus plus i, ou non, un truc comme ça, genre tu as, as un int i qui est égal, je sais pas, moi, à 112, par exemple, euh, et ensuite, ouais, 112 c'est trop, on va dire à 5, et ensuite tu as un while moins moins i, euh, point virgule. Euh, et là tu fais je sais pas moi euh, tu as une autre variable b wingi voilà qui est égale à 0 et euh, là en fait là tu fais euh, j++ comme ça et là après tu fais un hein, euh, je sais pas si on est en on est en C, un std, cout, euh, i, euh, std de point indel, et puis ensuite, là, tu fais un std, cout de j. Et Tu dis aux gens, ben bah, voilà, euh, quelle est la valeur de i, quelle est la valeur de j à la fin de ce petit programme, quoi. Et en fait, ben, bah, t'es niqué, parce que si tu vois pas qu'il y a le petit point virgule là, ben, bah, tu vois pas que tu fais juste un moins moins i, suivi d'un plus plus j, et c'est tout, il n'y a pas d'itération, il n'y a pas de boucle, enfin, la boucle, il y a une boucle sur un seul élément, bah, même pas, j'ai une connerie, en plus, il y a une un boucle seulement sur cette ligne-là, donc le moins-i, moins le i, lui, va arriver à 0. Donc ça, effectivement, ici, hop, là, tu vas avoir un 0 pour le i. Par contre, le j, il sera incrémenté qu'une seule fois. Le j vaudra juste 1. Pourquoi Parce que mon while, en fait, il est interrompu, pas interrompu, mais il se limite à cette ligne-là, et il s'arrête avec le point virgule. Et ensuite, tu as le j ⁇ qui est en dessous. En fait, là, il est indenté de manière fausse, parce qu'en réalité, il devrait être ici. Mais simplement... Si tu as envie de baumer tes étudiants, tu mets une petite tabulation pour les induire en erreur. Et voilà, dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et ça, typiquement, bah, c'est le genre de connerie où tu peux passer un temps fou à débuguer ton programme parce que par instinct, tu as mis un point virgule à la fin de ta ligne, puis ça t'a niqué ton while. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et à, à trouver, voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas le fait de dire, tiens, si vrai que le fait d'avoir ou non un point-virgule à la fin de la ligne, ça a un comportement différent sur la ligne. Je ne trouve pas ça bien. Voilà, aucun rapport. Mais si, c'est un, un rapport avec le return dans le sens où le fait d'ajouter ou non un caractère euh, de ce type-là, en fin de ligne, ça change complètement le comportement de la ligne. Je, je, trouve, ça, je trouve ça nul pour le coup. Donc, euh, bref, voilà. Euh, là, on, on est juste sur la, la fainéantise de ne pas vouloir taper un mot qui est return. Ça n'a aucun sens, selon moi. Euh, une dernière ligne sans rien, tu vas te douter que ça retourne. Bah non, justement, non, t'as n'as pas à te douter que ça retourne parce que tu mets rien sur ta dernière ligne. Ça ça, ça me semble être un, un argument fallacieux. Je suis désolé, je vois pas pourquoi une ligne retournerait alors que c'est pas spécifié qu'elle retourne. Voilà, je, je, ça je trouve pas ça je trouve pas ça propre. Voilà, euh, de mettre des mauvaises notes. Je ne prends pas de plaisir à mettre de mauvaises notes. Non, ça c'est pas vrai. Euh, D'ailleurs, maintenant je m'y suis fait, à en mettre, quand bon, c'est mérité, hein. je, je, je pense que je note, je suis quelqu'un qui note de manière juste. Par contre, c'est vrai que la, la première année où j'ai enseigné, ça m'a bouffé des week-ends, hein, où j'étais malade, malade d'avoir dû mettre des bulles ou des 1 ou des 2, Au bout d'un moment, on s'y fait. Mais euh, non, non, c'est jamais un plaisir de mettre des mauvaises notes, je préfère mettre des vins, hein, sans aucun problème. Hein pourrait mettre un bloc avec accolade, accolade, ça changerait rien. Si tu es aveugle en même temps. <laughs> euh, ah non, bah, ça change tout en fait. Bien sûr que si, euh, critise, ça changerait tout. Si tu fais ton ton while, moins euh, i, euh, j, ou si tu fais... Enfin oui, non, je suis d'accord avec toi, excuse-moi. Avec le point virgule à la fin, ça changerait absolument rien. Effectivement ça ferait exactement la même chose. C'est le point virgule en fait qui fait où il faut faire gaffe. Bref voilà, je trouve que cette notation-là, moi, me semble bien plus lisible et bien plus maintenable. Il faut jamais oublier que euh, vous ne serez pas les seuls à travailler sur votre code et qu'il y a des tas de gens qui vont peut-être passer derrière et qui vont devoir se bouffer ce que vous aurez codé. Et je trouve que plus un code est verbeux, alors après, sans aller dans des extrêmes. Hein. Mais au moins, c'est clair et on sait tout de suite ce qui se passe. Et on n'a pas à réfléchir, à se dire, ah, est-ce qu'il retourne ou est-ce qu'il ne retourne pas bah, Il retourne, c'est marqué. Sinon, il ne retourne pas. Voilà, pour moi, c'est beaucoup, euh, beaucoup mieux euh, comme ça. Euh, baisse de l'acuité, c'était mieux avant. c'est pas une question de c'était mieux avant. C'est que ça, je trouve, cette, cette syntaxe-là n'apporte absolument rien, si ce n'est des emmerdes. Je ne vois pas du tout ce que ça apporte de ne pas marquer que ça retourne. Dites-moi quel est l'avantage la, euh, si tu fais while moins moins i, hein. oui, on, on est d'accord, tout à fait, euh, c'est euh, que tout est expression en russe, si tu mets un point virgule, ta ligne a pour valeur parenthèse, parenthèse, le return n'est pas naturel en russe, car il termine la fonction, mais il est pratique pour terminer rapidement une fonction, d'ailleurs, il n'y a pas un cache des returns. Oui, alors ça, j'avais compris que ça cachait des returns, mais mais voilà, moi, je... je en, franchement... Je peux comprendre le fait que voilà, tout est expression machin et tout. Ça n'empêche que si tu veux retourner quelque chose à un instant T, dis-le, même si c'est la dernière, euh, même si c'est la dernière ligne de ton code. Euh, moi, je trouve ça beaucoup mieux de dire les choses plutôt que de demander aux autres de se casser la tête à comprendre qu'est-ce que tu as voulu faire à cet endroit-là. C'est tout. Hein. Euh... Ok, bon, alors maintenant que j'ai ça, j'ai mon et du coup on a Atpark et El Dakov qui nous ont rejoint. Bonsoir à vous. Euh, j'ai mon donc je peux lire mon bloc. Il peut s'avérer avérer que mon bloc ne se lise pas. Donc une fois que j'ai lu mon bloc, donc dans mon read header, donc je fais mon read block. Si j'ai lu mon bloc, tout va bien, sinon on dégage. Ensuite, je récupère les chunks de mon bloc, je les analyse et si jamais j'ai un end sur une des lignes, alors, faux, 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 euh, on arrête tout. Donc là, est-ce que je peux créer un boulet Ou alors, euh, ce serait quoi le mieux Est-ce que je fais là Ou est-ce que je fais ça Non, on va se faire un boulet. Euh, ouais, on va se faire un booléen, pour le moment, on va faire un boulet. Ça va être bien. Je sais même pas comment est-ce qu'on fait, si fait un on un boulet. Donc let mute, euh, je, vais mettre, je vais appeler stop reading par exemple reading qui est égal à false par défaut jusque là il ne m'en veut pas il ne me saute pas à la gorge, je suis heureux ensuite donc je lis mes parties et donc si là dedans if alors par contre ouais là ça va être chaud entre guillemets donc moi il faut que je, que je fasse un let euh, row est égal à str dada, 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 point, Okay, très bien. Ding. Euh, et ensuite, ici, c'est là que je fais mon si row. Alors, est-ce que je peux faire une comparaison de, de chaîne de caractères comme ça Il accepte ou pas euh, Hop, hop. Donc ça, hop, ça dégage. Et donc, ici, stop reading est égal à true. Et. Ici j'ai fait un fort mais j'aimerais bien faire un fort un peu, un peu plus un peu plus mieux. Alors vous me direz, est-ce que je ne devrais pas du coup faire un while? Mais euh, non, je pas envie. Euh, je ne sais plus. Comment est-ce qu'on fait des forts en rust? Est-ce que j'ai ma, ma, ma bonne vieille notation avec un fort i égale 0, euh, etc. I, machin et tout. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on est obligé de faire des itérations à la con systématique est-ce qu'on peut juste faire un bet for avec une condition Ou est-ce que je suis obligé de faire un while Loop. Ouais, et après tu fais continue ou tu fais break. D'accord, tout pourri. Euh, while. Ouais, je suis obligé de faire un while avec une condition. Alors, bon, tant pis. Donc tant que... Est-ce que j'ai le droit de mettre des parenthèses sur un while J'espère. Hein. <laughs> Donc tant que, tant que stop reading est égal à false. Et alors ah, du coup, c'est pareil, il faut que je fasse un index. Euh... Ça un return s'il vous plaît et donc si tu veux retourner une expression qui est un bloc de code genre sur x tu es bien content de pas écrire return qui est vachement moins élégant après ah, pour voir la gueule du bloc de code je sais pas à quoi ça correspond euh... faut que je vois en vrai euh, muted ah non c'est littéralement l'onglet qui a décidé de plus sortir de son my bad <laughs> Euh, J'avais du son qui sortait de partout. Alors, je suis désolé pour ton onglet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, il voilà, y, y a eu saturation. Il a trouvé que je disais trop de mal. Je ne dis pas de mal, de rust en plus. Mais j'étais trop critique par rapport au return. Il y a eu trop de gros mots. Et du coup, ton onglet, naturellement, tu vois, il a bloqué. En fait, YouTube, euh, Google, même les onglets de navigateur, ils bloquent les, euh, les gros mots s'ils sont dits dans, euh, dans un temps trop regroupé. Quoi. Euh, bon, moi, je voudrais avoir la taille de ce truc. Donc, c'est un chunks. Donc, je pense que... Alors, header point est-ce qu'on a un truc du genre len alors len length len ça, re ça retourne la longue, la taille je suppose remaining length of the read iterator je sais pas si ça a du sens peut-être et dans ce cas là il faut aussi que je me mette un index qui est égal à 0 et ici je peux faire un index strictement inférieur à ça et donc ensuite je mets mes accolades à la place du fort. Euh, Et ici il faut que je fasse un plus plus index. Donc je pourrais même le faire dans le else ici. Ah ça n'existe peut-être pas, ça plus plus index. Index plus plus. Non Oh si ils ont dû le faire quand même. Non Ah parce qu'il n'est pas mutable Et Oui Évidemment, of course. Mais quand même, non. Else. C'est quoi ton problème avec le health Il te faut des accolades si je mets des accolades, c'est ça. Et là, le plus plus, il est pas content. Putain, ils ont pas mis l'opérateur plus plus. Non, vous déconnez les gars. Oh ça, ils auraient quand même pu. Je suis désolé, mais le plus plus, il est cool. Ou alors les parenthèses facultatives, allez-vous faire... Moi j'aime bien les parenthèses. Voilà, je n'enlève pas mes parenthèses. J'aime mes parenthèses. Je suis un vieux con, qu'est-ce que vous voulez ah <laughs> oui, Allez, header n'existe plus, il faut que je le déclare. Donc, let euh, header port est égal à header part crochet index. Et là, YOLO. Merde, qu'est-ce qu'il qu qu m'a fait? Index use size unknown. Oulala! là, là, ouh là, là. Oh, Ça ne va pas être ça. Ça ne va pas être comme ça. Alors, merdoum, parce que c'est un fucking itérateur, c'est ça, à tous les coups. C'est un chunks, machin truc. Euh, il n'aime pas cette, cette syntaxe-là. On est d'accord, on, on a bien vu. Euh, non, ça n'existe pas. Et voilà, et voilà. Ah, pour le coup, c'est du sucre syntaxique, quand même, qui est sympathique. Le plus, plus, tout le monde comprend aujourd'hui. Hein mais non ah, vous préférez virer les returns voilà chacun son truc euh, comment est ce que je fais pour accéder alors je sais pas c'est quoi c'est point il y a un point hâte euh, non je ne sais pas faire euh... alors, je vais remettre mon crochet index qu'est ce que tu aimes pas là dedans est ce que index on est d'accord que c'est un entier you size ok ça me va euh, et le port et INDEX INTO A VALUE OF TYPE CHUNKS uh -huh. euh, Ok Go to chunks Qu'est-ce qui se passe si je vais dans chunks Ah oui mais là oui, je, vais, je vais dans le chunk chunks d'accord carrément euh... Alors Mais Après tu as des gens qui font x égale plus plus, plus x plus x plus plus hein? Quelle idée tout le monde comprend, surtout on C++. plus, plus. Ah non, pardon, il y a le préfixe et le postfixe opérateur. Et tout le monde se plante. Bah euh, ben non, parce que techniquement, euh, si tu... veux... Alors, techniquement, à part dans des cas vraiment particuliers, les deux donnent le même résultat. Hein. Enfin, Pas vraiment particulier, mais euh, seulement si tu les mets dans une expression. Voilà. Effectivement, une expression avec plein de choses avoir un sens différent, mais tout le monde ne se plante pas, seulement les gens qui réfléchissent pas c'est tout. Euh, regarde dans, regarde les méthodes dans header parts. Ouais, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Euh, alors est-ce qu'il faut que je fasse un point Ça ne fait quoi Point ge, peut-être pas point ge que je veux. Que je peux avoir un peu plus de détails euh, Determines the... Oui non, ça du coup non. Non mais tu sais, on va le faire autrement. Hein. On va aller les chunks, hein. Et puis on va regarder la doc. Rust. Chunks. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a clone, clone 2 next back, nth back, advance. Ouais, parce qu'en fait, je pense que comme c'est un itérateur, est-ce que tu peux vraiment accéder à ah, item type item. The type of the element being iterated over. Non, c'était pas ça. Euh, je vois, j'ai un et non, je ne peux pas être ça non plus. Next, size, ah, count. Alors quelle est la différence entre count Consume the iterator con counting the number of iterations and return it. Mm -hmm. Last, next chunk. Ah, me dis pas advance by. Advance the iterator by n elements. Oh, Est-ce que je vais vraiment être obligé de faire ça Create an iterator which can use the pick and pick mute method to look at the next element. Uh salutalorc, bonsoir à toi. Vex implémente le trait Alors, oh là, là. Uh et puis en plus tu peux l'overload l'opérateur en C, donc t'es jamais sûr de ce qui se passe. Ah c'est pas vrai ça. Tu sais très bien ce que tu fais. Si tu es dans une classe qui overload l'opérateur plus plus, tu sais ce qu'elle va faire avec. Bah, si tu manipules la classe, si tu ne sais pas, tu regardes la doc comme d'habitude. Ça, c'est des vrais faux arguments, ça. <laughs> Vex, ça implémente le trait index. Ah mais je suis pas sur un VEX, je suis sur un chunk. Ouais, c'est slice. Le trait, c'est l'équivalent d'une interface. Alors de ce que j'ai lu, oui, mais avec des trucs en plus. Euh, moi, j'ai déjà overload d'opérateur point-virgule. Alors, je ne savais pas que point-virgule était un opérateur. Ou en tout cas, que tu pouvais faire de point-virgule un opérateur, pour le coup. Euh... Cry. <laughs> euh... ah. ah, pardon, virgule, excuse-moi. C'est moi, moi qui, ai, qui, ai, qui ai lu trop vite. D'accord. D'accord. Bah, écoute, ça peut. Pourquoi pas Pourquoi pas <laughs> euh... Ah, take. Create an iterator that yields the f ah non putain ça prend n éléments scan, flap, fuse, inspect, do something with each element. On s'en fout by ref. Borrow the iterator rather than collect. Collecting to rest, hmm. pipes, chunks. How to obtain the chunks index? slice intermute, input crochet poète. The easiest thing to do is avoid the near for an index at all. You can just zip the iterators. Okay, for O in O. we moi measure. Mais pas tout reparcourir à chaque fois c'est complètement le con salut oldadou, bonsoir à toi c'est iter tools je crois alors allons voir qu'est ce qu'on nous dit dans iter tools Oh ma chérie, elle a donné un remontant, elle prend un chocolat. Moi là aussi j'ai donné un remontant. Ah, <laughs> Ah euh... Oh, euh bon, non, c'est non, non, très bien, non, 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 non mais c'est très bien, c'est très bien a Ah raison, on a une autre boîte. Mais oui, mais c'était bien les autres là-bas. Oui, bah t'as hésité. Ah, il y en avait plein Bah là il y en a moins. <laughs> bon, bah à la vôtre, hein, hein non, 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 mais alors ça j'ai fait mais ça va pas, euh, cotard. Parce que je veux pas forcément tous les dire. Une fois que j'ai trouvé le chunk qui me dit qu'il vaut end, on arrête. On ne va pas plus loin. Ça n'a rien de dire les chunks d'après. Donc moi, je veux pouvoir m'arrêter. Alors tu vas me dire dans le fort, tu fais un return ou tu fais un break. Enfin, plutôt un break plutôt qu'un return. Ah merde, si on pouvait éviter. Ah oui, sinon je peux faire ça, mais ça fait chier, quoi. T'as pas un truc break. Si, 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 on l'a. On l'a. Mais... Euh... Mais chiasse, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. On est obligé de passer. Ouais, Chier. bon bah tant pis bon on va faire un rec comme quoi hein, c'est pas si bien ça le reste ah, j'aime bien vous troller un petit peu bon bah du coup je refais ce que j'avais fait hein. euh, d'ailleurs peut-être qu'un petit CTRL Z ce sera encore le plus rapide pouet hein. pouet 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 voilà hop donc du coup, ticalou hop, ça c'est bon. Ensuite, le STR d'un from de WRAP, normalement ça doit être bon. Stop reading. Et puis du coup, bah, ben, like. ok. Voilà. Ok, du coup l'index ici, il n'y en a plus besoin. Ça par contre j'en ai toujours besoin. Ça c'est bon. Et maintenant ben, il va falloir qu'on voit notre structure. Euh... Alors oui tiens justement la structure. Euh... Salut Wake bonsoir à toi. While est rare en Rust, tu verras plus souvent for loop while et des breaks. D'accord, d'accord, d'accord. C'est ce que je vois. Donc tu peux faire ça avec while well. euh, Bah oui, mais tu fais comment alors Parce que je vois pas comment est-ce que tu... J'ai pas trouvé d'éléments qui permettait d'accéder euh, directement à l'index dans, dans le chunk. Après, ça revient exactement au même avec du whale well et du inner neck. Oui, oui, tout, oui, oui, tout à fait. D'une certaine façon, oui. Alors, c'était juste pour éviter d'avoir un break en plein milieu du code. C'est pas forcément ultra sexy, je trouve. Euh... Je sais pas comment tu fais pour coder en voyant moins de 10 lignes de code. Oh, bah, c'est facile. En fait, tu sais, je, je réduis le. Et hop, j'en vois plus. <laughs> Merci, PDP Maker. Merci beaucoup. Un niveau pour trois mois d'avance en plus. Espèce de grand malade. Ça se trouve, tu sais, la chaîne, elle arrête demain. <laughs> On sait jamais. Il <laughs> n'y bon, a pas de souci. Cripp. Je sais très bien que dans un chat. On a tendance à écrire un petit peu vite et tout, et, et les fautes sont tout à fait autorisées, il n'y a pas de souci. Il hein. y a juste une fois, il y a un petit jeune qui était venu dans le chat, là, puis qui avait commencé à écrire hein, et posé une question, mais qui était très fait de faute. Il me demandait, je crois, euh, ouais, comment, euh, euh, qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer en développement Non, est-ce que tu as des astuces pour commander en je dis, oh, commencer en développement Je dis, commencer en développement, je n'ai pas vraiment des astuces. Par contre, si je veux, je peux te donner des conseils en orthographe. C'était vraiment pourri. Et là, le gars, il est parti dans un trip. Oui, euh, je, vais, euh, je vais dénoncer ta chaîne. Tu te moques de moi. Machin, machin. Alors, je, dis non, je te conseille, c'est tout. Ah là là. Bah merci, PDP Maker. Ça fait plaisir. Euh, si tu veux du random access, tu restes sur une collection de type VEC ou d'autres. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on qu avait compris. Ce qui était intéressant avec les chunks, c'était de pouvoir justement découper en morceaux de 80. C'était vachement pratique pour obtenir toutes les lignes. Dont... Ah, par contre, est-ce que ça vaudra End Est-ce que ça a marché, ce truc-là, en fait on va quand même se mettre un petit print pour savoir si ça marche euh, print 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 je vais dire alors euh, c'est print fin euh, ben, voilà et puis ici donc là on a notre read header on lit un bloc on parcourt le bloc et tant qu'en fait on n'a pas le stop reading, on fait ça. Donc ici, while tant qu'on n'a pas stop reading. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais en, en termes d'écrire euh, les choses, d'être euh, explicite dans le code, etc. Moi j'en suis à un moment maintenant où même ça, j'ai tendance à, à le faire de moins en moins et à mettre plutôt un, un truc euh, égal, égal false. Parce qu'en fait, des fois, quand tu, quand tu relis un code rapidement, bah, le point d'exclamation, des fois, tu le zappes parce que tu as les yeux qui se croisent, parce que ça fait ça trois fait heures que tu es en train de, de reprendre le code de quelqu'un et que voilà, tu es fatigué ou tu es en fin de journée ou un truc comme ça. Et du coup, des fois, bah, le point d'exclamation, il passe à la trappe, alors que le égal, égal, false, bon, bah, là, tu ne peux pas te planter. C'est clair, c'est net. Oui, ça prend quatre euh, caractères de plus, mais techniquement, on n'en a rien à foutre parce qu'on est en code compilé et qu'un code compilé, la taille du code, tu t'en bats les steaks, quoi. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne et que ce soit maintenable. Je ne dis pas encore sur des codes type, euh, euh, comment ça s'appelle, bah, quand tu es dans du web, etc., et que tu transfères effectivement le source code, bon, voilà, ça peut avoir un intérêt, mais bon. Pour ça qu'ils ne mettent pas les parenthèses caractères inutiles. Euh, bah, ouais, mais, enfin... Je vois pas en quoi, si tu veux, moi, la parenthèse, elle n'est pas, euh, pas utile. Alors, effectivement, tu peux euh, utiliser cette syntaxe-là, parce qu'il n'y a pas de et », il n'y a pas de machin et tout. Mais euh, moi, j'ai tellement l'habitude, en fait, d'isoler mes conditions à l'intérieur de parenthèses que, bah, du coup... Euh... Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Si tu enlèves la parenthèse, ton un point d'exclamation sera plus visible que s'il si, euh, y a une parenthèse. Ouais, à voir. Tu n'es pas obligé d'utiliser fromutf 8 car il me semble que tous les caractères sont en ASCII. Euh, alors, oui, mais le problème, c'est que si je ne fais pas mon str fromutf utf-8, euh, alors à moins qu'il y ait un autre truc que utf-8, genre un from ASCII, hein, pourquoi pas euh, Là, ce qui se passe, c'est qu'on a des bytes. Donc, si tu essayes d'afficher ça, en fait, tu ne vas pas avoir, je crois, les caractères. Oh, essayons on peut, on peut se le tenter, mais du coup, raw sera pas une str et tu pourras pas faire de comparaison avec une chaîne de caractères parce que ça va être des, des bytes et pas euh, et pas des caractères justement. Donc, Cotard, je suis pas certain. Euh... Oui, effectivement. Et du coup, typiquement, on va voir qu'après sur la partie data, il fait une vérification si c'est du tf 8 et il nous met un slash slash zéro pour tous les caractères. Euh... Mais dans ce cas, il faudrait écrire B end plutôt que end. Ah, pour bien préciser justement qu'on veut du byte, donc l'équivalent byte de end, c'est ça que tu veux dire. Donc, ouais, mais en même temps, euh, est-ce qu'on a un str from ascii Ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en from No suggestion. Merci les gars. Merci de votre soutien. Et moi qui m'a écrit non c'est bien str2.2 point donc si tu mets ut il a rien à péter. Euh, ok super alors si je tape rust str from aski euh, c'est ski comme ça hein. ouais tu vois ils font ils font ut aussi avec un point expecto. Euh, un wrap kaboom. Salut xorsor merci pour le follow. Euh, ah, t'as un frumuté fuite unchecked, d'accord. Si t'es sûr que tu as que du ASCII dedans, tu peux faire from UTF-8 unchecked, mais après tu rentres dans le monde merveilleux du unsafe. Ouais, alors techniquement, on n'a que de l'UTF. Enfin, on n'a que du ASCII tant qu'on est dans le header. Dès qu'on sort du header, on a de la data et là on a du binaire hein, pur et dur. Donc avec des choses qui seront pas euh, qui seront pas UTF-8. Euh, du coup, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est le le plus simple. Euh, pour euh, pour cette partie là. Dans len l'entête, on sait qu'il n'y aura pas de il y aura pas de, aura pas de problème. On, on, on va se le tenter comme ça. Déjà, j'aimerais voir quest -ce, que, qu ce que ça donne. Donc j'ai mon while well, stop reading est égal à fall, je continue ça. Est-ce qu'on va se taper une jolie boucle infinie ou pas euh, Là je pourrais me faire un print. Un nouveau bloc. Et donc, qu'est-ce qui se passe si là je fais. Alors là, j'ai fait Open fits. Donc, j'ai fait mon Open fits. Ensuite, je fais mon read HUD. Ensuite, je fais mon read header. Ensuite, je fais ça. Et ensuite, je fais mon read block normalement. Ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça Boucle infinie ou pas boucle infinie Ouh Nouveau bloc, nouveau bloc, nouveau bloc, nouveau bloc, nouveau bloc. Et donc là, il a paniqué. Unwrap. Donc là, on a la fameuse erreur. Donc ça, je pense, que ça vient du fait. Oh. Ah ouais, on a lu beaucoup trop de blocs là. <laughs> on a lu beaucoup trop de blocs. Donc à mon avis, le, le end, on ne l'a pas. Euh, après, tu peux faire le fromutf 8 lors de l'affichage pour le println. Comme ça, dès que tu auras terminé cette partie, tu pourras t'en débarrasser. Alors en fait, si tu veux, euh, après, moi, les informations euh, qu'il y a dans l'entête, j'ai envie de les récupérer, si tu veux. Donc, si j'ai que des que des bytes, ça va pas me... Ça, ça m'arrange, tu veux quand même d'avoir des strings. Euh, sur lesquels ensuite je vais pouvoir travailler. Par exemple, il faudra que je split autour du égal. Euh, déjà détecter ce qu'il y a égal dans la chaîne. Ensuite, est-ce qu'on split On récupère. S'il y a un slash, on enlève ce qu'il y a après le slash. Et on fait une, un couple, pair, enfin des paires de valeurs comme ça. Donc, il va y avoir des traitements à réaliser sur, euh, sur les données de len Et donc, le fait que ce soit des chaînes de caractères, ça m'intéresse. Très clairement. Alors. Si je me mets un petit point d'arrêt, euh, ça va être long, non Si je fais ça, bon, oh, c'est pas grave. Alors, je fais ça, je mets mon debug, yolo, j'arrive ici, qu'est-ce qu'il y a dans ma chaîne de caractère On me dit, ah Alors là, tu vois, déjà, ça, c'est rigolo. C'est qu'au final, ben, c'est pas une chaîne de caractère. Ouais, ah, quoi que si, c'est vrai que le STR, on m'avait dit que c'était un... En gros, c'est un tableau de caractère. Ben, Est-ce qu'il est capable de comparer un tableau euh, avec end en fait parce que bon là on va en avoir un paquet hein, de, de trucs je vais je crois qu'il y a une dizaine de une dizaine de blocs donc ça c'est le premier euh, en fait je vais mettre plutôt un point d'arrêt ici donc deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième potentiellement dixième est-ce que j'ai peut-être fait un trou on va voir donc là je rentre la what ok tout va bien je viens là qu'est ce que j'ai dans le j'ai pas de value égal ok donc on a toujours des trucs qui semblent être cohérents donc je vais remettre mon point d'arrêt ici plutôt donc next row c'est fama hop row c'est fast Ensuite il y a un raccourci non sinon, sinon euh, F5. Ok, ce sera plus simple, F5. Donc ah d'ailleurs je peux peut-être l'avoir euh, je peux peut-être me faire un, un watch non dessus. Euh, add to watch. Ok cool. Donc là comme ça, bim ah bim ah, git star, j'ai order, nanana nanana, 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 nanana. On avance, on avance. référence le CDS, Pixel, error could not find item. Ouh. ah bah oui, normal, t'es plus dedans. Alors, encore, NIRS, les distorsions Bon okay. oh, putain il y en avait plus que ça, plus que ce que je pensais. Ou alors j'ai vraiment passé un... Ah ou alors j'ai vraiment passé le truc comme un con. Et c'était au neuvième qu'il fallait que je m'arrête. Ça se trouve, je suis dans, dans l'entête suivante là. Ah il y en a trop. Je pense que je suis euh, j'ai merdé. Euh, à tous les coups, je suis passé dans l'entête suivante. Donc faut que je m'arrête au 9 Et là, j'ai oublié de remettre mon point de run. Hein. Ah ben bah non, mais je suis con. J'ai fait run au lieu de faire des bugs. Bien sûr. Donc, on a dit euh, 1, 2, 3. Ah merde. Donc, ouais, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va s'arrêter à celui-là. Je remets mon point d'arrêt ici. Je enlève celui-là. Tac, 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 tac. Putain, Fast Step. Merde. Ceux-là, on les a eus aussi tout à l'heure. Ah, fuck <laughs> Je sais plus où est la fin. Euh... Ah oui, parce qu'il y a les espaces à la fin. Euh... Après, j'avoue que j'ai tendance à utiliser des lips qui génèrent des, par... qui génèrent des parseurs à partir de la grammaire quand j'ai des formats de fichiers à partir. Ah oui, forcément. Euh... Déjà, est-ce que tu réaffectes à Stop Reading Oui. Euh, T'as pas des espaces à la fin de ta ligne euh, Ça c'est possible. Je dois filer. Merci uh, Cry, bonsoir à toi. Euh, print les roues à la limite. Euh, ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire avec cette eau. Mais effectivement, il y a le côté trim. Puisque euh, si je reprends alors, si je prends une chaîne, je sais pas moi, 3 euh, euh, non, c'était F5. Si on prend même une, bon, même, tu me dirais, voilà, une chaîne vide comme ça. En réalité, bah oui, c'est ça, il y a plein d'espaces dedans. Donc mon end, il est suivi de 77 espaces. Alors, comment est-ce qu'on fait un trim en Rust Trim str. Euh, alors, j'ai un string trim trim str. Voilà. Euh, est-ce qu'on a, a un trim himself enfin, self. Donc ça veut dire que je peux faire directement un point trim Ou no. static stream representation euh, representation Trim, où est-ce qu'on en parle? Là. Alors, trim, j'ai mon truc et je peux faire exactement mon machin. Et ben voilà. Donc row.trim Trim égal égal end. Et comme ça normalement, ça va marcher, Pas bien sûr. Euh, et en plus, tu as raison, on va on va afficher la ligne on va directement à un print. Ln point euh, d'exclamation. Alors, si je veux faire Raw, si je me souviens bien, il faut que je fasse un truc du genre comme ça. Virgule Raw. On hein? est d'accord faut mettre un formateur. Peut-être que j'aurais pu mettre juste accolade, accolade, parce que Raw, c'est connu, machin. Donc, tiens, je fais run. Ah Ça a marché Fin Il a été trouvé. Donc, c'était bien ça. Ok. Donc, le fin, ça a fonctionné. On a notre raideurs. Et c'était bien juste un problème de trim. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Euh, comme toujours. Donc, ce morceau-là, je peux l'enlever. Euh, ce truc-là, je peux l'enlever aussi. Et donc, ça, ça me permet d'avoir mon en-tête. Euh, print les roues à la limite. Re salut re-salut, re uh, maître Yureno. Yurene. Oh. Ouais, je vais y arriver. Euh, OK. Donc, merci, Cotard, en tout cas, pour... Euh, c'était bien vu. Euh, alors... Maintenant qu'on a fait ça, donc j'ai mon truc, je suis capable de détecter la fin de mon en tête et ensuite potentiellement on peut avoir des data. Alors ce que j'aimerais bien, c'est essayer de faire une petite structure. Euh... Alors est-ce que c'est vraiment une structure Je ne sais pas. Non, ce serait plutôt une map. Je pense que c'est plutôt une map qu'on va essayer de faire. Euh... Est-ce voilà. est qu'on est qu peut faire des maps en... Donc quand j'entends map euh... Euh, liste de clés valeurs. Hein, voilà, en Rust. Juste pour savoir c'est quoi JWST concrètement, tu fais quoi Ah oui, c'est mais bien sûr, je vais te dire. JWST, James Webb Special Telescope. Hein, c'est le dernier télescope spatial, tu sais, qui a été mis en, en orbite far, far away, avec ces je sais plus combien de panneaux euh, qui composent le, le miroir. Et euh, en fait, si tu veux, l'objectif, c'est de dire on récupère les fichiers qui viennent du James Webb. Donc on peut récupérer, hein, les, les données sont ouvertes, Alors, pas forcément en instantané, mais euh, une fois que les chercheurs si tu veux, ont fait leur publication par rapport au, au point du ciel qu'ils ont observé, les données sont ouvertes et tu peux récupérer les fichiers. Et donc à partir de là, bah, tu as des fichiers de données qui représentent l'image en format infrarouge euh, qui a été observée par James Webb. Et toi d'ailleurs, bah, tu fais les traitements que tu veux. Et moi, notamment, ce que j'aimerais faire, c'est de la recolorisation d'image pour essayer d'obtenir de belles images euh, de l'espace en fonction des, des fréquences euh, infrarouges qui ont été mesurées. Voilà, voir bon, si on arrive à faire ce genre de choses. Euh, donc tu veux un STD Collection Hash map Donc ce serait des Hash maps ah bah peut-être. Euh... Ah, content que ça t'intéresse, Wingseto, euh, parce que voilà, ça, ça peut être cool. En fait, ça faisait un moment, tu sais que je voulais me remettre à Rust, que je voulais regarder ce langage-là de manière un peu plus approfondie. On voit à quel point j'en chie hein, très clairement, et, euh, et je cherchais un projet à la fois intéressant et pertinent par rapport à ce type de langage. Et je pense que, ouais, on est, on est, euh, on est dedans. On est dedans. Alors, comment ça marche le map Donc, t'indiques... Je suppose le type de la clé, euh, le type de la valeur, et le S, c'est le random state. Je ne sais pas, euh, je sais pas à quoi ça sert, le S, du coup, pour le coup. Euh, tout, 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 tout. Est-ce qu'on a un exemple Voilà, un exemple. Il est ici. Donc, HMAP 2 .2. new. Oh, tu ne précises pas. Alors, ah, parce que euh, type inference lets us omit. Ah oui, d'accord. Il va automatiquement trouver les types par rapport à comment tu vas l'utiliser derrière. Mm, OK. OK, OK, OK. Donc, euh, ça marche. bah écoute, on va essayer de se faire ça. Donc, on va s'ajouter ce truc-là. Boum. Ensuite, dans le read header, on va se créer notre, euh, notre map. Donc, si j'ai bien compris, alors c'est forcément un let -mute, hein, parce puisqu'on va mettre des choses dedans. Ils l'ont fait en let mute. Hein. Ouais. OK. Donc, je vais l'appeler... Header, euh, donc c'est égal à HMAP de point de point new, ok. Alors par contre, ouf, 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 la question, hein, toujours la même question avec ce truc, est-ce qu'on va pouvoir le retourner voilà. La question à un million de dollars. Ok, bon Header, excusez-moi pour les baillements, je commence à fatiguer beaucoup. Donc là, j'ai ma ligne. Alors, première chose qu'on va vouloir savoir, c'est 1. Euh, hop, petit 1 est-ce qu'il y a un égal? Est-ce qu'il y a un égal dans la chaîne Si il y a un égal, ça veut dire qu'effectivement on est sur une affectation de valeur à une, à une, à une variable entre guillemets. Ensuite 2, si c'est le cas, on split autour du égal. Ensuite 3, on vire des éventuels commentaires et 4 on ajoute le tout dans la map ok voilà donc ça c'est ce qu'il faut que c'est ce qu'il faut que je fasse et j'en profite pour saluer Enoch61 qui nous a rejoint à l'instant. Bonsoir à toi. J'ai jamais touché au Rust malgré les nombreuses fois où j'ai dit que j'allais essayer. <laughs> Mais en vrai, quand je vois la gueule du code, ça ne me fait pas plus envie que ça. J'ai l'impression que c'est tellement plus simple et clair en Go. Euh, en, en fait, il y a une syntaxe et clairement des, des façons de faire qu'il qui faut, qui faut prendre en main. quoi. C'est tout. C'est autant il y a plein de langages dans lesquels je trouve qu'on peut rentrer très facilement. Autant Rust, je pense, c'est vraiment une de ses difficultés. C'est euh, sa syntaxe, sa structure. Je, je suis vraiment paumé dedans. Je ne sais pas trop comment faire mes choses. Là, j'ai du mal à retourner mes, mes éléments. Il y, y, y a beaucoup de choses où je suis un petit peu, un petit peu perdu sur ces, sur ces aspects-là. Et, euh, et du coup. Euh, du coup, du coup, du coup, voilà, ça c'est la difficulté. Je pense que si tu fais un projet, que tu vas jusqu'au bout, euh, tu vas forcément avoir plein de difficultés au début, mais forcément, plus ça va aller, plus tu vas te faire à la syntaxe, plus tu vas te faire au concept, à la, au principe de fonctionnement du langage, et plus ça va y aller. Donc c'est clair qu'il faut prendre le temps de... Euh, moi j'ai la chance justement de pouvoir faire ça avec les lives, et du coup, effectivement, euh, d'utiliser ces heures euh, pour, euh, pour ça. Peut-être s'il n'y avait pas les lives, j'aurais euh, peut-être décroché euh, parce que je me suis dit, ah, pas le temps pour me faire un Minecraft machin et tout. Mais, mais voilà quoi. Euh, après, Go n'a quasiment aucun avantage sur le C, alors que Rust, si. Euh, tu veux que la clé soit un i32 non, non, absolument pas. La clé sera un string, euh, mon cher maître Urene. Euh, alors après, je ne sais pas quels sont les avantages du Rust sur le C, si ce n'est. Toujours pareil, euh, l'histoire de, de la mémoire qui est mieux sécurisée. Il euh, n'y a pas de garbage collector dans le Rust, hein, ça c'est pas vrai. Euh, c'est juste que la gestion de la mémoire est mieux foutue au moment de la compilation, mais tu n'as pas un outil qui tourne au moment de l'exécution pour libérer ta mémoire. Euh... Ah, si, ou alors pardon, excuse-moi, le garbage collector c'était pour le go. Oui, je viens de comprendre à quoi tu, tu répondais. Et le garbage collector n'a pas forcément un avantage non plus. Hein normalement si tu euh, aujourd'hui le C fournit tous les outils qui permettent de gérer sa mémoire proprement on les avait déjà avant simplement il fallait les écrire mais, euh, mais c'est tout quoi c'est tout le code déjà écrit en Go de Kubernetes etc et plein d'autres pour gérer des tâches concurrentes je suis prêt à Parier que c'est bien plus simple en Go, en plus du GC et quelques petits trucs, type les retours multiples, qui permettent de simplifier le code. Euh, si tu bosses dans ces coins-là, le garage collector peut devenir un inconvénient pour les perfs. Une compilation et une simplicité pour gérer les dépendances. Alors peut-être. Après, j'ai jamais fait de Go, je sais pas. Là, par exemple, j'ai lu plusieurs, euh, plusieurs articles justement sur des comparatifs entre Rust et C++ en termes de performance. Et pour, le, pour les exemples en tout cas qui ont été faits, euh, pas de gain ni au niveau de la compilation, ni au niveau de euh, ni au niveau en fait, de l'exécution sur des, sur des gros projets, hein, sur des, des gros projets. Et en fait, là où la personne partait du principe qu'il allait avoir des gros gains, au niveau, notamment au niveau des temps de compilation, sur le, sur le C ⁇ il s'est aperçu qu'en fait, ben non. Euh, sur la réécriture du C ⁇ en Rust, il pensait qu'il aurait moins de lignes de code, et au final, ce n'était pas le cas. Euh, et du coup, en fait, il y avait des, des variations qui étaient. C'était vraiment pas spécialement. Alors, des fois, c'était assez équitable. Des fois, Rust était un petit peu meilleur. Mais souvent, C était bien meilleur, notamment au niveau des performances et des temps de compilation. Donc, euh... Donc bon, voilà. C est si long à compiler. Alors, je sais pas. Euh... Encore une fois, bon, les plus gros temps de compilation que j'ai eu, c'était un quart d'heure et encore Sigma. Uniquement si tu faisais un build complet de ton application. Euh, par contre, après sur les temps de compilation, c'est quelques secondes. Quoi. Mais après voilà, ça dépend encore une fois des projets, de la manière dont vous les faites, je pense aussi. Et puis après peut-être que Go apporte plus. Hein, mais euh... moi Reus, je ne le code pas du tout comme tu sais plus plus, c'est mieux. Euh, juste la, ouais, ça je pense c'est vraiment la sécurité au niveau de la mémoire qui est en plus et puis il y a, a d'autres choses hein. par exemple le match je trouve ça vraiment intéressant euh, par contre leur, le système des retours euh, avec un type énuméré qui dit ouais soit t'as le ok soit t'as pas le ok qui ressemble finalement un petit peu aux promesses mais je trouve ça en fait finalement assez dur euh, à gérer en fait je, pour, pour le moment en tout cas alors effectivement tu peux foutre des points d'interrogation partout et après tu gères tes heures uniquement dans le main mais je trouve que ça D'intérêt de le faire comme ça parce que euh, il y a un moment, euh, comment tu sais quelle est l'erreur qui a été faite? Ou hein, c'est dire qu'à un moment tu es obligé de re, re ça en tes propres erreurs et tout. Et ouais, y a, y a, je sais pas, il y a, y a des trucs où je suis un petit peu un petit peu perplexe, mais bon, c'est parce qu'encore une fois, je suis pas dedans encore, j'ai pas j'ai pas l'habitude et je, je, je me cherche très clairement. Hein. Euh, je code C comme du rust maintenant, Alors oui. Ça, par contre, effectivement, je pense que tu peux apporter certaines choses euh, de rust dans le C dans ta façon de faire. Euh, mais, mais voilà mais de toute façon c'est toujours pareil il y a plein de gens qui disent ouais en rust euh, ça te permet de faire du code propre euh, ça c'est des arguments pareil qui sont fallacieux euh, tu peux faire du code propre en C++ comme tu peux faire du code dégueulasse en rust et voilà quoi c'est tout à fait tout à fait faisable et encore une fois c'est pas parce que as un code qui syntaxiquement est propre qu'il est forcément bon donc c'est voilà donc ça je trouve c'est pas des c'est pas des bons arguments euh, Par les compilants, c'est frustrant à faire. Bon, allez, il faut quand même que j'avance un petit peu. Donc, déjà, tester est-ce qu'il y a un caractère dans une chaîne Donc, on m'a dit en Rust, la manipulation des chaînes de caractères est marrant. Donc, Rust, euh, search for a char in a string. Find. Ben voilà. Parfait. Donc, vraisemblablement, je fais un str find dans le q pardon excusez moi j'ai une bêtise row.find si je l'écris normalement ce sera mieux voilà alors ça nous prend quoi ça nous prend un à self donc là je pense que j'ai pas besoin et puis pat, ce que je recherche hmm. donc moi techniquement je cherche à avoir un égal ok find me retourne quoi il me retourne un option you size donc soit il a trouvé un truc soit donc soit j'ai none si je dis pas de bêtises soit j'ai euh, j'ai somme quelque chose donc vraisemblablement c'est vrai que je fasse un if row.find est différent de none right ou alors, je pourrais le programmer différent en disant, si c'est égal à none, alors tu continues. On se fout de cette ligne-là. parce que, Ah oui, mais non, il faut quand même aussi que je puisse arrêter. Ah oui, 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 oui j'ai besoin de... Alors, du coup, je teste. Et puis, ma d'ailleurs, on pourrait la trimmer. Ce serait bien aussi. Alors, le, le trim tout de suite, comme ça, on serait moins embêté avec d'autres trucs. Donc, euh, mais... un wrap, parce que là, si je fais le point trim direct, c'est quand même pas fifou, non Bon, tu me diras, c'est pas pire. Donc, je fais le trim ici. Ensuite, je commence par tester est-ce que ça vaut end Première chose. Hop, si ça vaut end, hop, on arrête et c'est parti. Du coup, j'ai plus besoin de mettre le trim. Je viens comme ça. Sinon, hop, else. Donc, premièrement, on... Euh, else if row... Donc, ne contient pas de égal, je continue. Why not Ce n'est pas une obligation, on pourrait dire s'il y a un égal dedans, et dans ce cas-là, on fait le traitement, puis sinon, on fait rien et on continue. Donc, else if, blablabla. donc si c'est différent de none, alors là-dedans, je fais mon petit traitement. et Comme ça, je n'ai pas de continue. Ensuite, le split autour du égal. Alors, comment je split une chaîne rust split, string. How do I split a string Et donc... Split 1, 2, 3. Euh, bah apparemment, il y a une méthode split 1, 2, 3. Et ça te renvoie un VEC de str. OK. Donc là, techniquement, je vais avoir un let ports qui va être égal à row split de égal. Euh, sachant que split, waouh, ça renvoie un split. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Ça renvoie un split. Ok, c'est quoi un split Alors, Excusez-moi, je vous ai pas, je vous ai pas lu. Euh, je reprends. Donc, j'en étais où euh, Alors, c'est pour éviter de ne pas gérer les erreurs qu'on pourrait le faire parfois avec try catch. Moi, je trouve ça bien, moi, le try-catch de devoir gérer ces erreurs, ça ne me dérange pas. Les types algébriques, ça existe dans pas mal de langages. Tu as essayé d'utiliser ChatGPT pour tes recherches, ça marche plutôt bien. Salut, Mister Luxy. Euh, non, non, je n'ai pas, euh, je pas ce, ce, ce coup de main-là. Alors, alors, ChatGPT, effectivement, est assez impressionnant et te fournit des résultats qui sont assez incroyables. Euh, après, attention, ChatGPT aussi, euh, c'est ce qu'on disait avec un collègue, un très bon menteur. C'est-à-dire qu'ils te présentent des résultats qui ont l'air comme ça, qui sont super bien présentés, bien et tout, et qui peuvent être faux. Donc, euh, attention au chat GPT, c'est pas non plus la vérité absolue. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il arrive à sortir des choses qui sont assez, euh, assez incroyables. Mais il faut être capable d'ailleurs de, de vérifier puis de cerner le, le vrai du faux. J'aime bien, tu sais, l'astuce, simplement, tu vas voir la doc. Et puis, euh, et puis c'est cool aussi. Quoi. Euh, je pense que j'aime haut... Alors, clairement, la killer feature de Rust en dehors du ownership. Alors attends, ça, je l'ai pas vu. Ah, c'était cet euh, hein, En dehors du hein, c'est Enum plus Match, j'adore. Pour le moment, moi, j'ai un petit peu de mal, mais parce que pas l'habitude et euh, je suis un petit peu un petit peu paumé avec. Euh, certes, je pense que j'aime autant parce que je fais du goût tous les jours pour le tas. <laughs> le gros avantage de reste est le fearless concurrence, ne pas avoir de segfault et de free after free euh, et un compilateur intelligent. Pitié, pas d'IA j'en peux plus <laughs> pauvre physique pas il y aura pas de il n'y aura pas de chat gpt euh, pendant les prochains lives euh, tu peux utiliser iflet e iflet euh, e pourquoi tu veux que je fasse un iflet e mon cher euh, maître yo maintenant row.contains ah et dans ce cas là ah oui alors si on a contains effectivement on doit avoir un boulet hein, cette fois ci Bool, ok, cool, ça c'est bien. Euh, et isnone. Oh, il y a un isNone. D'accord, plutôt qu'un égal none. Ok, je, je prends. Il euh, y a aussi la méthode contain. Voilà. Un itérateur MDR, c'est un itérator. Euh, c'est un itérateur bon, Je ne sais pas qui est un itérateur Ah, le je pense qu'on parle du split. Ok. Euh, D'ailleurs, split once. Parce qu'il n'y a qu'un seul égal, donc on veut... Ok, très bien. Et donc, split once, normalement, il me fait un option ASTR et ASTR. Donc, ça veut dire que quand tu fais ça, si c'est n'est pas isNone, alors techniquement, ça ne peut pas l'être, puisqu'on a vu que ça contenait un égal avant. Euh, si je comprends bien, alors, du coup, en fait, on pourrait même virer le if. Puisque, en gros, s'il trouve pas de égal, il va te retourner non et sinon, il te retourne directement un couple de deux chaînes de caractères dans ton, dans ton option. C'est ça oh, Excusez-moi. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'on a un exemple d'utilisation de split once Donc, tu fais ton string splitten. Alors, split once. Ah, donc tu fais ton let a, B, donc c'est ça, donc tu as ton tuple entre guillemets et donc tu récupères directement Alors, split once, ah, par contre split once, mais il split par rapport à quoi Parce que là, il donnait pas de... Il y a peut-être un caractère par défaut Ah non, pardon, split once, il, il est fait au-dessus. Ah oui, donc lui, dans celui qui a fait sa méthode. Oh là là, j'ai rien dit. Mais à mon avis, ça va être un petit peu la même chose. Oh, il y a des chances. Donc, au final, ah, mais c'est un options. Oui, c'est ça. C'est soit ça retourne ça. Donc moi, finalement, je peux virer ça vers simplement j'ai. Euh... Ouais, me... ouais. le contains en fait, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, ça ne changera rien puisqu'il va me renvoyer un option qu'il faudra que je fasse un truc dessus. Euh, C'est donc, ça veut dire quoi C'est je suis censé faire un if part.isnone euh, continue. Et sinon, je fais un let qui euh, virgule value est égal à part c'est quoi c'est unwrap apparemment n'est pas trop trop déconnant is none ça renvoie un bool euh, pourquoi il aime pas mon ah parce qu'il veut absolument un bloc d'accord très bien on accepte donc jusque là on a fait le split autour du égal, donc ça c'est bon. Ça, c'est pas trop déconnant ou ça vous fait saigner les yeux euh, C'est un itérateur, tu peux faire point collect si tu veux avec. D'accord, donc quand tu, ok. Euh, if let c'est la fameuse start. Là je l'ai pas. Euh, oui vir let if, et fait if let rose splice. Mais en même temps, pourquoi vous voulez que je fasse un if let ah, parce qu'en fait, s'il si vaut none, le if passera pas, c'est ça Là, tu peux faire point unwrap et tu aucun problème. Unwrap, c'est à éviter. On n'aime pas le risque de panique. Euh, D'accord Tu fais quoi à la place, Draconis euh, Draconis, si tu avais riff avant, euh, le if... Ah, attendez, je peut voir le iflet. Votre fameux iflet. Je pense que c'est ça. Hein. C'est si... Alors if iflet sum e i égale number. Ah Ouais et moi en fait euh, c'est plutôt le si je veux pas parce que là vous dites égal numbers ah mais moi je sais pas à quoi, je, que, à quoi tu veux que je le compare si je fais un if au pire si ce serait un if iflet égal none ou is none en gros, si je dis pas de bêtises, vous feriez un if... Ah, mais je ne le comprends pas. Je ne sais pas comment le faire, en fait. C'est ça qui m'ennuie. Parce que si tu fais if let... Parts égale row machin. Il veut dire qu'en gros, là, tu fais directement ça. Et que si tu rentres là-dedans, tu sais que parts est différent de Et que je peux mettre ça dedans, du coup. Est-ce que c'est ça l'idée de ce que vous êtes en train de me dire Il n'y a pas moyen de virer l'affichage des types comme ça. Dites-moi voir. C'est dans, dans Rust Analyzer. Est-ce qu'il y a moyen de désactiver ça Honnêtement, moi, je trouve ça insupportable. Je n'arrive pas à lire mon code. Moi, j'aime bien, voilà, si je veux savoir quel est le type d'un truc, je le pointe avec ma souris. Mais j'ai pas besoin de le voir constamment. Euh, Dites-moi voir s'il y a une option pour dé dégager ça. Ça m'arrangerait beaucoup. <laughs> Souvent, c'est plus clean. Dans les dernières versions de Rust, on peut faire les parenthèses dans les ifs ne servent à rien. En fait, je sais, mais moi, je les aime bien. Ça me, ça me détend d'avoir des parenthèses dans mes ifs. D'ailleurs, tu sais quoi Regarde, je vais en rajouter. Ça se trouve, ça marchera pas si je fais comme ça. Euh, ah non, c'est parce que là, il est fermé. Hop. Non, rien que pour vous embêter. Euh, juste par curiosité, c'est où que tu trouves ces fichiers images J'ai vite fait regarder, mais j'ai pas trouvé grand chose. <laughs> alors bon, je... ah merde, non du coup ça marche vraiment pas. Si je le fais comme ça, 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 ça déconne. D'accord. Ok. Donc je suis obligé de le faire comme ça. Euh, alors, les fichiers du James Webb, si tu le trouves sur le Mass Portal. Euh, alors, je sais plus c'est Mass Portal, je crois. Pas du tout. Attends, hop, on va faire euh, JWST Portal. C'est Mast, voilà, Mast Portal. Donc tu vas sur le Mast Portal comme ceci. Tu arrives donc sur une interface des plus sexy et, et moderne. mais en même temps c'est de la recherche, donc c'est pas ce qu'on leur demande. Ensuite tu vas dans le Advanced Search ici. Et euh, dans les missions, tu tapes JWST, tu sélectionnes ça, hop, et à partir de là, en fait, tu as tous les enregistrements, tous les fichiers issus du James Webb Telescope. Alors tu vois que là, bon, il y en a un petit peu beaucoup, il y en a 132 000 et lui, il, il met une limite à 50 000. Donc après, ce que tu peux faire, c'est cocher l'option de recherche Release Date, ici, qui te permet d'avoir bah, la date à laquelle les fichiers ont été rendus disponibles. Et puis, tu peux, euh, comme ça, tu peux euh, limiter dans le, dans le temps pour dire, voilà, je ne sais pas, on va prendre uniquement ce qui a eu, euh, ce qui est apparu euh, sur cette période-là. On va voilà, forcément, record from 0, on va se donner peut-être un jour de plus, on va se mettre le 27. Euh, bah, from 0 aussi, Alors, on va se mettre le 20 pour voir. Non, toujours rien, on va changer de mois. Ah, mais en même temps, 2021, ça marche pas. 2020. Pourquoi 2021 C'est en 2022 qu'on a eu des trucs j'ai peur d'en avoir beaucoup là. ouais, 74 000, c'est too much. Donc on va se mettre en 2022 aussi, mais euh, 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 tiens si je fais juste ça, on a des choses. Oui, on en a signé. Voilà. Donc 6 440 fichiers. Là, tu te cliques sur Search et en fait, ce qu'il va faire, c'est à partir des, des fichiers obtenus, enfin qu'il a trouvé, il va te créer une carte de l'espace et il va te dire voilà. Le télescope, il a observé euh, tous ces aspects-là de l'espace par rapport à la recherche que tu as fait. Et tu peux dire, bah, tiens, par exemple, si cette zone-là, elle m'intéresse, je clique sur le carré et ça te donne tous les fichiers euh, qui concernent cet espace-là. Donc là tu trouves tout directement. Si c'est plutôt cet espace-là de l'univers que tu veux observer, tu cliques, alors tu, tu décliques pour avoir, enfin, tu recliques pour décocher. Et là voilà, si tu prends le premier fichier, là ça ne concerne que cet espace-là euh, de l'espace. Et donc tu peux regarder ce que le, le télescope a vu dans cette zone-là. Bien évidemment, tu peux zoomer hein, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Et, euh, et, voilà. et donc en fait, là, tu retrouves tous les fichiers que tu vas pouvoir télécharger. Ça peut prendre plus ou moins longtemps. Tu as des fichiers qui ne sont pas très gros, qui font quelques centaines de mégas. Puis tu en as d'autres, comme le, celui sur lequel on travaille en ce moment, qui fait, euh, qui fait directement 5 gigas de data. Et donc tout ça, c'est euh, complètement open. Et donc tu vois les instruments, par exemple, qui ont été utilisés. Est-ce que c'est Miri, est-ce que c'est Mircam, etc. Donc en, en fonction des, euh, des, euh, des spectres d'infrarouge qui vont être capables de, de lire. Parce qu'après, tu vas avoir des fichiers. Souvent, tu vas avoir un fichier par, euh, par longueur d'onde. Donc typiquement, là, on est sur du... Alors je ne connais pas les unités. Je ne sais pas si c'est du, du, du Hertz ou du mégahertz ou du gigahertz ou, ou en dessous de ça, parce qu'on est sur de l'infrarouge. Donc euh, je ne je, je connais pas. Je ne sais pas du tout quels sont les. à quoi ça correspond. Mais en gros, la filtres pour les différentes fréquences qui ont été observées. Et euh, techniquement, bah, tu vas pouvoir combiner ces différents fichiers pour obtenir différentes vues, différents niveaux de profondeur, entre guillemets, infrarouge avec euh, qui, ont, qui ont été mesurés. Voilà, 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 mon cher Wixeto. Euh, oui, oui, euh, et tu as une... Oui, pour le formatage du fichier, on a une doc. Donc, c'est le, le Fit Standard 40. Tu iras voir dans, la, dans, la, dans les détails de la vidéo YouTube là, que j'ai de la semaine dernière. Je te mets tous les fichiers, justement, bah, notamment pour le, le fichier Fit, Comment analyser le fichier, tu as toute la structure, euh, le standard qui est expliqué étape par étape, les entêtes, les HUD, etc. Comment ça fonctionne, euh, par bloc de combien, etc. Donc tout est expliqué euh, là-dedans. If the two unski characters equal espace uh, are present in bytes 9 and 10 of the keyword record, this indicates that the keyword has a value field associated with it. Aha, Vous Voyez pour un espace, et un, un égal et un espace, en fait. C'est un, un chouille plus... Euh, euh, plus, plus con... Ici, il y a les value command donc value indicator, value comment Ça, c'est, je pense, qu'il y a des slash. Voilà, tac, le slash, décimale 47. Euh, donc, après, du coup, on dégage ce qu'il y a en, en après. Désolé. Parce que j'ai vu tout à l'heure, quand même, dans l'entête qu'on avait obtenu. Il y avait des moments où il y avait... Ah oui, non, il y a toujours un espace après. Systématiquement. Il peut ne pas y avoir d'espace avant, mais il y a forcément un espace après. C'est obligatoire. Et ce qu'il disait, c'est que le égal doit se trouver. Ils sont toujours au même endroit. Oh. Les égales sont toujours au même endroit. Donc ça veut dire que le nom de la variable ne peut pas excéder à un certain nombre de caractères. Et c'est ce qu'ils nous disent ici, donc sur les bytes 8, 9 et 10. Donc, il faut absolument, en fait, que l'égal soit sur le caractère 9 et qu'il soit suivi d'un espace. OK, donc ça veut dire que le nom de la variable ne peut pas excéder 8 caractères. OK, cool, bon voilà, ça valait le coup de, ouais, de jeter un coup d'œil à la doc, parce que bah, tout est... Euh, pardon, c'était ici que ça se disait. Tout est expliqué là, en fait. Voilà, tout simple. Donc, let's sum blabla... Est égal à str split once égal else continue. Oh, tu peux le faire directement. Il manque le if, non tu, peux pas, tu mets ton else comme ça directement. Je viens de comprendre la blague de la tarte tartiflette. Oh Mais je ne l'avais pas du tout Xorxor, merci Aïe, 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 aïe Cette syntaxe est horrible. Bah. On est, on, on est assez d'accord. <laughs> ben moi, en fait, j'essaye de me dire, voilà, demain, si je dois reprendre mon code et qu'il est comme ça, mais jamais je le comprendrai, quoi. Maintenant, il y a un let else. Bah ben oui, justement, c'est ce que nous disait physique juste avant. Euh, mais non, ça ne compare pas, ça décompose dans la last version de Rust. Salut Ganon, bonsoir à toi. C'est un type algébrique. if let's sum key value est égal à row.split. alors attends si je reprends moi qu'est-ce que j'avais fait Ah oui mais j'avais fait part machin donc là en gros tu peux directement récupérer ça donc d'accord et sinon bah effectivement on continue quoi oh là, je... Ouais, c'est pas bon pour les deux roues, hein. C'est une souffrance quand même au début. Ah, au fait, personne m'a dit si je pouvais virer là, les types. Là, j'aimerais bien les, les virer ça. Ah oui, puis il faut mettre des accolades obligatoirement. Euh, oh, et ports. Ah oui, bah, bah il n'y a plus besoin du coup. Ce morceau-là, on n'en a plus besoin. Ok. Nice. Ah, mais non, par contre, il est pas. Il me semble ne pas être complètement d'accord avec la syntaxe que vous m'avez donnée les loulous. Euh, ah, parce que c'est le somme. D'accord. Et du coup, somme, parenthèse, parenthèse, je suppose. OK, très bien. Oh, euh, donc, tu peux le décomposer, oui, dans les... Ah, dans les préférences, si, ça y est, vous êtes là. Inlay hints, oh, merci euh, Préférences, settings, inlay hints, rest analyzer. Shining ins est-ce que c'est celui-là Non, in the ins. Mm. Oh, dis-moi que ça marche. Ça n'a pas marché. Si j'enlève je celui-là. Non, ça n'a pas marché. Et là, je le laisse. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres Location links. Hmm. Non. Enfin, je vais tout virer en fait. Hein. Paramètre. Ah, parameter ins, ça, 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 ça me semble être bon ça. Non plus. Euh, j'ai cru, hein. j'y ai vraiment cru, hein. mais non. Euh, render colon, ça c'est bon. Types int. Type int. Ah, ça y est, c'est bon, c'était celui-là. Ah, oh, ah, oh, oh. Oh, quel bonheur. Euh, Mute, par contre, il est pas content, là. Pourquoi tu n'es pas content Oui, bon, je pense qu'il n'est pas content parce que j'ai encore rien ajouté dedans, donc il euh, n'y a pas de raison d'être mutable parce qu'on n'utilise l'utilise pas. Ok, tout va bien. Ah, ah je revis. Ah merci, merci infiniment, euh, c'était Croxor et puis euh, Physics, merci à tous les deux. Euh, je l'ai enlevé, ça, c'est quelque part. <laughs> merci Draconis. <laughs> tu peux chercher Rust Hint, il y a un tas d'options, effectivement. Inlays Hint, voilà, l'option qui te rend fou. Voilà, merci, merci. Euh, ah oui, donc possiblement beaucoup d'images à traiter pour avoir un champ assez large. J'ai vu la qualité de données, beaucoup de calculs. On est... Bientôt dans les traitements Big Data. Bah, pas forcément Big Data, mais on est vraiment dans le, dans le, dans le traitement d'images, le traitement de grosses, grosses images. Mais on est, on est, je ne pense pas qu'on n'en est pas encore sur du Big Data. Après, si, si tu les traites toutes, effectivement, là, c'est autre chose. Euh, somme, ça fait quoi En fait, somme, c'est une énumération, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, euh, enfin, oui, c'est un type énuméré où, en fait, il y a deux valeurs. C'est une valeur d'un type énuméré L'une des donc notamment de, de type énuméré qui est option, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'une des valeurs de ce type énuméré c'est none, et l'autre valeur de ce type énuméré c'est sum t. Donc euh, t étant un type de données euh, qui est censé être retourné. Et en fait, c'est quand tu as une méthode où on n'est pas sûr qu'elle va te retourner une donnée, soit elle te retourne somme de la valeur que tu attends, soit elle te retourne none. Et en fait, ça peut s'assimiler quelque part un peu à des promesses. Où on va te retourner quelque chose dans tous les cas, mais possiblement pas ce que tu attends. Parce que c'est pas possible. Par exemple, on avait fait l'exemple que j'ai supprimé tout à l'heure euh, d'une division. Tu fais une fonction, une méthode, une fonction qui divise euh, une opérande par un diviseur. Euh, si jamais le diviseur c'est 0, tu peux pas retourner le résultat. Je ne sais pas ce que ça fait, machin, divisé par 0. Donc, tu vas pas retourner 0, tu vas pas retourner autre chose. Alors, dans d'autres langages, comme le C++, par exemple, moi, j'aurais dit, bah, tu lèves une exception. Tu as fait une division par zéro, donc tu lèves l'exception et puis tu traites ça. Euh, ce que fait Rust, c'est dire, bah, voilà, on, on retourne none. Et derrière, à toi de traiter le fait que, comme as sur none, bah, tu as reçu none, tu ne peux pas continuer ton traitement, etc. C'est euh, un, un cas, euh, voilà. Euh, pourquoi pas je, pour le moment, j'ai du mal, j'arrive pas encore à cerner véritablement l'intérêt. En tout cas, je le je, je trouve pas ça ultra, ultra fifou, mais pourquoi pas. Il y a, en fait, il n'y a pas de nul dans, en Rust, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ensuite, ça veut dire qu'il y a la valeur. Some... Voilà, c'est exactement ça, euh, Maître euh, Gannon. Normalement, il y a une option plus générale. Ouais, mais en fait, c'était que Rust Analyzer hein, qui me le fait. Dans les autres, dans les autres codes, je n'ai pas, pas ça. Donc, euh, mais comment tu as l'exception à proprement parler, l'information de qu'est-ce qui a planté euh... Ah bah en fait, tu, tu sais que ce qui a planté, c'est la méthode qui te retourne ça. Après, tu sais pas, euh, tu sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est pour ça que moi, je trouve qu'une exception, a priori, ça me semble... Mais bon, c'est trop tôt. J'aime ce système d'options heureuses, dit Moi, j'ai du mal. Pour le moment, en tout cas. Hein, parce qu'encore une fois, je ne sais pas trop, trop comment l'utiliser. Heureusement qu'il n'y a pas de nul. Moi, le nul ne me choque pas. Il paraît que c'est une erreur terrible, mais bon. Derendor, coucou à toi Salut Typiquement, en Go, il n'y a pas d'exception. Mais on peut retourner des valeurs multiples. Donc, généralement, value R égale blabla. Et on traite R. Euh, ah, sinon, il faut faire un type résulte. Voilà, donc on a toutes ces choses-là. Donc, bon, on verra. On verra un petit peu comment ça se, comment ça se passe. Alors pour le moment, hein, on n'a pas beaucoup avancé. Donc on veut faire notre somme, donc key value. Euh, ok, ça c'est cool. Et maintenant, value. Euh, je vais mettre... On va être fou, je vais mettre left port et puis right port. Voilà. Hop. Et là, nous, ce qu'on qu split, pardon c'est le espace égal alors on pourrait aussi d'ailleurs tester après que euh, la position de ça c'est bien 9 et d'ailleurs on, on va le faire on va le faire on va faire un if euh, row point et là je pense que je peux faire un find justement euh, égal espace parce que find ça va me donner un u size et là normalement je devrais faire un égal égal 9 si on si on voulait être correct n'est-il pas et donc en fait je vais rentrer là-dedans. Oh, alors par contre après je suis emmerdé euh, si je fais ça parce que donc là else continue et puis là else continue aussi hein. donc ça d'accord alors par contre le égal égal 9 il n'est pas content parce que parce que find me retourne un option voilà forcément donc égal à somme 9. J'ai le droit de faire un truc comme ça. à me dire que non. Hein. Alors là, vous allez me dire, mais non, 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 on t'a dit, que tu fais un iflet. Sum... Some... Mais j'ai pas le droit de faire ça. Sum 9. On est d'accord que non. Attendez, jours, reprends. Vous avez fait un... Ah putain de merde. Euh... Oh, c'est pas clair cette histoire <laughs> Putain de merde euh... Moi franchement cette histoire d'option je trouve ça vraiment casse couille hein. <laughs> Je suis désolé je me tire les cheveux quoi Donc ça fait deux ans. Entre-temps, j'ai fini mon S3 de prépa intégré. Je suis devenu un as, dit Pascal. La dernière fois que je t'ai vu, tu soudais des cartes mères. <laughs> oui, c'est possible, c'est possible. <laughs> Utilise uh, un if simple. Et row 8 égale égale. Euh, car tu n'as pas besoin de l'index après. Alors en fait, il faut, techniquement, il faut aussi que ce soit suivi d'un espace. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un égal en position 9, parce qu'on pourrait imaginer que tu as une, toute une série de égales comme ça qui font un séparateur, imaginons. C'est un égal suivi d'un espace dans la, dans la doc. Donc, on est d'accord. If row find égal égal. Et Par contre, je peux pas tester 9 directement. Ça, il n'est pas, pas content donc est-ce qu'il faut que je mette somme 9 ou est-ce qu'il faut que je mette oh, ben non ça, ça peut pas on est d'accord c'est pas possible donc ah non ça c'est bon ça il l'accepte donc si ça c'est égal à ça on rentre on fait le split once on a left part right part et ensuite donc c'est bon ça ça, ça va euh, ensuite 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 on a dit qu'il fallait bah, que je split à nouveau euh, donc mais il faut que je le fasse uniquement si ça contient, parce que sinon, euh, je vais avoir un none. Euh... Bon, là, en même temps, je pourrais l'appeler qui directement. Et moi, il faut que je fasse un write part moins, euh, split once slash Alors est-ce que c'est habile de faire ça Maybe. Donc là j'aurai un let. C'est pareil. Il faut que je fasse un if let somme. Ah, vous vous foutez pas de ma gueule. Hein <laughs> je, je cherche, j'essaye de comprendre. Mont est égal à il n'y a pas la plus de parenthèse. Et donc là, else. Euh, bah, alors, c'est là où il faut. En fait, je me fous complètement du. Euh, Je vais faire ça. Hein. Euh, je vais mettre value égal à ça. Je vais mettre sum V. Donc là, il faudrait que je mette value égal V. Else. Ah, puis non, en fait Je n'ai même pas besoin de. Else. Et là, je fais value égal write part. Alors. Là, vous allez me dire, ah c'est honteux, t'as fait une mutable, etc. Machin. Comment je peux faire autrement Je vous explique. Sur la partie de droite, peut-être qu'il y a des commentaires, c'est-à-dire un slash comme ça, suivi d'une information sur qu'est-ce que c'est que ce RMSA. Euh, moi, donc j'ai fait un... Je, je me dis, voilà, je vais faire un... Sachant que l'information que j'ai, moi, c'est ce morceau-là de la chaîne de caractère. Même ce morceau-là, plus exactement. Donc à, à partir de là, moi, je dis, bah voilà je fais un split one sur slash, s'il réussit, alors la partie de gauche, c'est ma valeur, sinon, s'il réussit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de slash à splitter, etc., bah, ma valeur, c'est right part. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça plus proprement que de le faire comme ça, et notamment de ne pas avoir de mutable ou pas euh... Pourquoi tu ne mets pas le str contains Alors, bah, parce que je me dis que le split one, s'il le fait... Finalement, Tu vois, parce qu'il y a plusieurs, ça ressemble à quelque chose comme ça. <coughs> Je ne sais pas. Euh, ça paraît super verbeux et ça l mais ça nous oblige à traiter chaque heure individuellement et éviter des gros try-catch indébugables. Euh, sauf que tu n'es pas du tout obligé de faire des gros try-catch. Hein. Tu peux faire des petits try-catch euh, bien décomposés avec euh, chaque type d'erreur décomposé et tout. Là encore une fois, euh, c'est pas, pas parce que euh, encore une fois tu peux faire du code de merde que les gens font du code de merde. Hein, Je... Je pense que le try-catch, tu peux le faire très bien, une manière tout à fait débugable en traitant chaque type d'erreur indépendamment. Normalement, c'est pour ça que c'est conçu. Hein. Euh, c'est pas le souci, c'est sur 8 bits et c'est tout. Hein. Je sais pas de quoi on parle. Euh, comme tu sais que le f... Comment, comme, comme tu sais que le fichier fits personne s'est mis à mettre un char ski. Vous voulez check que l'index est compris entre 9 et 19, par exemple, comment tu aurais fait euh... Ah, bah là, euh... si, parce qu'en fait, tu as fine, donc tu as somme 9. Donc, alors, tu as. Et surtout, moi, j'aurais fait un if row fine est différent de none, justement. Euh, avec peut-être, justement, un let. Ah, en fait, voilà, je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Pour répondre à ta question, je le mets ici. Euh, j'aurais fait, a priori, un if euh, let tom euh, index on va dire donc est égal à row.find de euh, égal euh, espace comme tout à l'heure et il faut pas que je mette ce putain de parenthèse qui m'ennuie profondément mais bon voilà et ensuite j'aurais fait ici if index est supérieur ou égal à 9 et index est inférieur ou égal à 12 par exemple puis là j'aurais fait mon traitement alors peut-être qu'il y a un moyen en Rust de, de, de checker les ranges différemment mais, mais voilà du coup en fait si on a trouvé le égal on te retourne la position du égal dans index et ensuite tu compares la valeur de l'index pour dire bah voilà c'est entre, entre tel et tel truc voilà a priori moi comment je l'aurais fait pour répondre à la, la question de galin Euh, si c'est possible, mais pour les deux caractères, il faudrait plutôt if et row, with this. Uh, Ça ne va pas marcher si row est immutable. Value, qu'est-ce qui va marcher si row est immutable mais dis donc. Euh, Value est égal à if, else. Oh non. Value est égal à if, else. Je comprends. Euh, tu peux préfixer de mute, right part. Ah, mais je veux pas que ce soit mutable. Ah, voilà. Euh, wesh, wesh, papy, bonne année. Merci, choupa, choups. <laughs> bonne année à toi, bonne santé, bien évidemment. <laughs> que, la, que, que du bonheur, tout ça. Euh, en gros, c'est plus ou moins imposé par le langage. Pour la petite explication, j'ai un développement d'une appli en C. Un, un. Avec des méthodes entourées de, entouré de try depuis j'ai anti try Ouais mais voilà, mais parce que les mecs, ils ont, ils ont codé comme des, comme des crados. Euh, mais ça, après, pas le c'est pas le langage qui fait que les gens codent comme des pieds, hein. c'est les gens du tout. Euh, tu peux faire le langage le plus sophistiqué du monde qui permet rien, tu as quand même des gens qui arriveront à faire de la merde hein, avec de l'ada ou même avec du rust. Hein. c'est pas un index, c'est un slice qu'il faut faire. Ah alors du coup, j'ai perdu. Ou alors il fait un clone, mais sinon ça viole la règle de l'immutabilité. Alors je sais pas du coup de quoi vous me parlez. Euh, sinon pour éviter le find, tu peux regarder la longueur de la partie gauche plutôt que le row.find. Euh, non mais dans, dans ce qu'on faisait tout à l'heure, c'était ben non, c'est pas, pas. Ah oui, de faire le. Euh, oui, mais en même temps, ça sert à rien de splitter si ton, si t'as pas de égal dedans. Donc, oui, effectivement, on aurait pu faire sur le qui regarde, mais comme après la qui, moi je veux la trimer. Ouais, bon je sais pas. Euh, donc de if c'est l... du coup je réécris complètement l'app et c'est ingérable dans 4 ans, quatre ans de boulot en plus. <laughs> Salut 26 words, bonsoir à toi. Euh, J'ai même parfois des applications qui dépassent à la largeur de l'écran, allez retrouver où vous en êtes là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça, conçu, euh, conçu avec le cul quoi. If a une valeur et tu écris let value est égal à if true Ouais, ouais, d'accord. Euh, donc, value. Je trouve ça tellement moche. d'oublier les tests unitaires. Je t'emmerde, physique. <laughs> <laughs> uh, right, but fine. Oh. oh non mais attendez mais après ça devient illisible vos truc quoi bon je vais je vais le garder comme ça tant pis et ensuite donc j'ai mon value qui est ici et donc là moi normalement je fais mon header. Euh, alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on ajoute une clé Est-ce que c'est append Est-ce que c'est add Est-ce que c'est set Merde. Alors on l'avait tout à l'heure, hein, je crois. Non, bah, je ne je l'ai plus. H euh, map rust insert. Tout simplement. Donc point insert. Donc je fais un key point Uh, trim virgule value point et là normalement j'ai mon header qui se construit petit à petit gentiment donc on vire les commentaires ça c'est fait on ajoute dans la map ça c'est fait yOLO et alors c'est quoi la gueule de mon header maintenant euh et donc, normalement, si j'ai fait ça, ensuite est-ce que j'ai le droit de renvoyer un H map string string d'accord? Et ça, si je fais ici, return header, ça va, il est où j'enregistre. Oh putain, j'ai du rouge partout. Alors déjà, le split once, il n'est pas content. Alors pourquoi tu pas content avec le split once C'est right port et phone for reference et str. Je me suis trompé. Ah oui, il y a mis un E en trop. Ok, très bien. Ça, ça va. Ensuite, j'ai du rouge là-haut. Ah oui, c'est str, str. Moi j'ai l'habitude de mettre string, excusez-moi. Hein. Ça, c'est les, les habitudes de vieux. Hein. Ah, et toujours pas content. Uh, hash map implemented with quality probing and seems look up by default. Use the hashing algorithm, c'est autre chose. Ça, ça décrit. Moi, ce que je veux, c'est le problème. Vous allez me dire, le problème, c'est moi, mais. Uh vous auriez certainement raison. The size for value of type STR cannot be known at compilation time. Ah Thread size it is not implemented for require by a bound in HMAP. Donc Et oui, parce que les STR, comme c'est tu sais, des tableaux de caractères, il a besoin de connaître la taille, et là, il ne connaît pas. Fuck Alors, comment je fais euh, Comment je fais Est-ce qu'il va se manger des problèmes de lifetime <laughs> Mais forcément c'est que tu traites, il va s'en manger. <laughs> mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Me dis pas que ça fait une allocation dynamique ça quand même. Il bah, y a un new, tu me diras. Mais... Euh, et Esther, et Esther. Ouais, mais si je fais des références sur des strings qui existent plus, t'as plus la merde quand. Alors, on va tenter string, string. Alors là, il va être pas content parce que quoi, c'est string type, must command string. Alors maintenant, pourquoi il a des, des erreurs là? The size for values of type string cannot be... Ouais, même problème. Ah, j'ai pas enregistré. Attendez, oui. hop, il faut que j'enregistre. Ok, donc là... Ça semble... Ah oui, alors là, forcément, return. Ah oui, return return header. Voilà. Fouché, foiré. Euh, ça d'accord et là pas content parce que qui point mais qui il est pas mute il est, il est là donc là il faudrait que je mette mute qui non oh pourtant non c'est une connerie quand je fais qui point alors attends c'est plutôt à mon avis le type qui est pas bon euh... Alors, qu'est-ce qui m'emmerde? Expected string found str. Voilà, donc c'est. Alors comment? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse un string? Euh, je sais pas, il y a un truc de point de point from str ou from report. Euh, comment tu fais pour passer d'une str à une string? Mieux vaut to own. C'est plus logique. Un two string d'une ester c'est bizarre. Hein On est d'accord. Rust, <laughs> terre, two string. Ah oui, il faudrait que euh... From Apparemment il y a un from, il y aurait un from tout court. Ou c'est moi qui... Euh On est d'accord que ça, ça n'existe pas. Putain, ça existe. Ok. Ok, nice. Donc là, du coup, plus de rouge. Okay. Alors, moi, je retourne une en entête, honnêtement, <laughs> je suis presque sûr que ça, ça va être la merdouille du siècle, mais on va voir. Donc, là, à un moment, dans mon reader, machin, j'ai un let euh, bah, header est égal à ça. Bon, jusque là, ils ne sont pas, juste pas contents parce que ce pas utilisé. Et ensuite, est-ce que je peux faire un header point et un truc du genre for each ou, ou alors si je fais un euh, peut-être que je peux faire key value in header ça marche ça incroyable print ln attendez j'ai réussi à, à peut-être à faire quelque chose là sans regarder le chat sans regarder la doc non, c'est deux points d'interrogation. Ce serait complètement fou. Vous allez peut-être dire oui, mais c'est dégueulasse. Mais ce serait complètement dingue. Là, là, il là, y a, a peut-être, il peut-être quelque chose. Donc là, je mets qui value. Attention, il n'y a pas de rouge. Je run. On dirait que tu es un fou. Euh, je crois qu'il y a un problème. Ah, y a, tiens, commande, il est pas utilisé. Euh, on, on va le changer lui, tout de suite. Il est où Il est là. Donc, lui, hop, je te mets underscore parce que je ne t'utilise pas. Donc, maintenant, tu es heureux. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de trucs où il n'est pas content Alors, il y a stdhh. Pourquoi il n'est pas content Used. Anim... Ah, oh, boy, pourquoi il y a hh On s'en fout de h. Donc, ça, c'est bon. J'essaie d'enlever quelques warnings quand même, hein, pendant qu'on y est. Uh, while stop reading, oui, c'est quoi? C'est juste un necessary parenthèse. Je t'emmerde. Euh... Je t'emmerde aussi. Ça, c'est chiant. Il faut vire les warnings là-dessus. Un uh, variable command, donc ça, ça d'accord. Uh, Général 5 warnings. Voilà, finish dev. Blah, 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 blah. Terminal will be reused by test. Press any key to go. go. Oh. C'est bizarre n'a pas, c'est l'impression que ça n'a pas planté, mais en même temps, ça n'a pas dit oui. Alors pourquoi Des bugs. Voyons voir. quest qui dans header il Y a quoi Potentiellement, base, hbuild, table. Après, je sais pas comment ça fonctionne leur truc. Là. Hbuilder. C'est sûr que j'ai utilisé le bon truc là. Je suis pas convaincu d'avoir <laughs> utilisé le, le, bonne, le bon truc. Alors, je remonte. Euh, en fait, tu vas devoir cloner. Donc, bon, tu as le choix to string, to own, clone, string from. Ok. Bon, bon, j'ai le dernier. Ensuite, str.clone, ça retourne un string et non pas un nouveau str. Oui, je sais pas. Uh, header.iter ah donc toi ici tu ferais un iter et alors ça donne quoi String string. Ok, donc là j'ai directement key value. Euh, attends, iter. Refaisons. Un itérateur, visiting all key. Alors j'aurais tendance à du coup à faire plutôt key value. Non, clairement pas. Hein. Non, clairement pas. Ça m'étonnerait, ça aussi, je suppose. Ouais, forcément. Euh, putain, comment ça marche le iter Alors, rust map iter. Ah, il y a un truc, c'est map tout court, hein, les gars. On m'avez fait faire un de map. Je ne sais pas si le de map est très utile. En fait, un map, ça aurait été très bien. Un iterator, the maps, the values. C'est by the map. Blablabla. Ou peut-être pas. C'est peut-être une connerie. Je dis sûrement une connerie de toute façon. Je dis toujours des conneries. Dès que ça touche à Rust, hein, moi je dis des conneries. <coughs> Alors, on a été sur un plutôt HMAP. Map.iter. map. .r. Ah, et ça, ah, oui, d'accord. Et alors, et après mm -hmm, Donc, ça me donne un itérateur. Oui. Ah, c'est inmap.iter. Ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Vous êtes rigolo, vous me balancez des trucs comme ça. Donc, point iter. YOLO. Ok. On, on est bon, on est bon, je, 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 je comprends. Alors, ensuite, allez, je rerun. Ok, je rerun, mais clairement, euh, ça ça rerun pas. Hein. Donc, on va faire un petit débug, on va voir un petit peu. Bon, si je fais ça, j'avance d'un cran, j'avance. Ok, donc là, ça nous dit clairement, il n'y a rien dans le header. D'ailleurs est-ce qu'on peut avoir un truc genre header.size ou count ou len. Oui, on a len. Ok, donc ça on va le faire. Euh, Print ln. Euh, donc on a dit tac, euh, tac, 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 virgule. Hop, je fais ça. Juste pour voir est-ce qu'il y a des éléments dedans. Parce que ça se trouve en fait il n'y a juste rien dedans. Quoi. Donc run. 0. Ok, bon, merveilleux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de insert qui a été réalisé. Donc ça veut dire qu'on n'est jamais allé ici. On s'est fait pelleter avant. Donc soit parce que là, effectivement, ça, ça ne marche pas. Soit parce que. Bah ça, du coup, non, de toute façon, non, c'est bon. Donc, 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 donc. Euh, on va faire un print println. Euh, donc, hey, hein. Alors, que, je crois que je peux faire ça hein, si c'est une chaîne de caractère. Je suis pas obligé de mettre le point d'interrogation machin et tout. Il me semble que ça c'est possible. Et on a Théodème qui nous a rejoint. Excusez-moi, je suis super à la bourre sur le, sur le chat. J'essaye de faire un truc par moi-même, voir si j'arrive quand même à faire quelque chose. Euh, Print ln, euh, je vais mettre euh, égal trouver. Donc ça, ça, et ensuite euh, le, le ln est trouvé, on a dit. Euh, ici, print ln commentaire trouvé. Et donc dégagé techniquement. Et alors si je fais ça, tu vas m'écrire plein de trucs. Il m'écrit pot de balle. Il m'écrit pot de balle, n'a rien à foutre de moi. Alors, j'affiche le row, et donc ça veut dire que le 9, il n'est jamais trouvé. Purée de pommes de terre, de crotte de bic angelées, ça retourne en option. On est d'accord que c'est censé faire. Alors, c'est jamais somme 9 ah c'est le neuvième caractère. Est-ce que ce ne serait pas Somme 8 Ce serait pas ça, par tous les hasards hasardeux. Ah 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 oui, c'était ça Mais oui, c'était ça Mais bien sûr Bien sûr, on a 10 à zéro Voilà Voilà Ah J'ai réussi à mettre des valeurs dans une map Putain, j'ai l'impression d'avoir fait un truc révolutionnaire Je suis un génie Ah, je suis une merde ah, ah là 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 là. Bon, alors je relance juste pour voir le contenu de la map vite fait. Ok 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 ok. Ha. Euh, full com machin. Oh, ah non parce qu'il y a des guillemets. Ok il y a des codes dedans. Ok ok est-ce qu'on a bien le. Alors par contre. Donc il y a 221 enregistrements, certes. Euh, par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas le, le N-axis. Pourquoi je ne vois pas le N-axis Ah, N-axis est là. Il y a une raison pour que le N-axis soit après le visite, alors que N-axis doit être la quatrième ligne du... Bizarre. Mais enfin bon. En tout cas, on a nos éléments. Alors, ah ah ah, maintenant, je vous lis, bien évidemment. Euh, str clone, ça retourne instantanément. Donc, le point exclamation de println veut dire quelque chose. Que c'est une macro, si je ne dis pas de bêtises. Le point iter se fait automatiquement, je crois. C'est pas possible, je crois, de clone une str. Ok, bah merci pour l'information, physics. Une fonction, c'est une macro. Voilà. Ah oui, en effet, my iPad... Euh, ça retourne un string, non pas str. Euh, c'est une macro en fait. Je vais check c'est quoi une macro, Brust. Merci. Euh, mais nous on regarde les signatures des fonctions C'est toi-même. Et dis donc, oh et dis donc, <laughs> c'est drôle. Ah bah voilà, Phoenix, il se de ma gueule, bah évidemment, mais bah. <laughs> Ah là là, ITER ne prend rien. Mais non, mais moi, au début, je me suis dit que ITER, ça va, les, ça allait permettre d'itérer, tu vois, sur la map. Je ne pensais pas que simplement, ça allait me retourner un itérateur. Bah oui, mais vous êtes rigolo. Euh, MAP, c'est le. MAP de JS. Euh, bah, c'est comme, comme méthode, ouais, comme fonction d'une pour, pour mapper. Mais tu as aussi des maps en JS qui sont des maps en fait. Euh, c'est rigolo, cette frustration tellement universelle quand tu commences à faire du reste. Mais oui, on est d'accord! Après, rigolo, je ne sais pas, mais bon. Euh, ce n'est pas ce que tu crois, mais il existe un arbre binaire de recherche. Bah, après, tu fais for each map, etc. Euh, for key value in header item, à tout hasard. Euh, tu aurais su si tu avais les... In... <laughs> non, ça n'a rien changé, la euh, physics. Regarde le B3 map. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir forcément besoin, là. Euh, en même temps, est-ce que le hash map, est-ce que le map effectivement serait pas mieux Je sais pas, ouais, peut-être. Euh, Somme 8 non. Effectivement, c'était bien ça, Kotaro. Bien sûr, euh, sur Rust on peut avoir un nombre d'arguments indéfinis. Point d'interrogation. possible parce que la variable il part de byte, euh, sous lui donc c'est possiblement voilà dans la doc. Euh, il me semble pour se taper le print nan, nan, chiant tu as une macro dbg ma variable d'accord ok c'est bon ça savoir et du coup bonsoir à toi chaton de cas parce que je crois que je ne t'avais pas encore salué ce soir euh, merci j'ai haut -oh pour le gg <laughs> euh, donc les macros servent à pallier ce problème dbg c'est pour afficher en même temps retourner le résultat en même temps d'accord euh, par contre tous les continuous c'est une torture à lire tu devrais plutôt utiliser un for each à la place du fort si j'étais toi euh... Alors, tu me dis quoi un for each à la place du fort à ah, euh... Qu'est-ce que ça me change par rapport au continue Après techniquement j'ai mis des continues, en fait je suis en train de me dire ils servent à rien. Je peux les supprimer. Voilà. Et, euh, et puis c'est bon, ça va. Ça ne me change rien pour le coup. Euh, je crois. Oui, parce que de toute façon... Ah non, si, attendant, je dis une connerie. Le continue... Non, parce que le continue, en fait, je suis con. Ça va sur le header part. Donc, pour chaque header part... Oui, non, non, le continue, il ne servait à rien, là. En plus, j'étais à la fin, donc... Euh, non, non, ça, ça avait aucun... Effectivement, aucun intérêt de mettre les, les continues. Euh... Pas d'ordre, c'est une table de hachage. D'accord, oui, donc, en fait, on s'en fout. Euh, c'est un sh-map donc effectivement, c'est pas ordonné. Vous avez tout à fait raison. Si c'est comme en Go, les maps ne sont pas ordonnées. Macro, c'est bien plus puissant. Tu peux même modifier le langage ou exécuter un autre langage. Mais bon, après, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Il n'y a pas de différence entre Fort et Forage en Rust. Ok. Salut, Hernan Kurtzersp. Excuse-moi, j'ai bafouillé ton nom. Il y, y, de... y a beaucoup trop de consonnes en fait. <laughs> bonsoir à toi euh, vous créez souvent des macros qui code en rust et merci pour les infos ouais merci en tout cas à, à t -t toutes et à tous pour votre soutien c'est vraiment top en b map est ordonné par définition bah oui, parce que c'est un arbre binaire euh, donc forcément d'ailleurs tiens si on essaye est ce que c'est dans collection le b map oui alors, par contre ça veut dire que il va falloir que je change des choses à différents endroits. C'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Techniquement, je pense pas que ça ait d'incidence sur le reste. Non, a priori, il n'y en a pas. Et donc là, maintenant, si je run ça, je devrais avoir mes clés qui sont triées. Voilà <laughs> Mais oui, c'est ça qu'on voulait. Et là, j'ai bien mon N-Axis qui doit être ici. Oh, trop cool Trop cool Ok Incroyable. Bon, on a une en-tête. The first one. It's amazing. Et donc, techniquement, si je lis la deuxième en-tête, alors là, je vais faire en mode kéké, hein, euh, donc là, j'ai un read HUD, j'en ai fait un, hop, j'en fais un deuxième, bah oui, en mode cochon, hein, on ne va, va pas se limiter, hop, euh, hop, 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 et que je run. Donc, hop, et donc, là, normalement, j'ai la... Deuxième, euh, alors, oui, voilà. deuxième en tête, plus courte, cette fois-ci avec des informations sur le n-axis qui doit être égal à 2, deux, deux axes, voilà, n-axis 1, il y a 14 517 valeurs, n-axis 2, il y a 12 431 valeurs. Donc en gros, on a une image, c'est ce qu'on disait la dernière fois, je ne sais plus qui était la personne qui avait fait déjà travailler avec les fichiers, euh, les fichiers FITS, mais en gros, on a une image qui fait, euh, en gros, si on, on pourrait imaginer, Interpréter ça comme ça, euh, 14 500 pixels par 12 431. C'est de la bonne grosse image, a priori. Web euh... euh, ouais, pour générer du code répétitif. D'accord, après, la, re... après la, prise... Alors, la prise en main de Rust. Franchement, Hernan, <laughs> je souffre. Je souffre beaucoup, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça permet de voir d'autres choses et, euh, et franchement c'est intéressant, c'est très intéressant. Il y a des trucs que j'aime pas trop, mais je pense c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude. Euh, il y a des trucs dans lesquels j'ai pas trop envie d'aller parce que j'aime vraiment pas la syntaxe. Mais, euh, mais bon voilà, c'est le langage qui veut ça et à un moment après faut s'y plier. Mais bon je, je pense qu'il y a... Je sais pas, il y a, il y a des... Moi, ouais, je. Bah, voilà, je. J'attends de voir, il faut que j'avance encore un petit peu pour. Euh, pour piger le. Pour piger pas enfin, c'est pas piger certaines choses, mais pour en voir la réelle utilité et me dire, ah ouais, non, en fait, c'est vrai que c'est cool de pouvoir faire ça. Ouais, non, ça, c'est pas mal, quoi. Voilà, c'est comme les. Euh, oh my god, je viens de voir une hérésie, un return inutile. Non, 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 il est pas inutile, il est extrêmement utile, ce return. Voilà. Je sais bien que vous les aimez pas, vous les retiens, euh, mais simplement, moi, ce que je trouve euh, hérétique, c'est de pas le mettre. Voilà. Je sais bien que vous, vous auriez préféré avoir un truc comme ça. Ça, je trouve ça. Euh, moi, je trouve ça moche. Voilà. Voilà. Je trouve ça pas. Voilà. Donc, voilà bah, je fais comme ça. Non. <rire> 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 Ah là 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 là, si tu veux créer du code à la volée, macro. Ah oui, parce que si je dis pas de bêtises, les macros c'est comme en C ou en C++. On est d'accord que c'est des choses. Ah, je dis ça en fait non, c'est pas. Si la macro en elle-même, elle est exécutée au moment de la précompilation. Et donc elle construit le code nécessaire qui sera exécuté ensuite. Mais c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, avant la compilation. Yes, yes, yes. Bon, bah écoutez, il est 21h51. Bon, j'ai pas fait vraiment ce que je voulais, Bon, comme d'habitude. Hein. Euh, mais au moins, on a mis des euh, fichiers dans, des fonctions, par exemple, dans un autre fichier. Waouh, truc incroyable. Euh, on a créé... Enfin, on a... Déplacer, donc délocaliser toutes les méthodes qui permettent de lire une entête et on la lit correctement. C'est-à-dire qu'on la lit par bloc de 2880 jusqu'à ce qu'on ait atteint la fin, et qui est indiqué par le mot-clé end. On a euh, extrait les champs d'information euh, directement donc, de, de l'entête, on les a stockés dans une map. Euh, donc on a déjà une structure qui permet de gérer ça. Et donc potentiellement, ben, on a déjà une première partie, ma foi, fort intéressante. Donc on a ça. Et donc la prochaine fois, bah, on extrait les données. Puisque là, maintenant, on est prêt. On est capable de savoir combien il y a de, pardon, de dimensions dans le tableau, combien il y a de données à lire. Il va falloir lire les données. Et à partir de là, on pourra stocker tout ça dans, le, dans une structure HUD qui mêle à la fois une en et, euh, et un tableau de données, en fait. Hein, ni plus ni moins. Alors, la question que je me pose, quand même, avant de, avant de finir ce, ce live, euh... Non, mais attends, et Draconis en C, il y a des macros aussi. Hein. Tu prends euh, SizeOff, c'est une, une macro. Il hein. faut arrêter un petit peu. Hein. Non, mais vulgaire, yes, define. les Mais yes, define oui, c'est des instructions de précompilation. Mais tu, tu peux faire des macros en C aussi. Hein. Je ne sais pas si on peut les faire soi-même. Bon, sûrement. Euh, bref. Euh, je crois avoir mal compris, il y a la syntaxe avec le point d'exclamation pour différencier d'une fonction. Euh, du coup, moi, sur... pardon, excuse-moi, j'en profite pour euh, saluer Alphaline et Déclic, qui nous ont rejoints, à... je remercie, bonsoir à tous les deux. Euh, oui, donc la question que je me posais, c'est, à terme, ce que je veux faire, c'est créer une structure qui va contenir une map et... Après on verra, mais vraisemblablement avec ou, Alors, le vec je crois qu'il a une taille fixe euh, oui. ou pas. Rust vec euh, variable length. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que le, le, le vec c'est ça, hein, il a, je crois qu'il a une taille qui, qui est fixée à sa, à sa création. Tu peux pas l'étendre. -ce ah, c'est comme un vecteur. D'accord, donc en fait, il, est, il a une dynamique. Oh, ok, d'accord. Bon bah génial, donc ça, c'est bon. Euh, donc du coup, on peut faire avec pour stocker nos données. Très bien. Ah oui, donc en fait, quand tu lui dis 2080, c'est qu'il l'initialise avec une taille euh, où il est rempli avec des zéros, par exemple. Et ensuite, derrière, bah, euh, c'est juste que la, la, la taille est déjà préallouée. Et, euh, et tu charges dedans. Donc, ça te permet d'initialiser sa taille d'un coup. Okay. Alors maintenant, donc, si je veux faire ma structure, donc, ma structure de champ, dont un champ qui est map, comment est-ce que je fais pour affecter euh, la map que je récupère de read HUD et plus exactement de read header? Comment est-ce que je fais ensuite pour l'affecter dans ma structure Est-ce que ça il va accepter Parce que comme tout est immutable, euh, c'est là où je me pose la question de comment ça va se passer parce que du coup, une struct, si on se dit, voilà, euh, je fais une... Alors, je crois que c'est quoi C'est struct, euh, Je mets le nom de ma structure. Donc imaginons que je mette HUD, par exemple. Euh, dedans, je vais lui dire qu'on a un header de point qui sera un b euh, map string string. Et puis euh, ici imaginons j'ai data et je dis c'est un vec de euh, voilà, techniquement j'en sais rien encore on va mettre un i32 voilà, parce que je sais pas encore ce qu'on va récupérer c'est pas euh, on, on verra après donc ça j'ai ma structure donc là je fais mon open fit et là j'ai mon read HUD euh, qui potentiellement devrait me retourner donc un let euh, HUD1 égale à ça. Ici, je vais avoir un let HUD2 égale à ça. Imaginons mon read HUD, il me renvoie justement un euh, HUD. Ok, et mon header. Donc là, j'ai fait un let header. Est-ce que je peux faire un let, enfin, que je fais je pense, un let mute? hud comment j'initialise une structure ah si je pourrais peut-être faire un égal header euh, alors je sais pas s'il faut que je mette deux points ou autre chose read header je ne sais pas si je dois faire ça ou est-ce qu'il faut que je fasse ça et puis virgule data euh, est égal à... Alors là je j'improvise, hein, on, on est d'accord hein, euh, avec euh, i32 euh, euh, bah, crochet, euh, je crois, on va crocher 10. Je, je, je... <laughs> là qui va être mort de rire mais qu'est-ce qu'il fait mais, de quoi euh, Et vous auriez tout à fait raison, hein, encore une fois, hein, je ne fais que le dire. Et donc là, si je fais un hud.header. Euh, Est-ce que ce que, -ce que voilà, si je fais ça, c'est rouge partout. On est d'accord. On est d'accord. Euh... J'ai pas regardé les structures. Il hein. n'y a pas accroché 10. Ah oui, je peux, je dis juste, c'est un VEC. Alors je mets des parenthèses, je mets... Non, c'est... Il faut quand même quelque chose quand tu crées un VEC. Comme ça. Oui, il est Hein J'aimerais bien finir ça ce soir. Structure. Euh, les structures en Rust, voilà. Qu'est-ce que tu me dis Tu me dis un struct person, donc c'est bien des deux points quand tu définis les types. OK. Et maintenant, tu l'initialises, ta structure. Alors là, il met directement. Des... Ah, donc là, on met des variables, donc on ne précise pas. Donc j'ai juste à mettre header, il sait que c'est machin. Et donc là, je fais un VEC32. Et là, sous ses yeux ébahis, pas du tout. J'ai toujours un problème, pourquoi alors, go to hein, SATAXO Expected Semicolon. Pourquoi dans, dans la structure Sérieusement Ah ben non, c'est des virgules. Ah Ah, il faut que là je dise que c'est un HUD. YOLO. Alors là, pas content. Pas content parce que... Missing structure fields. Ah, donc là, il veut bien le header de points. Et là, il veut bien le data de points. Oui. Ensuite, je mets peut-être juste vec. Comme ça non avec comme ça non plus euh, comment tu fais pour créer un vec euh, rust 8 vec C'était euh, std vec à deux points, de point new bah voilà suffisait de le dire Hop. Oh, incroyable donc là imaginons j'ai ça et hud est pas content expected truc hud fun parenthèse parenthèse ou because of return type. Oui, bah attends, détends-toi. On va le retourner, ton truc. Euh, read... Ah oui, d'accord. Ah, je suis virgule Ah, ok. Voilà. Donc, ça, nick well. Et donc là, si on voulait, euh, si on voulait être complètement fou, je crois que j'enlève ça.

le, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Tu as tout à fait raison ici de préciser quand même que c'est bien un I-32 euh, qu'on veut faire. Mais techniquement, oui, donc, il devrait être capable de le, de le faire puisqu'il sait que la structure, elle attend avec I-32. Donc oui, je pense qu'il est capable de le, de, le, de, le, de le trouver tout seul comme un grand. Hein. D'ailleurs, la preuve, sinon, s'il ne pouvait pas, il nous aurait engulé. Hein. Il nous aurait dit qu'il y avait un problème. Ah Voilà Donc, j'ai fait... Film... Oh alors, Autre élément ce soir. On a fait une structure, on l'a initialisée, on l'a retourné Bref... Euh, si la variable que tu affectes à header s'appelle header, ouais mais j'appelle affecte, ah oui d'accord, c'est uniquement voilà si la variable porte le même nom, c'est un petit peu comme en JS là pour le coup, d'accord. Ok. et eh bah ben, écoutez, je suis assez content finalement, euh, j'en ai, j en, j en ai fran franchement j'en bave, hein. je, je, je transpire pas mais on n'est pas loin, hein. j'ai vraiment les neurones qui, qui sont en, en bouillie. Euh, mais bon, en trois heures, on a quand même réussi à mettre des données dans une map. C'est pas mal. C'est à chier, mais bon, c'est pas mal. Voilà. Donc, il y, y a vraiment quand même une, euh, comment dire Il y a une façon de faire à, à prendre en main et, et voilà. Donc, au début, ça ça rebute un petit peu, puis petit à petit, vous avez vu là, sur la fin, ah, ça commence à rentrer à des choses qui arrivent. Donc, euh, donc bon, ah, on n'y est, hein, est pas encore sur les macros. Je ne sais pas si on aura besoin de faire des macros, c'est toujours prêt, il faut avoir le besoin d'eux. Mais peut-être plus tard, on regardera effectivement ces aspects-là. Euh, en tout cas, là, déjà, euh, ouais, non, je suis, je suis content. C'est loin d'être parfait. Mais ça fait le taf pour le moment. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Les trucs vraiment où je bloque encore, c'est sur les... Euh, sur la manière de gérer ces aspects-là, quand il y a des erreurs ou quoi. Euh, voilà. Là, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, typiquement, tu vois, le fait que tu n'arrives pas à lire un bloc. Bon. Toi, tu peux dire, bah, simplement, on est arrivé à la fin du fichier, tout va bien, on arrête, on lit pas plus, on, on stoppe la lecture et c'est fini. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je devrais faire. Au passage. Je ne devrais pas faire un return ici, je devrais faire simplement un stop reading. Je suis en train de me dire stop reading égale, euh, égale, 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 true. D'accord Et techniquement là, si on n'a pas stop reading, alors je fais la suite. Vous pourrait imaginer un truc, un truc dans ce goût-là. Moi oh, putain il m'a remis toutes mes accolades enfin culé pardon <laughs> Le euh, ah sauf que ça il est pas content ah oui parce que c'est vrai que c'est une valeur de retour c'est pas un bout de code qu'on fait là oui c'est ce qu'on renvoie là dedans donc comme on ah oui putain c'est chiant euh, oui c'est pas oui c'est vrai que c'est un match c'est pas un if donc non, on en fait déjà rien dit hop hop, hop. J'ai confondu, voyez-vous, j'ai confondu. Donc là, en fait, j'ai bien mon return, mais pas mon return tout court, mon return header. Comme ça, ça retourne soit une entête vide, soit une entête excavée dedans. D'accord, d'accord, d'accord. Il voilà. ah, les, les matchs, je trouve ça très intéressant, mais la façon dont c'est utilisé avec ce, les options, les résultats et tout, ça, j'ai pas encore. Enfin, j'avoue que j'ai pas encore le, le truc directement break Alors effectivement on pourrait breaker pour sortir du wild sachant qu'à la fin on retourne le leader, c'est vrai mais est-ce que d'accord bon effectivement ça peut le faire comme ça mm -hmm. bon va falloir que je me familiarise un peu plus avec ça non c'est toi qui les utilise mal non, mais draconise, merci je les utilise mal je m'en doute je m'en doute que je les utilise mal mais parce que c'est pas clair de comment les utiliser c'est pas... C'est pas inné, quoi. C'est euh, voilà. Donc, c'est pas. J'ai encore voilà, du mal à voir comment le, les, les mettre en, en œuvre correctement. Je vous jure, toi mal, je t'en foutrais, Draconiz. Uh, Let's some equal number. Print LN matched. Merci Fit. Uh, mais je sais pas pourquoi tu, tu, tu balances ça. Je ne vais pas me dire que c'est une syntaxe quand même qui est lisible, ça, ce que nous a mis Fit. Il t'arrive devant et tu te dis... Fais... Hein? Euh, je pense que tu n'aimerais pas le go, car si tu mets les accolades à la ligne, ça compile pas. Tu déconnes. Mais non, Wing Seto, c'est pas vrai. Ils n'ont pas osé faire ça. Je suis sûr que tu mens, il n'y a, a, a rien qui est spécifié là-dessus. Euh, D'ailleurs, on utilise une loupe au lieu de while true. J'utilise pas de while true. Vous êtes des dingues. Où est-ce que vous avez, avez vu faire un while true? Je fais un while tant que stop reading est égal à false. Je peux pas un while true Non dites-donc. Les règles du langage sont hyper strictes. Tu respectes pas, ça compile pas. Non, mais là c'est pas une règle de langage d'avoir des accolades en début ou en fin de ligne. C'est une règle de style. L'accolade elle est là, qu'elle soit en début ou en fin de ligne, ça change rien. Euh, ouais, il n'existe pas. Il n'y a que fort qui existe. Ah bah peut-être en Go. Ce qui est une, ce qui est pas algorithme. Enfin, toujours pas algorithmiquement euh, un fort, ça fait pas tout. Techniquement, un fort, tu devrais n'avoir à utiliser... Que quand tu sais que tu vas itérer l'ensemble des éléments. Si c'est pas le cas, tu devrais utiliser un while. Alors bien évidemment, tu peux faire un for avec une condition de sortie ou avec un break au milieu, etc. Mais euh... en fait, j'ai l'impression que les langages d'aujourd'hui sont conçus par les frustrés des cours de, de... comment dire d'algo d'antan. On leur disait faut pas faire de faut pas faire de, de break ou il faut euh pour utiliser une condition de sortie et en fait les mecs maintenant ils te montrent des langages où ils disent haha fuck you je mets des règles partout puis c'est le langage qui veut ça <laughs> ah. euh... ouais alors ça c'est pareil tu vois le coup du public en majuscule et privé par une minuscule pourquoi pas pourquoi pas un force et while plutôt Tu peux pas inventer avec des espaces. 150 keyboards, si tu peux tout faire avec un seul. Ouais, encore une fois, c'est toujours pareil, la lisibilité. Euh, go faire une macro fort qui génère un while. Pour l'entraînement. Oui, bah, pas ce soir. Hein. Euh... Ah, merci, Physics, merci! <laughs> voilà la lisibilité. Et souvent, en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils oublient cet aspect-là. Alors, euh, soit, en fait, les, vous êtes jeune et vous n'avez jamais eu à reprendre le code de quelqu'un, soit, effectivement, vous êtes extrêmement doué et vous arrivez à tout relire sans souci. Mais, enfin, je ne sais pas, pour moi, la lisibilité d'un code, c'est vachement important. Quoi. En vrai, pourquoi faire un while truc égale false alors que tu peux faire un loop avec un break eh bien, tout simplement parce que tout de suite, en arrivant dans ta boucle, tu sais ce que tu attends avant d'en sortir. Si ta condition d'arrêt, elle est claire, et que tu. Euh, dès que tu vois que tu as un while, tu sais tout de suite ce qu'on attend. Alors que quand tu fais ton loop et qu'en fait, ton loop, tu ne le fais pas jusqu'au bout, que tu t'arrêtes en cours de route, eh oui, mais c'est quoi la condition de sortie C'est quoi qui fait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout Et là, tu es obligé d'aller chercher dans le code de ta, de ta loop pour trouver où est-ce que tu as fait le break et à partir du moment où tu as trouvé le break, tu es obligé de chercher, ah mais pourquoi alors on a fait le break Ah parce qu'on a fait ça. Alors que si ta condition de sortie, elle, elle est clean, bon ben voilà, alors là effectivement, j'ai foutu un break au milieu. Donc euh, c'est sûr que la condition de sortie, euh, ton cul, quoi. Mais, euh, mais ça, je pense que je, faut, faut que je le gère différemment qu'avec un match comme je l'ai fait là. Je pense que cette façon-là de faire n'est pas, est pas la bonne, là, pour le coup. Ah oui, c'est clair qu'au final, au niveau de l'assembleur, tu vas avoir la même chose. Mais ce qu'il faut voir, ce n'est pas ce que donne le code assembleur. Le code assembleur, nous, on s'en fout. Euh, si ce n'est si tu as besoin de, de performance ou de choses comme ça. Ce qui est avant tout important quand tu fais un code, c'est qu'il soit maintenable. Parce que les projets qui durent, euh, euh, qui durent une semaine, parce que tiens, c'était fun, j'ai voulu essayer le truc, euh, ça c'est bien dans, dans notre chambre, hein, voilà, euh, c'est cool. Mais dans la vraie vie, dans l'entreprise, euh, non, ton code, il faut qu'il soit maintenu. Je sais qui, euh, qui disait tout à l'heure, c'était pas Draconis euh, Je sais plus lequel d'entre vous qui disait qu'il vient de reprendre un, un programme qui est codé avec le cul. Avec des fonctions gigantesques, d'un nombre d'annotations complètement folle et tout. Ah, c'est win excuse-moi. Euh, bon, ben bah voilà, si le code avait été fait proprement, avait été conçu et de manière lisible, bah, la question elle, elle se poserait pas. Et, et o, il ne serait pas en train de dire Ouais, c'est plus, plus, c'est de la merde, machin et tout. Euh, parce qu'il aurait eu un code propre fait. C'est pas le langage qui fait la propreté. Alors, ça peut aider parce qu'effectivement, tu vas avoir plus ou moins de rigueur imposée par le langage. Qui vont, faire, qui vont faire les choses bien. Euh, mais après, c'est aussi euh, comment les gens font. Et même avec un langage super rigoureux, c'est ce que je disais, tu peux avoir un code qui soit complètement pourri et lisible à la fin. Parce que peut-être le mec, il a utilisé toutes les syntaxes anti-verbeuses du monde, et qu'au final, tu as un truc qui est totalement imbitable, et que même lui, s'il revient deux mois après sur son code, il sera incapable de faire une modification sans tout faire péter. Donc, euh, donc voilà quoi. Le C, CLI qu'est-ce que tu appelles le C CLI C'est le C++.NET .net, que tu n'aimes pas. Alors j'ai jamais fait de C.NET. Euh... Ah, il ne doit pas y avoir quand même une grosse grosse différence avec, euh, avec le C standard. Bon, après je dis ça, j'ai pas vu. Hein. Euh, tu peux faire ça normalement. If let ok block égale read block code. A ah. d'accord. Donc, oui, donc ça revient à ce qu'on avait montré un petit peu plus bas là, avec les if let. Donc, tu dis if let. Mais alors, par contre, ah oui, parce que tu fais OK. Parce que read block, moi, ça renvoie à un résultat. Ah, donc, je peux faire un OK block. Et donc, ensuite, là-dedans, je peux utiliser block directement. comme ça en fait s'il n'y a pas, il bah, n'y a pas. Bon après ça fait beaucoup d'indentation. Hein. Ça c'est le truc que j'aime pas là, tu vois, dans cette... Merde. Ah, pardon. Ah, il est pas content. Pourquoi tu n'es pas content euh, Qu'est-ce qui me fait comme caca nerveux lui Donc si je mets ça... Je suis bon au niveau de mes accolades. Alors c'est pas ça qu'il aime pas. Qu'est-ce qu'il aime pas euh, Bind the value to a C'est quoi Expected pattern. Expected fat arrow. Hein Ah pardon, excusez-moi. C'est parce que j'ai fait un match. Ouais, c'est ça qu'il faut que j'enlève. Oh, oh, oh. Voilà, voilà, voilà. J'avais oublié qu'il y avait le match après le égal. Euh, ok, et donc là normalement derrière ça roule, mais par contre, ouais, ça me fait un nombre d'annotations. Ça, j'avoue, je suis pas fan. Euh, par, du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer les annotations Parce que en gros, donc si j'ai let ok block, je fais donc mon read block file, ok. Je récupère mes chunks, qu'on avait dit. Alors si, après, je pourrais refaire une fonction qui s'occupe d'extraire. Pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'en final, on fait beaucoup de choses dans la fonction, ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a ça. Euh, let ok block else que les if let run. Ah oui, oui, là, je suis totalement d'accord. C'est justement ce que j'étais en train de dire, maître You. Euh, c'est quoi le type de retour ah, Alors, let ok block else Donc... Hein, euh, non, je, je, je comprends pas. C'est... Euh, ah oui, c'est ton fameux truc, else, mais alors... Non. Ah non Ah non, mais si c'est pour rajouter un break, c'est non. C'est clairement non. Ce qu'on veut... Euh... Mais parce que en, en fait, on est d'accord que Maître Yo... Ta syntaxe, elle n'est pas complète quand tu mets un let ok block. C'est let ok block égale read block else. On est d'accord. C'est le else, il faut que je le foute là. Pas juste après le hockey block. Sinon, ça n'a aucun sens. Ah, voilà. Okay, ok. Et donc là, effectivement, il faudrait que je fasse un stop reading égale à true. D'accord Donc si j'ai pas réussi à lire le blog, bah, c'est pas la peine de chercher à en lire d'autres. Ok, ce qui fait que du coup là, hop, on descend d'un cran. Ah, ok, ok. Là d'accord. Putain, par contre, il ne me remonte pas ça. D'accord. Ça, et que quoi Faut mettre un point virgule ici. Non, stop reading. Ok. Non, bah, putain, je vais y arriver. Non plus. Euh, pourquoi t'es pas content ah parce que c'est quoi Il faut pas mettre d'accolade ou... Euh, par contre le else pas comme ça. J'aime pas trop à première vue. Euh, tu lui mens là. T'as oublié un if. Ah non Après, je sais pas si ta version... Ah oui, parce que c'est avec une dernière version de, de Rust, c'est ça Non Je veux pas mettre de putain de break <laughs> <laughs> mais pourtant, il me semblait qu'au niveau de Rust, j'étais pas mal en termes de version. Euh, comment je le vois déjà La, la version de Rust, c'est quoi C'est avec. Euh, ce que je peux faire un Rust-V Non, perdu. Euh, Rust, get the version. Allez, hop. Euh, version check. Ah non, mais ça, c'est ailleurs. En. Get the current compilation. C'est Rust C. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Je suis en 1,66. C'est bien ou c'est pas bien? Novembre 2022, c'est trop récent. Ah, Rust Up-Version, sinon. Ah non, j'ai mis. Euh... C'est 1,65. et bien, moi, je suis 1,66, les gars. YOLO! Donc, normalement, je devrais pouvoir le faire. Et pourtant. Else close, let else does not diverge expected type. Try adding a diverging expression such as return or panic. Mais. Pourquoi? Euh, pour la boucle while, tu peux faire ça, je pense, while let's some ok block égale read block. Alors, non, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement le fait de ne pas pouvoir lire un bloc qui fait qu'on arrête, c'est également que dans un bloc, on trouve le end. Voilà. Alors, putain, pourquoi j'ai fait un break ici oh Ah, ouais, parce que, oh ouais, non, mais tu vois, en fait, le break, oui, c'est une connerie, ça. Donc moi stop je veux et j'aimerais bien essayer de le faire juste avec des boulets, hein, le faire proprement sans break. Voilà, ça, ça c'est le truc que j'aimerais bien. Et là, typiquement, il faudrait que je mette un else if ici. Voilà. Là déjà, comme ça, on serait mieux. Euh, il y a celui-là que j'aimerais bien changer. Alors, comment est-ce que je peux faire autrement euh... Alors en même temps, readBlock, ça me renvoie un résultat. Il y a le match. Mmh, en réalité, il faudrait créer une fonction qui prend la ligne, retourne un enum, enum block type, and catValue pour que ce soit plus propre. Bah ouais ouais je sais bien je sais bien. Et en fait, tu vois, ce que je trouve, ce qui serait cool, c'est que là, je puisse éventuellement faire un if. Euh, alors, non pas le let OK, mais tu vois, que je puisse tester la condition négative, par exemple. Et sinon, j'ai mon OK bloc, et puis je fais cette partie-là. Mais... Euh... Non, si tu fais IF R, normalement, tu vas avoir IF R ERROR. Donc, tu auras l'erreur qui a été générée par READ BLOCK, mais tu ne vas pas avoir le bloc, normalement. Ah si, tu fais IF R BLOCK, ça marche, euh, Draconis Oui, mais clairement, hein, Wink, c'est tout. Euh, c'est que cette variable ne coupe pas directement la boucle, oui oui ça on est d'accord on est d'accord de toute façon il faudrait que genre, dans tous les cas après il faut que je fasse euh, euh, c'est quoi ton R ah bah moi mon R dans le read block c'est euh, c'est un stdio error hein, puisque nous on a fait euh, quand on fait le read block, en fait c'est ce que renvoie c'est le point d'interrogation, hein, c'est le traitement de l'erreur par le point d'interrogation ici ah, je peux y arriver. Ah non, bah, là non, enfin, ça je m'y refuse. Je m'y refuse. Let R. Ah ben alors, si tu fais ça, euh, Maître Yo, tu récupères une erreur, mais tu récupères jamais ton bloc. Ouais, s'il a fait une erreur. Mais s'il n'a pas fait d'erreur, tu fais comment pour récupérer ton bloc C'est là où c'est euh, un peu tordu, je trouve. Oui, ça on est d'accord, maître Yo. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai vu euh, Physics, mais je croyais que c'était pas bien le Unwrap pour Default. Donc, donc finalement, ben bah, ouais. Mais alors une valeur par défaut. Non, mais ça sert à rien ton truc d'un nouveau rapport euh, par défaut pour le coup. voilà oh là, les monades urbaines. Quel bon livre. Vous avez déjà lu les monades urbaines C'est rigolo. Euh, nan, nan, nan. On va faire. Un, on, on, je, vais, je vais changer ça. Euh, ça, je le garde. Donc de toute façon, euh, j'ai donc j'ai mon read block if ok block else machin. Alors c'est effectivement c'est le else. alors par contre, on peut faire un truc genre euh, un machin comme ça ou pas Oui. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais savoir moi. Ok, donc. J'ai pu lire un bloc parfait, donc on, 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 je vais faire ça. Hop, hop, euh, là normalement, pouf. ok. Donc je fais ça ensuite. Euh, je fais mon truc machin. Donc si c'est end, on fait un stop reading est égal à true. Sinon. Euh, si c'est pas end, on va essayer d'extraire la clé. Voilà. Et donc là, on va se faire une fonction. Extract key value. On lui donne une. Je vais mettre row qui est un estr. Et ça nous retourne. Alors je sais pas si vous je dise option pour mettre option de euh, qui de point str virgule value de point str tac tac j'ai le droit de faire un truc comme ça ou pas non c'est en fait il veut pas de il veut juste str str non plus euh, qu'il faut que je mette et str ce size for... ah parce que oui, oui il n'est pas content quand tu fais des trucs comme ça donc il faut plutôt lui donner du string string on avait vu tout à l'heure ça d'accord et donc là si je reprécise key de point et puis value de, de point non pas mieux pas content il est studio... c'est quoi le Putain, j'ai eu des petits cœurs et tout. Euh, expected enum... Ah, c'est peut-être juste parce que je ne retourne rien pour le moment. Ok, ça marche. Donc, ça, je prends. Ensuite, je fais ce truc-là. Donc, if row.find est égal à somme 8 euh, Tac, tac, tac. Alors, lui moment oh je vais le laisser ah bah je l'avais déjà laissé ok c'est bon euh, donc ça je le vire ou pas d'ailleurs je vais l'utiliser certainement et donc là normalement je fais un je peux faire un truc comme ça pour retourner un apparemment non enregistré non, pas content. Donc, je fais mon if. Si j'ai ça. Ensuite, if let sum key. On a l'euro machin, truc. Ok. Donc, on arrive là-dedans. Pourquoi il n'est pas, pas ultra joyeux là Ah, oui. Return sum, effectivement. Ce serait plus logique. Non, toujours pas. Alors. Et là, en fait, si j'arrive ici, je vais return none. OK. Et ensuite, j'ai mon extract key value. Donc, else. Donc là, j'ai mon extract key value de row. Uh, et donc là j'ai uh, if let sum key value égal à ça header point insert key value ça on vire ça. Ouf. Ouf. normalement. Ouf. Ah, c'est un peu mieux. Alors, il a décidé de faire un break du chat. Ah non, 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 mais bah, c'est fatal, je voulais faire mon truc. Excusez-moi, il y a des gens qui sont arrivés entre temps. Euh... Salut Babaours, bonsoir à toi. Euh, donc ne va jamais exécuter le reste du code puisque c'est vite. Genre un read Pourquoi tu veux pas break alors que c'est algo friendly? Euh, parce que là, j'ai mis un while justement. Du coup, je ne veux pas break dans un while. Si j'ai une condition de sortie, autant respecter la condition de sortie. Est-ce que c'est plus algo friendly ou pas, je sais pas. Euh, de variables, donc même s'il est valide, tu n'y accèdes pas dans ton code. Donc avec ta voilà euh, c'est ce que tu avais fait. Euh... Bop, bop, bop. Mais tu n'aimais pas à cause des indentations. Oui, il y avait. Non, ce pas exactement ce que j'avais fait euh, tout à l'heure, euh, Physics. Un, un peu... Je crois que c'était un peu différent. et euh... Ah oui, avant, j'avais le match ces gens j'avais fait différemment. Et là, j'ai réussi à virer tous les breaks, justement, que j'avais envie de virer. Euh, ensuite, du coup, au final, tu voulais réduire le nombre d'inventations, mais tu as toujours autant. Il ne veut pas assumer la supériorité de la lisibilité du break. C'est pas ça, c'est que j'essaie de trouver une autre, une autre façon de faire. Évidemment que tu peux foutre des breaks, etc. Et ce que je dis, c'est que dans certains cas, il faut faire gaffe parce que le fait d'avoir une condition de sortie qui est clairement annoncée et avoir des breaks qui sont au milieu d'une boucle tu sais pas où, euh, pour retrouver pourquoi on est sorti, etc., ça peut être chiant. Encore une fois, en termes de, de maintenance de code, euh, parfois, ça peut être ultra casse-couille de chercher pourquoi est-ce qu'on est, qu euh, est, qu est sorti de la boucle et de trouver le break qui est à la, à la, comment, qui, a, qui a provoqué ça. C'est, Parfois, ça peut être moins lisible. Les moulins du break. <laughs> Excellent. Euh, dans le cas, le break est plus lisible. Dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, il l'est. Euh, tu ne peux pas utiliser une option car tu ne seras, tu ne seras pas distingué les end des commentaires. Hein Pourquoi Là. Moi, on est d'accord que si je n'ai pas le égal ici, je retourne à none. En fait, ici, moi, je return somme. Donc, bah, quand j'ai mes, mes, ma clé et ma value. Et les commentaires, rien à foutre. Non, ça pas de... Pour le coup, non, je ne suis pas forcément euh, d'accord, Cotard. Euh, salut Lifelong Ah ben moi qui pensais avoir raté le live ce soir, comment allez-vous tous Mais écoute, ça va, j'en chie, mais ça va Bon, je chipote, mais pourquoi tu mets « while stop reading » au lieu de « while go reading » euh, Tu as l'équivalent de deux négations dans ta phrase. Alors, alors, si tu es mal réveillé, bonjour. <laughs> bah, en fait, à la base, c'était juste pour montrer que, euh, si tu veux, bah, on, on aurait pu le marquer comme ça. Et je disais, bah, tant qu'à faire, euh, je le marque comme ça. En fait, moi, si tu veux, euh, effectivement, on peut mettre la, la condition de, de continuité. Puisqu'en fait c'est ça, hein, on est tant que. Tant qu'on a ça, alors on fait. Donc effectivement, on peut avoir le tant que euh, je lis, bah je lis, ou alors tant qu'on n'a pas arrêté de lire. Et euh, bon, le stop reading peut être plus explicite de tiens, on s'est arrêté parce qu'il fallait arrêter de lire. Pourquoi est-ce qu'on arrête de lire bah, Parce que on, soit on est arrivé à la fin de l'entête, soit on est arrivé à la fin du fichier, on ne peut plus lire de bloc, et donc on arrête de lire. Donc euh, pff, après, stop reading, go reading, c'est voilà. Euh, ouais, excuse-moi, j'étais un petit peu, euh, j'étais un peu absorbé. Il a décidé de faire un break du chat. <laughs> Bande de salopards. Euh, vu que tu es dans une fonction qui retourne une option, tu peux utiliser point d'interrogation sur les variables qui retournent une option. Je ne comprends pas, Physics. Qu'est-ce qui retourne une option les variables qui retournent une option. Je, je, en fait, je comprends pas. Bref, <laughs> ouais, faudrait avoir une, pour une, euh, avoir un exemple. Euh, fais une boucle infinie, comme ça, tu sais qu'il y aura des breaks. Mais en Rust, tu peux nommer tes boucles. Il n'y a plus de soucis. Plus. Ah, tu peux nommer tes boucles, d'accord. À quoi sert la fonction somme Ah, alors film ma Le somme, en fait, c'est la valeur d'un type énuméré, c'est-à-dire les options. Quand tu as une méthode qui peut ne pas retourner ce que tu attends, bah elle va te retourner None. None, pardon. None, c'est une des valeurs de ce type énuméré. L'autre option, c'est somme quelque chose. Et donc, en fait, euh, bon voilà, ils ont décidé de faire un truc euh, que j'accepte parce que j'y suis forcé. Mais pour le moment, j'ai encore un peu de mal à, voilà, à cerner le, 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 le potentiel positif du truc. Mais euh, voilà. Je sais pas, c'est pas très clair, je comprends, mais parce que moi-même, pour le moment, je ne suis pas encore assez euh, assez à fond dedans, quoi. Il y a le cas où tu commences un nouveau header, cela dit. Euh, alors là, je ne sais pas. Find split once. Et pourquoi vous voulez que je mette un point d'interrogation Ah, vous voulez dire que je pourrais... Ah, je vois ce que vous voulez dire. Donc, en gros... Euh, faudrait... Je pourrais faire... Merde, qu'est-ce que je voulais Je fais quoi là Ah oui, je pourrais... F... ben J'en sais rien. Qu'est-ce que je peux faire Non, parce que si je mets le point d'interrogation au bout, là, d'accord, sur le find, comment je fais pour tester que c'est égal à 8 Ah, donc là, tu fais let index est égal à ça. Mais après, dans tous les cas, tu es obligé de faire if index est égal à 8. Donc qu'est-ce que ça nous apporte au final Pas grand-chose. Par rapport à ce que à la notation de tout à l'heure Ah non mais Raw, euh, je pense qu'il a mis ça, mais euh, c'était parce qu'il fallait, il fallait y mettre quelque chose, mais non non, je pense pas qu'il voulait parler de, de la vraie variable. Raw. EVCXR pour faire du Rust en interactif. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que tu appelles faire du Rust en interactif, mon cher Phil Massicot Je ne sais même pas si je t'ai salué, Phil. Bonsoir à toi au cas où. XR, euh, interactive Rust in REPL and Jupiter Notebook. Bah, je sais pas ce que ça veut dire faire du Rust interactif. Euh, tu ouvres une console, oui. Ah, tu veux dire tu mets tes, euh, tu mets tes comment, enfin tes, tes instructions Rust dans la, dans la console ah, Il faut vraiment avoir envie de faire du Rust. Hein. <laughs> d'accord, d'accord, d'accord. Je suis, je suis vilain. Là, hein. ah, j'ai. Je, franchement je, je souffre vraiment hein, avec je, je souffre énormément. j'ai beaucoup de beaucoup de difficultés. Euh, donc ensuite, si je reviens là, if donc si je remets ce que j'avais fait tout à l'heure. If row find. en fait, euh, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Je vois pas en fait trop ce que ça change, puisque de toute façon, à la fin, tu retournes none. Alors oui, tu me diras, celle-là, elle pourrait retourner non automatiquement. Parce que là, tu retournes quoi à la fin Parce qu'il faut bien que ta méthode retourne quelque chose. Alors si, techniquement, tu pourrais peut-être mais comme... non, parce que je suis obligé de tester dans tous les cas. Donc dans le cas où c'est pas égal à 8, tu retournes quoi Il faut bien que je retourne non. Donc, euh, ouais, non, ça n'a pas vraiment d'intérêt, là, de faire comme vous disiez, avec des points d'interrogation dans tous les sens. Euh, salut, Alm Solom, excuse-moi, je t'ai pas salué non plus. Bonsoir à toi. Il y a des emplois en Rust. Je ne sais pas s'il y a encore un gros marché en Rust. Je pense que ça va commencer. Euh, ou ça a peut-être déjà commencé. Euh, mais je ne saurais pas dire, tu vois. Ouais, non, mais alors, Draconise, le, le point d'interrogation va, va nous retourner un non sur l'euro.find, mais pas sur l'égalité à 8. Donc euh, en fait non ça change rien. Dans tous les cas, il faut que je teste après si l'index est égal à 8. Donc l'indentation, je l'ai. Et euh, du coup, il n'y a, a, a pas de réel intérêt. Alors le seul truc peut-être ici, c'est que j'ai pas besoin de faire de if là. Puisque sur celui-là, je suis d'accord. Sur le split once, euh, effectivement, celui-là sert à rien. Et donc là je peux directement partir comme ça et sur celui-là ça ne sert à rien non plus. Et quoique euh, non sur celui-là c'est utile parce que ça me permet de faire le distinguo entre les deux. Ouais, là je suis obligé d'avoir ça. Donc, voilà. donc on a on a gagné une indentation. Voilà. Mais sur le premier, ça n'a aucun intérêt. Euh, let's bah pourquoi il est plus content avec ça maintenant Ah parce qu'il n'y a pas le point virgule, je suppose. Oh, ah non, c'est pas que ça. Euh, c'est quoi ton souci Mismatch type expected tuple tuple. et enum. Ah. Ben. Hmm. Ah non, 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 non. En fait, là, il faut que je mette ça plutôt. Voilà, ok, d'accord. Donc là, comme ça, ça enlève un somme, c'est pas plus mal. Euh, ensuite, euh, à force, votre Rust va finir par ressembler à du perle et bonjour à la maintenance du code. <laughs> On parlait de maintenance tout à l'heure, mon cher Baba. Il euh, y a des postes déjà. Non, car tu as les types affichés par défaut grâce à Rust Analyzer ou le Compilo. Euh, bah oui, Caria, ça avance, ça avance, tranquillou, petit à petit. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, Seto euh, Mais c'est terrible, c'est juste une source de confusion énorme de pouvoir changer le type de variable en cours de route. Et je pense pas qu'on puisse. Ah non, on peut. Oui. Moi, je pensais pas pour le coup je pensais que le type était, euh, était constant donc, tu peux changer vraiment le type d'une variable. Oui, ça c'est pas alors là pour le coup euh, je trouve c'est pas fou quoi euh, votre heureuse hein. pourquoi il y a un sum 8 ligne 83 alors en fait ici euh, row.fine il nous renvoie une option donc c'est ce fameux type énuméré qui vaut soit none soit euh, somme de quelque chose, c'est-à-dire somme euh, la valeur que tu attends. Euh, donc pour comparer, il faut que tu compares avec un somme de quelque chose. Euh, voilà. Si on voulait mettre égal égal 8, effectivement, si je mets un point d'interrogation ici, normalement, oups, je pas ce qu'il faut, je peux tester avec égal 8. Ça, ça doit marcher. Voilà. Mais par contre, ça te fout un point d'interrogation ici. Euh, ça peut pas planter. Non, tu utilises le même nom, mais pas la même variable. Euh, on va se retrouver à faire du PHP, du JS et du Python avec leur type à la noix. Là. <laughs> ah, tu vois, voilà. Uh, let mute a égale 1, a égale 42, c'est pas possible. Ah, ok. Oui, mais... Oui, d'accord. Ok, ok. Euh, changer le type d'une variable. Challenge, faire un programme avec une seule variable. Oh non. Ah non, 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 bah, bah, non, 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 on ne peut pas faire ça. Tu peux faire let input euh, st égale readline. Let input i32 par input. Enfin, je... D'accord. Mais est... Là, on est d'accord que c'est abominable en termes de de de, de code. Euh, le terme shadowing tu redéfinis une nouvelle variable avec le même nom mais c'est quoi l'intérêt en fait de faire ça if let sum some... find ah, ou c'est pas l'histoire euh, le shadowing là de dire euh, tu travailles comme ça toujours avec des nouvelles variables et, euh, et tu et du coup tu as jamais de t'as jamais de mutable il a pas une histoire dans ce goût là Quoi que non, en même temps, c'est peut-être même pas ça. Et du coup, bonsoir, bébenzer. Euh, if let some refine... euh, Je ne sais pas, mon cher Almo L'exemple donné dans la doc de Rust, c'est par exemple let space égal space et let space .ln. Ah mais tu vois, je trouve que ça a pas de sens. Pourquoi dans, dans, un, dans un au début tu commences par mettre une chaîne de caractères et après tu mettrais la taille de cette chaîne de caractères avec le même nom C'est toujours ça. Pour moi, une variable ça doit représenter ce qu'il y a dedans. Euh, je ne je vois pas, je, je vois pas le, le pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a cette histoire de question de, de, de variables mutables. Ça, je suis d'accord. Mais seulement si tu mets les choses à quelque chose du même type dedans. Sinon, si tu mets quelque chose d'un type différent, là, ça n'a plus, plus aucun sens. Oui, mais ta première variable sera inutilisée euh, tout le reste du programme. Oui, mais je vois pas le... Je... En vrai, tu peux tomber. Je... je, oui. je, je voilà. Mm, 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 mm. Salut, Anako Bonsoir à toi Yo, les rouillés <laughs> Euh, nostalgie de mes jeunes années en assembleur IBM 390 pas de variable pas de typage pas and roll. mais oui mais je suis d'accord avec toi babou c'était oh, mieux avant voilà on est on est on est des vieux cons c'est tout euh, c'est pratique pour éviter d'utiliser la variable sans pour autant la détruire mais c'est dans des cas avancés oui je pense être quand même dans des cas très particuliers parce que sinon je vois pas le, euh, mais le même nom de variable hmm. Ah là 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 là, ma foi, écoutez, en tout cas je suis content. J'ai réussi à faire une bonne partie de ce que je voulais faire ce soir. Bon, putain, quand je termine super tard, ma femme va me tuer. D'habitude je l'ai devant moi, elle est en train de jouer, etc. Elle me regarde avec des yeux noirs, et puis là elle est partie jouer avec son chat. Et du coup, ben bah, voilà, elle me laisse seule avec euh, avec mes névroses, et c'est assez, euh, assez terrible. Euh, bon, en tout cas, on lit notre fichier. Ça on le faisait déjà la dernière fois. On extrait l'entête proprement, cette fois-ci. On allait bien comme il faut. On extrait les données, enfin, les données de l'entête. Ça, c'est cool. Et, euh, je vais redire la même chose qu'il y avait une minute. Bonne soirée. <laughs> Mais oui, exactement. Pour de vrai, cette fois. Merci en tout cas d'avoir suivi euh, aussi tard ce live des moulins. La rediffusion, donc ce week-end, tac, je pousse ça sur YouTube, juste le temps de faire une miniature, voilà. Euh, je pense que je vais mettre une miniature avec le gars qui transpire, voilà, la grosse goutte. Ou je vais peut-être me faire une. Je peut-être prendre une photo de moi avec un. Je vais me balancer un seau sur la gueule, je vais me prendre en photo après, je ne sais pas, on verra. Euh, et puis, en attendant, une très bonne soirée à vous, passez un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc, la suite, bah, cette fois-ci, on attaque les données et on va regarder un petit peu ce qu'on récupère comme type d'information dans ce fichier. Euh, on va déjà ici de voir aussi est-ce que dans l'entête, on a l'information de quel type de données on récupère. Et puis, voilà, voilà navré d'être aussi... Euh, non, mais non, tu pas tout raté. Enfin, oui, tu as tout raté, Anaco mais il y aura la rediff. Donc, tu pourras regarder la rediff si tu veux. Euh, et, euh, et ouais je suis désolé d'être aussi euh, lent et euh, j'essaye hein, d'être ouvert d'esprit par rapport à ce langage. Hein, je suis extrêmement tolérant et tout. Bon, il y a des trucs sur lesquels je bute parce qu'encore une fois, j'ai mes habitudes et puis je suis un, un vieux con, ça, c'est clair. Euh, puis, bon, il y a des trucs que je trouve vraiment pas forcément cool. Mais voilà, en tout cas, je me force et puis petit à petit, ça va rentrer. Et, euh, et voilà, ah oui, raid, tout à fait, physique, c'est une excellente idée, tu fais bien d'y faire penser. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un en tête, mon cher physique, ce, que tu as envie de raider ce soir parce que bon, il n'y a, a pas de raison. Hein. On a déjà fait du. Allez, pas encore de Kotlin, Papa Ours. Euh, ça, euh, ça va arriver un jour ou l'autre. Il faudra, euh, ne serait-ce que pour que je retransforme mes, euh, mes cours de, de dev mobile. Euh, aucune idée. Ah bah voilà, on propose des raids. Et on sait pas qui. Vous voulez raider quelqu'un en particulier euh, Qui est-ce qu'on a On a Xuré, Neshul, on a, euh, a Defmute, Silver, Dave. Euh, Upworld. Ah je connais pas Upworld. Allez, allons voir qui est Upworld. Upworld underscore, me dis-tu. Ding. Euh, de quoi c'est dit donc que c'est que ça parle On recrée un On re Non. Ah non, elle a mis on recrée EER. Elle a mis on recrée EER. Ben, c'est pas possible ça. C'est pas possible, on recrée EER, un livre d'or. Comment voulez-vous que je... Je... je quelqu'un qui fait une faute pareille. C'est pas possible. Bon, je lui envoie un message, on va la raider. Mais alors, on est d'accord, vous, vous lui dites tout ce que son, Il y a une faute dans le, dans le, dans le titre de son chat. Hein. On, on est d'accord. Allez, c'est parti, raid. Et donc c'est upward. Euh, underscore. Et il y a deux underscores. YOLO! Voilà. <laughs> bon, écoutez, en attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore pour, euh, pour votre suivi et tout. Et puis donc, euh, à la semaine prochaine. Et puis, vous allez voir, petit à petit, je vais être de mieux en mieux. A bientôt, ciao!